C'est qui me défonce là? C'est toi. Toi? Non, j'ai pas bougé, je viens d'apparaître. Ah, parce que je viens d'apparaître sur le TP, ah, non celui... Ah oui, on est pas en zone. Oui. Merci, Yaya. Qui lance le train? C'est au moment, Vanille. On est pas fantôme ici. Moi aussi, j'ai dit coucou, Yaya. Hé, hey, arrêtez de me défoncer, il est nouveau, mon camion. Moi aussi, j'ai dit coucou, Yaya, t'as pas lu, tout le monde va croire que je suis mal poli. Oh, ce serait bizarre, Bonnet, qu'on croit ça de toi. Bonnet. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pas dit bon. Mais arrêtez de me pousser! Arrête, arrête! Qu'est-ce qu'il a fait? Arrête! Freine, non? Bah, c'est ce que je fais, arrête de me pousser! C'est une folie de faire ça! ouais, c'est ce qu'il a fait, il a pas dit bonjour à personne, et là, il y a Leïla qui arrive sur le chat, dit bonjour Leïla! Et nous, personne, il dit pas bonjour, rien à foutre. Bah, tu connais la musique, hein, il a pas dit bonjour. Niquer sa mère, c'est ça? Oh la violence! J'aurais pas osé. Mais c'est ça le truc, non? Je connais pas assez Bonnet pour. pour dire ça. Je te vois pas, Nono! Bah arrête de me rentrer dedans! Ah, mais je t'avoue que je te vois pas non plus. En fait, je vois ton pseudo, mais je vois pas ton camion. Ah si, je te vois, c'est bon. Ah oui, j'explique qu'il te. Ouais. Bah oui, il m'a poussé contre le mur! Ah, vous êtes en cuillère là. Comme j'aime. Ça dit quoi? Bah c'est normal la cuillère. Ah oui, ok. Je ne remercierai jamais, c'est mon père de m'avoir donné non, la pas la cuillère. C'est pas grave, n'est-ce que j'ai rien pris. T'as pas pris de dégâts toi? Alors on te suit parce qu'on sait pas où faut aller. Hein, par bah je sais pas non plus, j'ai pas encore trouvé de contrat. Offre de traction. Ah, un mode peu la banne s'il vous plaît. Moi? Moi? Longueur du trajet. Alors... Il nous faut 2500 minimum... Ah non, en partant d'Istanbul, s'il te plaît. Ça avait pas marché avec moi ou je sais plus quoi, là. Ah puis d'ailleurs, je suis allé dans les réglages tout à l'heure, dans jouabilité. Tu iras voir après. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis en... Facteur de préférence de longueur trajet, je suis à 100%. Et... Tu veux dire quoi? Ben, c'est par rapport au GPS, je pense. Enfin, au. Ouais, c'est ça. Attends, je dois les options maintenant. Voir si t'as la même chose que moi. Dans jouabilité, ouais. Genre le quatrième truc, cinquième truc. 100%, ouais. T'es à 100%? Ok. Mm. Non, parce que tu sais, des fois les autres ont des. Mais nous on est pareil. Des trajets différents, mais ouais, nous on est pareil, donc c'est bon. C'est tout ce qui importe. La musique elle est pas un peu forte, chat, ou ça vous va? Toi avec le camion on n'entend plus rien après. Alors. J'ai mis les phares automatiques aussi, ça c'est bien par contre. T'as dit quoi? J'ai mis les pleins phares automatiques, ça c'est bien. Ah ouais. On peut soit aller en Norvège et c'est un trajet de 3193 km. Mmh, pas mal. Ou alors, ah non, on n'est pas assez. Bah viens, on va à Oslo. On n'est jamais allé. Allons à Oslo. Ouais, 153 000, on se fait. Let's go. Équipement électronique qu'on transporte. Elle est un peu nulle et un peu vieille, mais NP. Je parle de moi, comparé aux voix, ouais, un peu. Après, avec le camion, vous allez me dire avec le camion. Parce qu'on n'entend plus trop quand on roule après, je trouve, la musique. Elle est bien, la musique. Ah non, tu parles de la musique, bonus, qui est nulle et vieille. Quoi? Si c'est trop fort par rapport à nos voix... Moi je trouve pas. On est en 3 environ. On y va. Il est beau mon camion. Non, j'ai vu les flammes tout à l'heure, il est dégueulasse. Oh. Fallait par où? Vers toi. Oh, je vais plutôt pour rien. Ah, JP, t'es à 150%, c'est pour ça que t'as pas le même travail que nous. Que le son global du live a diminué. Bah je pense que ce serait bizarre. Y'a pas de raison pour que tout baisse. Oh j'ai un nouveau... Ouais c'est tout différent mon camion. T'as pris une boîte douce comme t'avais avant ou pas? J'ai pas fait attention. Ah non je crois pas. Attends là je suis en 8ème. 10ème. Ah mais j'ai pas... Ah si j'ai dû changer tout à l'heure. Ouais c'est pareil que tout à l'heure. Que l'autre fois. Que l'autre camion. Okay. Merci frérot pour le train. Merci beaucoup.
Et là, t'as le plus beau des camions, il coûte pas de Noël, il n'a aucun goût. Bon, mon camion Saint-Valentin était bien mieux, Bonnet, hein, mais bon. Bref. Fais voir le bruit. Commercial Saint-Valentin, on s'en fout. Ouais, bah je l'ai pas fait pour la Saint-Valentin, je l'ai fait pour l'amour envers moi-même. Le son des camions est trop faible. Oui, ils sont du jeu. De quoi sont du jeu ? Où allez-vous ? Là. Po, elle a dit coucou Yaya, alors ça a été ton week-end ? Coucou Po, oui, ça a été mon week-end. Son du jeu. Ah oui, c'est pas le son du jeu, attends, je m'arrête. Toi, Po. Oui, bah. Moi, j'ai pas pris de dégâts. Ouais, moi, j'ai 23 vu que JP m'a explosé. Hop là. Merci les rushs, j'avais oublié le son. Bien vu. On peut y aller. Merci pour le train, les refs. Oh, mais ferme-la. Tu parles à moi ? Anouki, elle m'a dit, oh, mais ferme-la. Parlez pas. Je sais pas. Vous avez un nouveau message. Ouais, mais je suis en négatif, ça y est. Et bizarre, Kiki. Ah, ou alors elle disait ça par rapport à... à la Saint-Valentin. Ah. Bah, pourquoi ? Je pense que c'est plutôt ça, parce que je vois pas... 21 392 que j'ai payé. Ouais, j'ai beaucoup trop de prêts, Pégase. Mais t'inquiète, mes employés, ils me rapportent de l'argent. Ah, d'ailleurs, avec l'argent qui me restait, j'aurais dû payer un employé pour qu'il travaille. Peut-être par rapport, j'ai fait de l'amour pour moi. J'ai fait d'amour pour moi. Bah oui, pourquoi tu me dis ferme-la ? Que, ah, je crois que c'est le kilomètre que vous alliez faire. Et non. Je me sens plus haute dans mon camion. Je vais finir par vraiment finir chauffeuse poids pour lourd, moi, c'est sûr. Ah, mais monsieur Moustache, tu viens de TikTok, je viens de voir. Toi, t'aurais peur de le faire, Yaya ? Chauffeur poids lourd ? Ouais. Si j'ai pas un enfant, je pense que je. Bah, mon frère, il a un enfant, il le fait. Ouais, mais non, moi, si je suis chauffeur poids lourd, je pars loin, tu vois, genre. Ah ouais. Ouais, genre, je pars, tu vois, là, que, voilà, comme les trajets qu'on fait là, tu vois. Mm. Je parle au bout du monde, là. Vous l'entendez bien, Yaya, vous, chat ? Oui, dis-tu, comment tu vas ? Ah, sinon, t'aurais bien aimé ? Ouais. Bien dit, Anouki, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Mais toi, pour pas la conf, elle est malade, elle. Ouais, toi aussi, même qui aurait bien aimé faire ça ? Enfin, qui aimerait faire ça ? En vrai, ça, faut... Ça va, faut pas moins. De quoi ? Ah, le son Yaya ? Ça va, ce son. Pourquoi je regarde Yaya ce soir ? Non, je pense qu'il faut lui offrir un super micro pour qu'on entende sa voix suave. Il a dit Bonnet. Je sais pas pourquoi il te drague. La question, c'est pourquoi que ce soir, Bonnet ? Ok, merci, Pégase. Réel ? Oh, y'a pas de PNJ ici ? Après, je peux parler maintenant si vous voulez. Oh ! Bah, la vue ! Excuse-moi, virgule, je n'ai pas mis la virgule. Je vais contourner le poste de péage. Tu vois, moi, il me le dit. Oui, bah oui, mais c'est parce qu'on n'a pas de cargaison, là. Tu passes à combien ? Ah oui, bah... Un peu tapé. Hop là, 6 euros. Ouais. T'as recopé. Et le Eurotruck Europe suffit, non ? Il est fou. Mais en fait, Gold et Europe, je crois que c'est juste la différence de DLC que tu dois avoir dedans en Occident, je pense, hein. Parce qu'il n'y a qu'un seul jeu Eurotruck. Enfin, le 2, quoi. Mais regarde ce qu'il comprend. En fait, le jeu de base, Euro Truck Simulator 2, tout simple, t'as que la France, une partie de la France, mais ouais, c'est pas ouf, t'as pas beaucoup quoi. Essaye de prendre un pack avec des DLC, tu seras mieux. Tu coûteras, tu payeras moins cher en plus. Oula. Mais ça a glissé. Mais ça. C'est normal. Pourquoi ? Là, quand tu piles maintenant, ton camion il dérape, c'est toujours ça maintenant. Ah ouais, il y a eu un petit dérapage là ? Ouais, c'est casse-couille. Je suis allé regarder, l'ABS est bien activé dans les réglages pourtant. Ah, c'était incontrôlable. La folie. J'ai adoré. Euro Truck pas en Europe, Mélanie. Ça serait étonnant. Oui. Elle a fait un an de sub, Mélanie, aujourd'hui. C'est tout ? Bah oui, bah ouais. Elle a vite été si intégrée. Si récente que ça ? Bah elle a vite été intégrée. Hein. Mais en vrai, non, elle est intégrée depuis peu. Hein. Enfin, vraiment intégrée. Mais une réparation qu'il faudra pourquoi payer quand même. Ça fait 2 ans qu'elle est là. Non. Bah, je m'intègre, hein. Renous ! J'ai failli faire un geste obscène sur le live. C'était quoi le geste obscène ? Un rond et un. Quoi ? Non, rien. J'ai pas compris. Non, ça. Je compte.
Faut que je baisse la musique, sinon je t'entends pas, c'est fou. Non, c'est pas grave. Seulement un an, perso, ça fait 40 ans qu'elle est là, cette sale merde de ouf, hein. C'est Eurotruck 2 Europe et t'as 60 pays dedans. Ah oh bah prends, Noxy, prends. Ça veut dire que t'as un pack. Regarde bien, mais ouais, prends, en vrai, tu seras mieux que la version de base. La version de base, y'a rien, ouais, genre, c'était pas sûr, quoi, mais bon. Dans toutes les, tous les packs, t'as Eurotruck 2 dedans. Pas par là. On l'abandon du virage. C'est une playlist 2000 ou c'est comment? Non, c'est Garde la pêche, la playlist. Ah ouais, c'est Garde la pêche. Garde la pêche de... Ah mais c'est long que t'as fait. Ah bon? Ah non, pas du tout. Garde la pêche. Elles sont belles les remorques. Transporter à la chouette gargaison vers plus de 60 villes européennes. Oui mais regarde dedans, il peut te mettre ça mais sans DLC en vrai. Hein. Regarde bien ce qu'il a inclus. 60 villes, pas pays. Oui. Je peux pas te dire là comme ça. J'ai bien pris la mission. Vous jouez à deux sur le même camion? Non. Oui, les passagers, gère la radio. Moi, je fais le volant et toi la pédale. Pourquoi Ah bon. Oui, ma remorque. Remorque est là. Non, du coup, livre saumon, lui il a son camion et moi j'ai mon camion. Mais faut que je fasse un meilleur overlay. Mais ce serait trop bien qu'on puisse te voir conduire, mais bon. Bah, quand Dieu voudra bien te donner la fibre. Bah, même, de toute façon, avec Discord, laisse tomber, on va encore crash. En Dieu m'a moment. Donné la fibre. Non, mais je pense qu'il y a un moyen autrement de partager. Ouais. Non, Yaya a son camion, moi j'ai avec le Steam. Mien. Oui, c'est vrai. Coucou, ça rouille! Ça va et toi? Comment tu vas la forme? Pas de soucis, nous. Forme ma rose. Force de conduite du papy, P. Ça veut dire quoi ça? Oh tu vois ça rouille la forme ou quoi? Ça va ou quoi? Vous êtes tous prêts? Yep. Ça va. Je peux rapporter 3755. Ok, pas de dégâts hein. Il est plus long le trajet que la dernière fois. J'ai fait 3 trajets en excellent ce matin donc... Ah ouais? Ouais mais... Zéro dégâts. Alors là il me sait très bien que c'est différent. Oui. Le boulot sera ouais. J'ai mis fait le 2 pas côté. Ah t'as regardé quelle vidéo? La dernière, mais elle dure 3 heures et des brouettes. Hein. Je suis qu'à la... J'ai dû regarder une heure seulement, je crois. J'ai vu le lag. Ah, oh, c'est vrai? Mais du coup, c'est quoi? T'as fait quelque chose? C'est la mise à jour qui a réglé tes soucis? Oh, j'ai pas fait la mise à jour Nvidia. Ben, en fait, ouais, j'ai eu genre 3-4 mises à jour dans la semaine à Nvidia déjà. Et le gros truc, il y a peut-être eu une match, je sais pas. Ouais. Et plus de plantage. Oh, tant mieux. J'espère que je vais pas de problème, j'ai oublié de faire la mise à jour des pilotes graphiques, il y en avait une cette semaine. Ouais, mais j'ai tout fait là. Du coup, les assurances sont plus chères. Pourquoi tu dis ça pour les volants et la pédale? J'en ai été longue pour juste des choses que je déteste le plus au monde, les longues réunions. Ah ouais, mais là où je travaille, c'est une drogue. Genre addictif, c'est horrible. Merci beaucoup Stéphane pour ton follow, bienvenue, comment tu vas la forme? Mais Yaya, c'est lui qui sort Brouillage 24 avec Wizbot, il a dit saumon. Non, c'est Wizbot qui fait le malin et du coup, moi j'ai dû répondre. Ça. Et oui, c'est moi, c'est PNJ, là, comment ça rien. D'où il force le passage, lui, que ça... Bon, on cède le passage à tous les anneaux, pas seulement aux anneaux extérieurs, hein. Allez, hop. Oh. Voilà, rentre chez toi. Il a éclaté le camion. Oui, ouais, ça va, l'outil, il est la priorité. Non, ils ont besoin de se réunir pendant 4 heures, tu peux dire ce que tu as à dire en 1 heure. Ah ouais. Ah oui. Non, c'est chiant, ouais. C'est pas une réunion productive ou quoi, où ça va vite et c'est bon quoi. Ah, c'est chiant ça. C'est trop bien les réunions, ça va super vite. Hyper efficace là. Les appels comme ça là, c'est trop bien. C'est ça, ouais, c'est chiant. T'as besoin de perdre ton temps. C'est fatigant. Ouais, c'est fatigant de parler pendant plusieurs heures comme ça, du même truc tout le temps. Merci pour l'heure bonnet. Salut Arnaud, comment tu vas la forme? En temps réel, t'as combien de temps de jeu là? Sur le jeu, j'ai plus de 140 heures, je crois. Ce qui est vraiment très peu pour quelqu'un qui joue au Eurotruck. Les joueurs au Eurotruck, ils ont vraiment beaucoup trop d'heures. J'ai vu sur TikTok, ils ont des milliers d'heures et ils sont tous devenus chauffeurs poids lourds là-dedans. Genre, c'est un truc de fou. Et ça, oui, les réunions, c'est chiant quand tu parles pendant une heure, mais tu parles pour rien dire, quoi. Genre. T'avances pas, quoi. Genre, c'est des banalités sur le sujet. Genre, les rues modo, quoi. Exact, je pensais à ça.
Non, c'est pas vrai. T'as l'IA qui arrive et qui fait marcher comme ça. La dernière Umodo, elle a été trop efficace, sa mère. Ouais, c'est juste pas là, ouais. Ouais, bizarre. Ouais, je t'ai peut-être y voir un message. Bizarre. Hein. Ah, tu vas te peser, toi? Bah oui, ils le disent de le faire, je le fais. Je le fais pas, vu qu'on a désactivé les amendes. Bah, félicitations, le RP, Yike. Et comme certains pensent que les réunions, c'est un bureau de plainte, ça dure une plombe. Ah ouais, ok, ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça parle de tout, sauf du sujet vraiment, qu'il faut, quoi. Ça va super, Arnaud, la patate. Hé, Arnaud, tu joues pas Euro Truck, toi? En fait, t'en avais déjà parlé autrefois. Alors que si tous ceux qui se plaignent ou qui parlent pour rien dire apprenaient à fermer leur clapet, ça irait plus vite. Cherchons le dénominateur commun. Peut-être, livre saumon. J'ai rien dit après, mais bon. Peut-être. Pas de soucis, Anouki. Oh, pardon, j'étais un peu doublé en coupant ta voix. Ouais, j'ai. Bisous, Anouki. Bon courage, pose-toi bien. Yannouk, c'est pas bien, petit hamster. Non, ça faisait trop grave, un vrai ça faisait trop longtemps, un vrai saucisson. Ouais. Enfin, un vrai. Pas un vrai, même. Salut les cochons qui nous regardent. Arrête, mais laisse-moi profiter. Voilà ça. Voilà, donc c'est mieux. Quel genre de vrai saucisson? Mélanie. Ah non, j'aimais jouer dans un futur, pourquoi pas. Mais il me semble que t'avais posé des questions par rapport au truc à un moment. Non plus que le petit verre, Nono. J'ai ma petite rébule, c'est bon. C'est pareil. C'est pareil, donc si c'est bon. Petit verre de rouge. Waouh, waouh, waouh. Quelle horreur. J'ai eu un dysfonctionnement du véhicule, ça m'a mis un coup de frein à main, du coup mon camion il est parti sur le côté. Oh, trop stylé. Et bah, il a mis non, ton camion tout. Ah oui, c'est bah vrai. Oui, JP il m'a défoncé, il m'a mis 23% alors que j'avais un camion tout neuf qui n'a que 700 km au compteur. Tu as pris l'occasion. Oh, non, j'ai acheté neuf. Il y a un accident devant, mais comment ça? Il s'est passé quoi? Mais elle a volé toute seule. Attention, il va te retourner. Oui, et puis la jaune elle pile devant moi, arrête de piler toi. Mais il vient de se passer quoi? Oh, mais là il vient de recréer un accident, il est con. Le PNJ il a changé de voie et du coup il allait percuter la voiture qui était accidente. Trop con. Mais il a volé le truc tout seul. Je veux du saucisson, gros stylé. Burk, le rouge, on est d'accord. Ouais. Mais non, je dis ça comme ça, hein, c'est dégueulasse. Hein. Vous allez où? On va à Oslo, en Norvège. C'est pas signalé sur Waze. Non. Il faut mettre un petit bonhomme. Est-ce que le radar est toujours là? Toujours là. Et t'as des petits points. Ils servent à quoi les points sur Waze d'ailleurs? Parce que j'aime bien ça mettre des petits points à chaque fois, mais je sais pas à quoi ça sert. Pour acheter des pour ton avatar, non? Il est sur Waze. Ah, je les utilise pas Waze. Non, c'est vrai? On m'étonne de toi. Sur l'iPhone avec plan, t'as aussi les alertes. Ah, j'ai jamais utilisé, ça a l'air trop nul plan. Bah j'ai CarPlay dans la voiture, donc j'ai le téléphone affiché sur l'écran. Ah ouais, toi t'es bien. Ryu s'est dit bonjour. Yeah. Et Ryu. Wesh Riette, comment ça va Ryu? Plein nul à chier, dis bien Noxy. Vous allez... Ouais, j'ai répondu à Mélanie. Ouais, c'est bien mieux. Ouais, j'ai pareil, je suis passé sur Waze depuis que Google Maps m'a dit que toutes les autoroutes étaient fermées et qu'il m'ajoutait 5 heures de route en plus pour Noël. C'est pas le 1er avril qui t'a fait ça? Non mais je te jure, je sais pas ce qu'il m'a fait à Noël quand j'allais chez mes parents. Le ref il m'a rajouté 5 heures de route et il m'a dit que toutes les autoroutes étaient fermées. J'ai stressé, j'étais sur l'autoroute à ce moment là en plus. Je regardais sur un tas, je me dis qu'est-ce qu'il me raconte? Parce qu'il m'a dit ça quand j'étais bien sur la route, déjà bien engagé. Donc il voulait me faire partir sur d'autres voies et tout. Genre qu'il me rajoutait une route de zinzin. Ouais, il y a trop d'alerte. T'as désactivé les autoroutes? Bah non, bah non. Non parce qu'il te met pas ça en plus quand c'est ça. Parce que mon trajet de base c'était bien fait et tout, tu vois. Il m'a trop stressé. Peut-être au cheval, s'il vous plaît, j'ai trouvé gris. Il est bien gras alors, oh le bâtard. Trop d'alerte? Non, je trouve il prévient juste quand il y a des radars. Après tu peux régler, tu sais, moi j'ai coupé tous les sons, juste tu vois. Je crois que tu peux gérer les alertes ou quoi, est-ce que tu veux voir, pas voir. Moi j'ai l'impression qu'il roule trop vite mon super camion. Je t'arrête de me dire que je suis obligé de rouler bigas parce que je roulais trop vite avec le mien, mais... Putain... Tu l'as payé combien? Je suis pas personnalisé, je dois être à 300. Sans personnaliser? Je crois qu'il est à 260, je crois. Oui, tu prends un plus gros que moi. Bah c'est le Volvo... sur la page des Volvo, c'est celui en haut à droite, c'est le plus puissant. T'as pas pris d'occasion, toi, tu m'as dit. Non, non. Ah oui.
Ouais, j'ai zéro son, mais trop de trucs qui pop sous mes yeux. Ouais, je comprends. Mais je crois que tu peux régler en vrai ce que tu veux boire ou pas, il me semble. Merci Kiki pour le clip, merci beaucoup. Je crois. Hein. Je t'ai fait une blague. Bah, t'as pas besoin de ralentir à ce point-là non plus, hein. Ça va, je conduis vite. Hein. Oui, non, mais je te laisse passer devant. Ah. Il est trop bien mon camion. J'ai l'impression de rouler super vite. Il est beaucoup mieux que l'autre. Salut Wolfie, comment tu vas, la forme? T'as pas changé ton titre? Bah non, parce que dans le titre il y a marqué qu'on va faire du ETS. Bah après c'est ça qu'on pourrait changer. Pour marquer que ETS. Non, moi maintenant je sais les mots d'offert, hein, catégorie et tout. On est en bonne catégorie d'ailleurs? Oui, je crois. T'as pas dit genre la semaine dernière... Hein? T'as dit la semaine dernière, hein, faut que j'arrête de laisser les... Bah oui, mais ils sont trop rapides de toute façon. Il faut que j'y pense juste quand vous êtes pas là, quoi. T'as super Wolfie, la patate. Joe, y a... t'as comme tu veux. T'as du multi où tu peux être en serveur avec plein de gens. Tu peux être en solo ou sinon, là, nous, on est en convoi. Donc, c'est des sessions où on est 8 max. Et t'as les PNJ et tout. Si tu vas en multi, t'as pas les PNJ, t'as pas les autres voitures. Mais là, on est en convoi où on est 8 max. Et voilà. Maintenant, là, y a avec moi, Nesquik et JP. Ah, faut encore se peser. Et le multi est très cool. Oh là, ça va vite. Putain, on arrive à 150 européens. Elle ose dire ça va vite. Et Joe essaie de changer d'addiction. Elle peut pas, mais elle, pourquoi? Pourquoi elle pourrait pas jouer au Eurotruck? Parce que là, t'es un des meilleurs, voire les meilleurs des Mercedes. C'est vrai. Il est beau, hein, je l'ai pris d'occasion, je fais une petite affaire. Comment tu dépasses, toi? Bah quoi, je vais le regarder à la place. Moi, je respecte les règles par rapport à IA, je pèse mon camion. Et Nesquik, il le fait pas non plus. Je sais que je pèse. Vas-y, double-moi par la droite. On est déjà en train de manger pour Valo toute la soirée. Non, vous êtes trop graves, les filles. Hein. C'est mal, les enceintes. Non, mais c'est dire ça. Non, mais moi, Yaya, je fais... Non, mais moi, je fais pas ça, mon ref. Hein. Je suis jamais arrivé à ce niveau d'addiction, on rigole pas. Moi, s'il est live, ça va. Pourquoi tu rigoles? Je crois qu'il t'a oublié des périodes de ta vie, hein, je crois. Non. Non, c'était en live si ça arrivait. Non. Tu parles de quoi? Quand tu jouais hors live, c'était pas en live. À Valo? Il y a pas eu que Valo, hein, y a eu d'autres trucs. Hein. Ah bon? Bon, y a pas beaucoup de fois où j'ai joué hors live avec addiction. Hein. Valo, oui, c'est vrai, il y a une période quand je faisais des lives que Valo tous les jours, même hors live, je jouais à Valo. C'est vrai qu'il y avait peur, je me couchais tard, je me rappelais parce que j'avais laissé pousser mes cheveux et je commençais à m'attacher les cheveux. Et je me rappelle, je mettais des photos sur Insta. Je jouais tous les jours avant ça le folle, live ou pas live. J'aimerais trop faire une 3 semaines full Valorant. Comme le mytho. Non, mais c'est vrai, Yannick. Hein. Je fais pas ça, j'ai juste passé 2 jours non-stop en voc avec Mel et Joe pour faire du Valo. Non, ça c'est pas vrai par contre. C'est pas vrai. J'ai joué ce week-end, j'ai joué que hier soir avec les filles. Non, pour le coup, ça c'est pas vrai du tout. Quand on joue avec les filles là hors live, c'est pas longtemps. Ou alors c'est en live, si c'est longtemps. On mange juste parce que j'ai la dalle, on a pas mangé ce midi. Mon cul, ouais. Warzone ou que en live? Non, à Warzone, j'ai joué hors live, mais c'était rare, c'était avec Layla, mais c'était de temps en temps. C'était rare, c'était il y a très longtemps. Oui. Y'a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. J'ai plein de trucs qui vient en tête, mais je dis rien. De quoi? Ah! J'ai le comme ça. Ok, un petit truc de mémoire, la petite. J'ai déjà plus de pas jouer Ophélie. Ouais, en vrai, c'est ça. Mais dites pas des choses fausses sur moi. Parce que j'ai pas joué du week-end à Paris hier soir, un petit peu avec les filles. Bah, t'étais en randonnée, tu pouvais pas jouer. C'était bien, bah oui, j'étais pas toi. Là. Ophélie qui rentre de son week-end et qui m'envoie direct Valo. Non mais attendez, hier soir c'était une folie les gars. Au moment où je suis dispo, j'envoie un vocal à Mélanie et je lui dis un petit Valo, il était 17h06, ok, j'ai regardé les horaires. Après je lâche mon portable, je reviens sur mon portable, j'ai un MP de Mélanie qui me dit putain que t'as mis deux zinzin, mes parents viennent juste de partir, j'allais te proposer un Valo. Deuxième MP de Joe qui me dit ça Valo ce soir. Il y avait même pas 10 minutes qui sont passées, 5 minutes entre tous ces messages. Désolé mais c'était parfait. Incroyable. Moi je t'ai vu en boc toute une après-midi. Il y a une journée où je t'ai vu en boc toute une après-midi. Ça me dit rien du tout. Récemment ça me dit rien du tout. J'ai joué avec Mélanie
Je crois que c'était le week-end dernier. Mais je crois pas qu'on avait toute une après. On a joué quelques, peut-être 2-3 heures. Mais hors live, on joue pas longtemps. Tu fais le plein ? Ouais. Ouais, comme ça c'est fait. On est connectés toutes les trois. De ouf. On met à notre jeu heureux. Salut Olivier, comment tu vas, la forme ? 7h à 9h à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Bah oui, vendredi, c'est le vendredi soir. Ouais, j'ai pas pu jouer longtemps. J'ai pu jouer moins longtemps que prévu. Ouais, c'est ça. Non, je fais hors live, je fais pas des grosses sessions. Hein. Hors live, pas du tout. Enfin, actuellement, je veux dire. À l'époque, peut-être, ouais, ça devait arriver. Trop le seum, putain. Mais ouais, c'était soirée Valo. Mince alors. Parce qu'elle accepte de jouer avec moi. Ouais, parce que Mel, elle est venue. Merde, tiens, poteau. Elle est venue avec moi. Ouais, mais de base, elle joue avec moi. Hein. Elle est venue par dépit, quoi. Eh, hey, ma place. Mais j'ai pas envie de faire du non classé, ma soeur. T'as dit quoi? Une musique de baisse. Quoi? C'est pas une musique de baisse. Bof. Ouais, c'est vrai que vu le titre. En plus, vous êtes une bonne demi-tôt. Pourquoi? Je suis fier, j'avais un argent dans ma game. Bah, ça arrive s'il y a des gens qui lancent en duo queue. Il y en a un qui est fier, l'autre qui est argent. Ah, ils peuvent jouer ensemble eux? Bah, ils sont pas en duo queue alors. C'est bizarre, juste le mec a du pop là-dedans. Ça me paraît bizarre. Parce que non, Alex, c'est sûr qu'on peut pas jouer ensemble. Hein. C'est sûr et certain parce qu'on avait essayé avec les filles l'autre fois et on peut pas. C'est 2 d'écart, je crois. Bah, attends, je suis gold et je peux pas jouer avec les bronzes. Donc, c'est 2. Mais toi, gold, c'est mort. Peut-être que ça compte pas après dans les fer, argent, bronze. Ah, ensuite dans les gros. Ah bah c'est ça. Parce que je sais que je peux pas jouer avec les bronzes. C'est sûr, on avait essayé à l'époque, c'est sûr. Et moi je peux jouer avec elle, je pense. Ouais, peut-être. Mais bon, tu vas perdre plus de points et tu vas gagner moins de points. Il y a vraiment. Enfin, c'est la sauce quoi. Ça va être plus dur pour elle et pour toi, ça va aussi être un enfer parce que c'est des mecs random. Y'a de la rank dans ETS? Oh, ce serait incroyable! Eh, y'a eu pendant. L'événement créé par Nesquik, qui va connaître. Speedon? Pendant Speedon? Il y a eu un passage de roll-truck l'année dernière. C'est quoi le but? C'est un mec qui conduit sans remorque. Il devait aller plus vite, le plus vite possible d'un point A à un point B. Stylé. C'était un quart d'heure quoi, c'était pas longtemps ce qu'il avait à faire. Y'a de classes sur Farming Simulator? Genre accessible Pégase? À tout le monde? Ouais, mais c'est des trucs. C'est pas juste la première chambre. C'est une ferme entière à gérer, genre c'est quoi? Non, non, c'est des trucs. C'est genre des jeux. Mais tu regardes quand tu lances le jeu, tu peux y accéder. Ah ouais? Trop barrant. Non, je vais pas sur la bonne voie moi. Il y a des events et tout, avec des commentateurs, machin. Ah, c'est vrai? Moi j'ai jamais vu. Et tout. Ah, ouais, c'est bientôt d'ailleurs le speedo, une dizaine de jours. Oh, cool! Une dizaine de jours, c'est le week-end pas là, mais celui d'après? C'est trop bien, speedo. Enfin, j'ai découvert ça l'année dernière, j'ai trouvé ça trop chouette. Ils ont eu tous bronze moins 10 000. Il y avait eu. Du coup, en juin, on n'a pas cherché plus, mais j'étais MDR. Trop marrant, ouais. Yep, trop cool. Y'en a qui regardent Speedon ou qui connaissent pas du tout? Salut Poké, comment ça va? Je trouve ça trop chouette, tu regardes toi Yaya? Non, ça, je peux faire des trucs mais je vais pas dire tiens je vais regarder. Ouais. C'est quoi? C'est un événement caritatif? Ah vous connaissez pas? C'est créé par qui déjà les Squeaks, c'est qui gère ça? Mister MV je crois c'est ça? Oui c'est ça. C'est un mode caritatif créé par lui et en gros c'est sur tout un week-end où ils font venir plein de speedrunners sur plein de jeux et tu regardes leur performance, en gros chacun fait son truc quoi tu vois. Non seulement ça fait venir, ça fait connaître des petits créateurs ou des petits speedrunners tu vois, parce que généralement c'est des gens pas hyper connus sur Twitch en plus, ça dépend qui. Et y a sur plein de jeux différents, ils font un speedrun ou quoi, j'aime pas le speedrun mais là c'est trop bien je trouve à regarder. L'année dernière, il y avait du Elden Ring, c'était impressionnant. Il y avait du Euro Truck sur 15 minutes. Il y avait du Isaac, où ils étaient plusieurs d'un coup. Enfin, il y a plein de trucs. Et ça, tout le week-end, c'est full speedrun sur un jeu à chaque fois différent. Ouais, il y a aussi Nesquik Silver. Le jeu est beau, oui.
Et c'est trop trop bien. Et du coup en même temps c'est avec je crois que l'année dernière c'était Médecins Sans Frontières le... Enfin Médecins Truc là Pas Sans Frontières le, les vêtements caritatifs. Et quand tu fais des dons tu fais des trucs à gagner. J'avais fait un don, j'ai perdu. Mais bref, c'est vraiment cool, l'événement est trop chouette. J'ai perdu, non, t'as pas perdu parce que t'as fait un don. Oui c'est vrai, mais j'ai rien gagné. Il y a plein de trucs à gagner et tout en plus, genre, enfin, l'événement est vraiment chouette. Vraiment l'événement est trop chouette, c'est trop cool à regarder et tout, genre. Puis tu découvres plein de gens qui sont pas connus ni rien, ou enfin peut-être plus connus. Dans le camion de Gaïa, il y a Noxy. Bonjour Noxy, comment tu vas? Perdu la politesse sur ce live. D'abord Bonnet, maintenant Noxy. Ça y est. Si c'est Médecins Sans Frontières, si c'est ça. Ok, j'étais pas sûr. Non mais vraiment c'est trop intéressant et c'est vrai que c'est pas trop connu comme event, je trouve ça fou. Mais en même temps pareil, j'ai découvert ça l'année dernière. Grâce à Netflix en plus je crois. Non c'est hyper cool. Ouais je crois bien. C'est hyper cool à regarder. Mais vraiment c'est trop bien. Et t'as tous les streamers, genre il y avait Dame l'année dernière, enfin des streamers que... Enfin ce groupe là de streamers quoi, vous voyez. Qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur d'autres événements je trouve. Enfin moi j'aime bien. Je trouve que c'est très mature comme événement par rapport à d'autres. Non, c'est juste que tu m'as pas dit bonjour. Ah, je t'ai loupé, pardon. Hop là. Oh, ouais. Ouf. C'est arrivé. Oh, rien. Je dis au dimanche, en fait, en plein milieu de semaine. Ah ouais? Ok. Il y a quasi une heure. Elle dit bonjour. Ah, merde. Parce que oui, mais tu devais pas faire un event en février? Non, l'annonce, elle est de... Ah, le caritatif Ryu. J'ai mis un message en discussion pourquoi je l'ai pas fait. Il est long à doubler JP, là. Bah, il ne double pas et du coup il va me coincer entre le camion de devant et là et... Je te laisse passer, vas-y. Ça sert à rien. Sinon il y a une big annonce le... 2 mars, Nesquik... Ryu, pardon. Il y a une big annonce le 2 mars. Bah, Nesquik aussi, il y a une big annonce. Quoi? Nesquik, il y a une big annonce le 2 mars, t'as dit? Ah non, mais... C'est pour l'annonce. Quoi? J'entends pas. Et il participe aussi à l'annonce. Hein? Non, laisse tomber. Il participe à l'annonce? Mais non, mais tu... Non, mais laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si, je veux savoir, comment ça il participe à l'annonce le 2 mars? Mais non, mais tu dis, ah, il y a aussi une grosse annonce le 2 mars, Lim. Il est concerné aussi, Nesquik. Non, mais laisse tomber, il y a rien à comprendre. Ok. Laisse tomber, ça va leak. Non, c'est bon. Ok. Dieu, on sera pas là tout seul, bidon. Lag. C'est pas grave, le 2 mars, c'est que l'annonce, les gars. L'événement, il se passe pas le 2 mars, vous verrez. C'est juste la big annonce. T'es perdu dans ce qu'il a dit. Ouais, on va dire que c'est ça, donc si c'est lui qui s'est perdu, on est d'accord. Ouais, c'est ça, donc si, ouais. Pourquoi t'as pris des couleurs comme ça, tu fous le seum? Ah, t'as vu? Eh, t'as vu, t'as remarqué toute seule. En début de live aussi, ils ont remarqué. Enfin, j'ai dû insister en mode. Non, mais c'est vrai, parce que tout à l'heure, en début de live, j'ai dû leur dire, vous avez pas vu qu'il y a un truc qui a changé et tout. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai, j'ai rien dit. Non, mais c'est une façon de dire. Ah, t'as remarqué toute seule. Après, tu me l'as dit hier en voc. Ah, ok. Oui. Ouais, mais tu le remarques là, hein. Là, au début de live, je dis, vous avez pas remarqué, y'a un truc qui a changé. Et ils ont mis du temps, mais ils ont fini par comprendre. Sans que je dise. Oh, les meufs superficielles là. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui a changé, hein? Regardez. Regarde, j'ai bien fait. J'ai les joues rouges. Enfin, pas rouge coup de soleil, mais un peu. Oui, bah, une petite couleur, quoi. Les joues rouges, c'est pas avoir bronzé, hein, par contre. Mais non, mais c'est pas un coup de soleil. Mais au mois de février, attends, c'est une folie. Je suis super heureuse. Ouais, ça se voit, t'es marron caca. Ah, ok. C'est pas la lumière. Mais non! Rouge c'est pas bronzé. Non mais c'est pas rouge coup de soleil. Attends. C'est des couleurs. Arrête. Je sais ce que tu fais là. Alors? Eh hey. J'ai non, pas giga bronzé dans le nord moi. J'ai pas changé ma lumière Yannick hein. Non plus. Tu plisses les yeux. Je suis coupé 0 cm de cheveux. T'as vu? Tu fais attention à moi. Non mais ça je le fais pas d'habitude. D'habitude. Ben non, mais c'est juste que voilà, j'ai pris des couleurs au mois de février, c'est quand même super cool. Oui, j'ai une obsession pour le bronzage. Non, mais d'accord, j'ai une obsession pour le bronzage. Et alors il m'a fait appel de tard parce que je suis en plein fort. Comment? Non, mais allez, en fait, ça change la vie. T'es juste trop beau en fait. T'as dit quoi?
Mets-toi les phares auto, c'est ça. Non, j'ai pas envie, c'est pas grave s'ils se prennent des plans forts. Où ça glisse? Dans leur Pas-de-Calais tout gris, elle a les sourcils foncés, j'en veux plus. Juste ce soir, arrête, Joe et Mélanie, vous pouvez garder vos MP privés s'il vous plaît. C'est qui le compte fan? Moi je sais. Et en fait toi t'es juste trop beau, ça j'ai vu. Et t'as changé de cam? Non! J'ai de camion, t'as vu, j'ai remarqué, la meuf a des comptes fans, excusez-la. Bah ouais, en fait. En plus, la personne qui tire le compte fan, elle est super drôle. Enfin, le dernier truc aujourd'hui, j'ai trouvé ça super marrant. Tu as du planning là? Ouais. Un truc de ballot, ouais. Un compte fan? Ouais, sur Insta. Oh, mais Mélanie! Je vais pas être roulée à tout rang qui va descendre. Meuf, je peux te retrouver bronze. Ah ouais, il fait de sa belle. T'as vu? C'est bizarre qu'on m'appelle Julien. Parce que je lui ai foncé dessus, c'était... Ah bah yo yo. Ouais, je fais des drifts, ah. Mon ref. J'ai entendu ton volant. Je suis monté bronze 3 en fait. Bravo Maps. Elle est quoi? Bah bronze 3 du coup. T'es qui pour me dire ça? Ne me parle pas comme ça, je vais me faire pleurer. NoF1. Ah, le compte privé? Non, il est pas privé. Marc, les fait tout, tu vas trouver. Il y a un compte privé fan. Merci pour l'heure, Carnot. Ah, j'aime bien cette musique. Ah, salut. Celui avec des photos de tes pieds. Quoi? Ça joue en classe avec Alex et Roulia, tu vas faire quoi? Amuse-toi bien. Oui, fan. Ah ouais, y'a un compte privé? Y'a un compte privé, ça. Je sais pas, t'avais vu ça? C'est chelou. Mmh. Mais bon, je peux envoyer le lien dans Modo, qui s'il te plaît. Y'a une pizzeria, le fait tout. Ah, c'est vrai? Tu vas aller faire un stage bien. Là-bas. Restaurant. Voilà, je garde des bonnes valeurs. Je vais pas te faire d'appel de phare. Pourquoi tu dis ça? Je peux faire d'appel de phare derrière moi, mais t'as les pleins phares dans ma gueule. Ah. J'ai éteint tous mes phares quasiment, carrément. Voilà. Mais je vois rien. Attends, j'ai éteint tous mes phares là. C'est bon. Mais je vois rien, on dirait pas qu'ils sont ouverts. Attends, mais je suis en croisement, comment je fais mes feux de. Regarde, c'est essuie-glace ça. Mais t'inquiète, mets ton plein phare, ça me dérange. Mais non, mais je cherche mes feux normaux. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Et quand t'enlèves tes pleins phares, t'es. Ça y est, j'ai. Ouais Thomas. Merci Kiki. Tu joues au rang qui fait un cinquième. Norris Valo. Je joue pas avec vous bande de fous. Qui trop drôle. Salut Fred, bah je dis bonjour Freddy. Elle se prend trop pour une star. Arrêtez, je rigole un peu là. Oh là là. T'as eu ton permis Nono? Ouais, il va super bien. J'ai un big permis, ouais. Est-ce que les gars t'as envie de passer le permis moto? Ah bah oui, mais t'as déjà une moto mais t'as pas de garage, c'est ça le problème, c'est vrai. T'as demandé si t'avais le permis, t'as dit oui, il va super bien. C'est ça ta réponse? Oui, enfin oui, bah ça va quoi, je conduis bien quoi, moi j'ai tous mes points. Pardon, c'est le jeu quand elle aura des rangs. Ils sont trop méchants avec moi là, dans le chat. On peut pas jouer au retruck tranquille en fait. Bah fais un point d'exclamation cœur en miettes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais, je sais pas, genre, je sais pas, parler de Valo en privé en fait, vous parlez d'ici, bah oui, je réagis à vos messages. Bah voilà. Allez jouer dans vos lobbies de fer là, et venez pas me parler. Tu nous dénigres aussi, tu peux nous respecter, tu parles mal. Mais en fait, c'est ça votre problème, vous êtes trop susceptible. L'humour, allô. Comment elle parle, je rigole, moi, j'aime. Mais t'as vu Poco, c'est elle, elle me parle trop mal. Respecte-moi, wesh. Ouais. Je viens d'insulter, mais je rigole, oh là là. Mon lobby de fer. Oui, bah après, tu prends mal si tu veux, mais y'a pas de mal à ça, à dire ça. C'est la réalité. Pourquoi tu freines? Je sais pas, j'ai vu ton camion se rapprocher fort de moi. Ah, mais c'est... je dois peut-être avoir des petits lags. Sur là, ça passe pas. Un god qui parle mal des argents. Non, les argents, ils sont forts. On arrête de jouer avec toi si tu continues, m'arrête. Elle se fait daronner, je te jure, je peux même plus réagir à leur message. C'est le big bronze. Oh, ça se révolte, c'est trop chiant.
T'as le seum parce qu'on va s'amuser sur Valo. Mais non. Mettez des capas quand vous rigolez, wesh. Wesh. Wesh, ouais, j'arrête pas de dire wesh, on se m'en fout que j'arrête. C'est vrai, pas la parole. Wesh. Je rigole pas. J'ai jamais vu ce qui se fait dorer sur Insta par sa famille. Je te jure. Putain, elles sont trop chiantes, c'est bon, on va jouer à Valo, faut que tout le monde soit au courant, je peux pas jouer tranquille au retruc. Putain, et si je réagis à leur message, c'est oh, blablabla, t'as le seum, blablabla. Bah oui, j'ai le seum, laissez-moi profiter des autres jeux aussi. Folie ça. Je dis pas qu'elles font exprès pour te faire rager et que ça marche. Bah oui, ça marche. Je peux leur des petites bites. T'es forte en ne réagissant pas. Mais de toute façon, je m'amuse trop sur Eurotruck. De toute façon, tu sais quoi, ce soir, j'avais hésité entre Valo ou Eurotruck sous le planning. Et j'ai mis Eurotruck. T'as vu? Mais c'est vrai, hein. C'est elle, Thomas. C'est le groupe de filles, c'est susceptible ou nono, là, dit Pégase. T'as dit quoi? Non, ma bah, ne s'ouvrira jamais, je suis pas sur la bonne voie. Ah oui, faut payer, faut tailler au truc vert. Mettre l'option arrêt d'urgence de proximité avec Yaya, il est dangereux. Ouais, je suis d'accord avec toi, Noxy. Eh, on est déjà passé. Bah oui, c'est la frontière. On va pas à gauche cette fois, Yayou. Tu vas reconnaître. Vous voulez pas vous dire ça en privé? En vrai, ma soeur, par contre, là, tous les tags et tout, là. Là, je suis promis de rire, juste. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ou sur Discord, quoi, mais pas sur le live. 10 euros le péage, il... Putain, pas cher. Mais d'ailleurs, c'est nous qui payons le péage à chaque fois. Mais pourquoi c'est pas l'employeur? Des fois, je t'entends pas fort, Yayou, du tout. Genre, on entend des bruits, mais je t'entends pas fort. Bah, ça appelle... Oui, tu marmonnes. Ah, ça va, oui. Doucement. Non, j'ai c'est inclus dans le prix qu'on demande. Ouais, à la fin. C'est calculé dedans, en fait. Ouais. Comme IRL. Bah, je sais pas, je fais ce poids lourd. Non, mais dans tous les métiers, tu vois, genre un déménageur, quand il te dit pour déménager oui, de Paris vrai. À Montpellier, ça te coûte 3000 euros. Dans les 3000 euros, il y a. Oui, c'est vrai. Bien, je... J'ai capté les bails. J'ai capté les bails. Le captax, les baillax. Ça pèse vite, n'empêche, ces machins-là, regarde, hop là. Sinon, oui, tu fous ça en note de frais. Ça, c'est quand t'as à ton compte les notes de frais, non? Ça, faut vraiment se coller à la barrière pour payer. Ah, les documents. Nous qui s'embrouillent avec des gens qui lui donnent de l'argent dans les deux sens, c'est bête. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Thomas? J'ai vu Nesquik rebondir sur la barrière, je pense. Ça s'est mal passé, Nesquik. Non, je pense que c'est moi qui ai dû bugger, je pense. C'est vraiment rebondi. Ah putain, c'est le péage qui est trop long. Je pense c'est pour ça qu'il y a un su... je tapais la barrière. On s'est freiné un peu mieux que ça. Quand tu voyages pour ton entreprise et que tu payes avec ta carte perso, tu fais une note de frais pour qu'ils te le remboursent. Genre en mode, tu fais un truc avec toutes les dépenses du week-end liées à ça. Ah, c'est carré. Genre comme quand t'étais en Italie. Eh d'ailleurs c'était bien l'Italie, Po. C'est ça, pas trop bien. Tu peux gonfler les notes de frais. Tu peux gonfler? Ouais, genre tu mets que des restos et tu fais payer après ton... Mais y'a une limite, non? Non mais genre, tu vois, moi j'ai des clients, je ne citerai pas... je ne citerai pas les organismes syndicaux qui viennent louer chez moi et qui font ça, mais... genre le mec, je lui loue une bagnole et je lui facture 150 balles, il me dit tu peux me faire une facture à 300? Lui, il se fait rembourser 300 balles. Il a dépensé que 150. Et ça veut dire que les 150 euros qui restent sont pour lui dans sa poche en plus? Ouais. Trop smart. Mais il peut pas vérifier derrière? Bah non, parce que moi je lui ai fait une facture à 300. Moi je m'en fous en fait, lui fait une facture à 300, moi ça me change rien. Oui, toi t'es payé, tu t'en fiches. Ouais. Mais oui, ils peuvent pas t'appeler en mode savoir si c'est réel. Bah après tu peux mentir, tu peux dire ouais c'était 300 ou... Bah, je connais les clients, après je sais qui fait ça et qui ne le fait pas, donc ah, si on m'appelle et... Ah oui, c'est bien, c'est ce prix-là. Ah oui.
Il y a du boulot car c'est bordel l'entreprise, mais c'était trop bien. Ah ouais? Trop cool, la bouffe là-bas. Oh, tu m'étonnes, Po. Oh, trop cool. Ah, tu voyages avec ton taf, toi, Po, c'est hyper cool. Avoir un taf où tu voyages comme ça, ça doit être super cool. Bon, ouais, ça reste du travail, quoi, mais quand même. Mais Po, t'as fait combien d'études, toi? 2 ans? J'adore, en vrai. Tu bosses dans quoi, Yaya? Il demande, Silver. Location de véhicule. Voiture et caméra. Que je paye rien. Bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est hôtel, genre t'es tranquille dans ta chambre et tout? 5 ans. Ah, t'as fait 5 ans. J'ai jamais compris ce qu'elle t'avait fait comme étude, quoi. Bon, lui, genre, pour moi, bah j'ai déjà demandé plusieurs fois. Pour moi, tu modifies juste des chiffres dans des tableaux ou quoi. En fait, pour moi, Po, c'est comme t'es en classe de maternelle, quoi. Tu mets des chiffres dans des carrés, voilà, et t'as fait 50 études pour ça, et ben... Genre, elle gère juste des comptes, tu vois, dans un logiciel où tout est déjà un peu fait, quoi. Elle clique sur extraire, ensuite elle fait, hop, elle transmet... Genre, c'est quoi tes études? Hôtel avec chambre perso, resto gratuit, putain, c'est trop bien, c'est la folie, c'est vraiment le bon bail. Des bisous Pégase, bonne nuit, merci pour l'heure, repose-toi bien. Cheval. Ça va, bref, accord d'études. Oh, c'est trop, moi je pourrais pas en vrai. Hein. Franchement. Bon, qu'est-ce que tu fais? Revue rapide au garage? Non. Le fichier Excel, bah je fais ça et je suis entre soi et je fais entrer et c'est fini. Arrête, dis-moi la vérité. Ma mère travaille dans un truc pour les relations internationales et tous les ans elle fait genre 5-6 voyages. Ah ouais, c'est trop bien, elle est dans plein d'endroits. Ah mais ça doit être stressant, dans les relations internationales. Tu dois connaître Excel sur le bout des doigts. Des études d'info en admin réseau. Ah mais oui, tu m'as dit ça. Mais c'est pas possible, toi t'as fait des études d'informatique genre. Parce que t'es tellement une boumeuse. Sale merde. J'adore quand tu fais ça avec des points d'interrogation, je trouve ça super drôle. Je t'emmerde. Le travail c'est chill. Ah ouais, elle fait quoi concrètement? Tu sais à peu près. T'as appris qu'il y avait de l'e-sport sur Excel. Oui oui, il y a des compétitions sur Excel. Ouais. Ouais, c'est réel. C'est trop bien en vrai Excel. Ouais. Quand quelqu'un se maîtrisait, ouais je trouve ça fou. Ah ouais, c'est tellement plus ça. Ah, c'est celle d'après. Oui j'ai vu. Ah mais t'es vraiment sur Excel, Po? Mais non, t'as pas fait des études dans l'admin réseau pour être sur Excel. Ah mais pourquoi pas. Mais c'est quoi l'informatique là-dedans? Mais non! Ah, ok. Ah, attends, y'en a beaucoup qui travaillent pas dans les études. C'est toujours bon. Oui, c'est vrai. De quoi vous parlez? On parle des métiers, des études, Sapling. Toi, tu fais quoi, Sapling? C'est pas indiscret. J'adore parler des métiers à chaque fois. On parle toujours de ça, mais y'a toujours d'autres personnes qu'on connaît pas encore dans vos métiers. Noxy, tu fais quoi? Vous faites quoi dans la vie? Répondez pas si vous voulez pas, mais bon. J'aimerais bon, bien savoir. Pas plus les mystérieux, genre. Non. Non mais j'aime trop, je trouve que c'est vraiment le truc le plus intéressant. J'ai eu 2 sur l'e-sport d'Excel. Ah, du commentaire de VM. Commentaire de VM. Tu vois, tu peux pas travailler dans l'informatique, du commentaire de VM. Mon métier est bateau si on compare celui de Sapling. On s'en fiche de ça, comparez pas. Non, t'es Excel e-sport là. Non, on est pas là pour se comparer. Ah. Mais Ophélie, oui. Tu vas prendre le Excel VBA le mois prochain. C'est ça, c'est les trucs Excel e-sport là. Mon métier, ça j'ai vu ça. Tellement dépassé ses études. Ah, c'est le langage d'Excel, VBA. Ah oui, il y a un langage d'Excel. Dans une fac, et du coup, elle s'occupe des étudiants étrangers, les chiffres, les choses à payer pour les étudiants. Oh, c'est chambé. Ah, c'est hyper stylé. Ingénieur développeuse en simulateur d'hélico. De fait, tu fais un truc trop stylé. Qui fait ça? Sapling. Oh, vraiment? Mais pourquoi tous les gens que je vois dans l'informatique, enfin, vous êtes dans l'informatique, je vois pas dans l'informatique? C'est super marrant. Ingénieur développeuse en simulateur d'hélico, mais c'est super stylé. Et t'as fait quoi du coup 5 ans dans l'info aussi? Dans le dev? Je suis déscolarisée. Salut Daisuke, comment tu vas? Gentiment, afin de pas me faire ban, va te faire cuire. Bah oui, mais je pensais pas. Oui vraiment. Ça c'est dingue, je pensais vraiment pas qu'elle faisait ça non plus. Non, pas du tout. Parce qu'elle avait posté tellement de questions sur le chat de boomeuse. Bah oui. Bah c'est pour x 1000, mais... Bah c'est ça, en fait les devs c'est des boomers, c'est un truc de fou. Genre il pose des questions sur l'info, mais c'est un truc de fou. Par contre ça va être giga intéressant ton taf. Mais oui.
Gna et oh, 5 ans, un diplôme d'ingénieur info. Mais what the fuck, je pensais tellement pas que t'avais ça. Ah, oh, c'est hyper. Ah, oh, faut tourner. Faut sortir, ouais. Tout est maîtrisé. Putain, tu t'en es sorti. Ouais. J'ai vu un serpent devant moi. Bah, ça a fait le même bruit, mon camion. Oula, c'est pas fini finalement. Putain, le bus qui avance pas. C'est parce que j'ai demandé comment marche Discord. Non, mais ça, c'est grave. Mais le respect. Mais non, mais je trouve ça fou, c'est trop bien. Simulateur. Ouais, c'est stylé, pas. Ouais, et t'aimes bien ce que tu fais, Sapling? J'étais électricien et je suis en reconversion professionnelle informatique, système et réseau. Mais pourquoi vous faites tous la même chose? C'est bon là, les informaticiens? Putain, y'a pas de diversité? T'as dit quoi? Y'a pas tant de réseau que ça, arrêtez de faire ce que tu dis. Putain, pourquoi vous faites tout ça là ce soir? Tous dans l'info. Aucune personnalité, hein, le chat. Hein. Oh là là. Dudu qui est dans l'info. Mais oui, Dudu aussi. Et du coup, pour ça, elle va dans d'autres universités, dans d'autres pays. C'est cool, elle est déjà allée en Thaïlande, en US, en Irlande et plein d'autres trop cool. C'est vrai, c'est coupe, intéressant. Je vais à gauche réparer. Ok. Bah... Tu m'as laissé une voiture dans la gueule. Non, n'importe quoi. Ici. Moi, je t'attends à l'auberge. Ma université, oh, dans une université. Ok. Salut Mimi, c'est moi. Et Yaya, il a son camion aussi. Il est derrière moi, là. Mais c'est moi qui conduis, oui, pardon. Ça va, en vrai, c'est intéressant. Alternance en technicien, système et réseau. Ah, toi aussi, JP. Mais c'est trop. Pourquoi vous êtes tous dans le réseau? C'est vraiment pas quoi faire de vous. C'est fou. Vous faites tous 5 ans d'études pour ça, genre. Sans juger. Sans juger. Moi j'ai fait 5 ans d'études pour rien. C'est vrai que moi j'ai fait 3 ans d'études pour rien du tout. Ah, c'est pas ici les sans juger. Moi 2. Ah ouais, c'est de l'avenir le réseau. Mais attends, on est dans l'info, ça recrute tout le temps. Ils ont besoin de vous. Et pourquoi on peut pas prendre. Ah oui, si, y'a que 2 bornes d'essence, genre, ok. Parce que le réseau c'est cool. Je suis ingénieur aéronautique en conception d'avions et d'hélico. Super, Vem. C'est fou ça. Cuisine même de base, non? Ouais. Ouais. Je vais en Islande il y a pas longtemps, mais il y a des risques d'éruption volcanique et ils pouvaient pas prendre l'avion. Elle devait. Waouh, c'est trop stylé en vrai. Ouais, malgache, blue boussy. Mm. Ah ouais, c'est simple, Sapling. Sur Twitch, il y a que des boulangers, des restaurateurs ou des devs. Ou des belges. C'est pas un métier, mais. constat. Elle peut pas nous sauver t'emmener. Bon, ça m'étonnerait quoi, mais. Réel, non mais vraiment. C'est de folie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur métier ou ce qu'ils ont fait comme études ou ce qu'ils font actuellement ou ce qu'ils voudraient faire? Vous pouvez, hein. Vas-y, passe. En même temps, c'est la priorité. Putain, je suis en train de. Galérer de barrer. J'ai que ça prend du pâtissier. Ah oui, des souquets, ton cas. Je peux faire ça aussi, mais il me faut une entreprise. Vous en avez une sur Rennes qui prend des vieilles de 30 ans en contrat pro, je suis OP. En vrai, il faut pas hésiter à faire des messages comme ça, hein. Merci Nash pour ton follow, bienvenue, comment tu vas la forme? Meilleur moyen de rentrer dans les endroits, tu contactes. Hein? Je veux pas dire vieille. C'est quoi ton métier, nourrice? Je suis barmette, psy. Dans la et informaticienne. Ah oui. Je sers des verres aux psychologues. Je conseille les réseaux, c'est ça. Et je leur ai créé une petite application, s'ils ont besoin d'un verre. Et en même temps, j'ai diverti, je fais un peu le clown. Non, je sais pas moi ce que je veux faire après. Parce que là, je dis, là, je vais prendre un petit taf en attendant, mais quand je vais déménager, je vais faire une formation, mais je sais pas dans quoi me lancer. Moi, tout m'intéresse. Vraiment, tout m'intéresse, c'est ça qui est chiant. Bien et chiant. Je sais pas, moi, encore après. C'est pas des trucs divertis ou quoi pour voir le. Et ouais, bah ouais, c'est ce que je voudrais faire aussi, des petits stages pour voir, ouais. C'est ça qu'il faut faire en vrai. Ouais, ouais. Bah, tu vois, genre là, on t'entend à peine, Yayou, parce que tu marmonnes. J'entends ce que tu. Mais oui. Technicien système et réseau. Mais Yaya, t'as dit quoi? A dit le gros saumon? Bah, c'est toi qui as dit que t'étais vieille. Oui, parce que toi, t'as dit, hésite pas à mettre des messages comme ça. Et sans. J'ai dit oui, mais sans mettre vieille de 30 ans, quoi, dans le message. Avec ton employeur, je pense qu'il sera beaucoup plus âgé que toi, donc bon, si tu insultes de vieux. Possibilité de reconversion plus tard en souffleur de verre ou en métallurgie. Toi, putain, mais ces voitures qui avancent pas, je suis en train de la traîner devant. Mais frérot, mais avance, y'a pas à s'arrêter. Mais elle est où? Je la vois même pas. Qui,
Bah, elle doit être contre ton pare-choc. Je la vois pas. Ah oui, je viens de taper là. Ah oui. Putain, tu change de vue, tu verras. Et re, Safi. T'as dit bonjour, Safi, Aya. Où Safi? Qui c'est qui veut faire se convertir dans son cours de verre là? Vem. C'est vrai? Vraiment? Apparemment. Parce que déjà, c'est pendant les cours et parce que. Et c'est pas elle qui paye les frais de voyage, donc ça sera à la charge des. Ouais, bah oui, c'est sûr, pour moi, ouais. J'ai vu le visage perturbé d'Yaya quand il a appris mon métier, ça me tue encore. Mais oui, c'est étonnant ça, Pling. Mais pareil, je te voyais pas du tout là-dedans. Ah ouais, mais. C'est hyper étonnant. Surtout que tu nous en as jamais parlé, je trouve ça fou. C'est hyper stylé. Après, je t'avoue que je savais pas du tout dans quoi tu travailles. Enfin, je me suis pas. Ouais, pas imaginé. Bah ouais, voilà, je me suis pas posé la question. Ouais, pareil. Je te voyais plus un métier manuel en vrai. Donc si tu devais être payé à faire le clown, tu gagnerais bien ta vie, ça. Tu le fais très bien. Et c'est pas me payer, du coup, ça le chouin. Tu es le conducteur, je crois. Après le taf, je déconnecte. Ouais, bah t'as raison. Hein. Je fais 3 mois de sapé pâtisserie et maintenant je suis sapeur-pompier. Ah, j'aimerais trop faire ça aussi. Pas en métier, mais parce que c'est trop galère en métier, mais à côté. Bah trop cool. J'aimerais trop essayer. Sauver des vies, genre. Trop beau gosse. D'éteindre le feu. Pourquoi tu rigoles? Premier degré, je voulais vraiment faire ça avant, mais mon excuse c'était que je suis pas assez sportive. Et maintenant je me dis bah j'aimerais vraiment faire ça. Ouais. Bah à côté quoi, mais j'ai déjà trop de trucs à vouloir faire à côté donc. Ouais, bah déjà même pas à côté, t'as déjà trop de choses à faire. J'aimerais bien faire photographe animalier, franchement c'est très dur d'en vivre. Bah fais juste ça en passion à côté quoi pour l'instant. Pas obligé de voir ça pour en vivre. Je dis vraiment, regardez le film que je vous ai parlé tout à l'heure, Soul, là. J'ai regardé aujourd'hui, je vous jure, il est incroyable. Je vous jure. Pour tous ceux qui ont des passions ou quoi, ou qui ont pas de passion aussi, vraiment, le film est trop bien. Et vas-y, des études qu'il faut faire, j'ai aucune idée, surtout souffleur de verre. Bon, c'est pas des études, même, pour souffleur de verre, hein. Je pense que tu peux largement apprendre sur le taf. Ouais, hein. Ou alors, c'est des petites formations directes dans le taf, mais c'est pas des études, hein. Oui, à mon avis. Il est très beau. Ah, tu l'as vu, Kiki? Ouais, il est bien, hein. Ouais, ouais, c'est les métiers. T'es passionné. Ouais. Le mec te prend en stage, il t'apprend le métier. Souffleur de verre, c'est des études. Je suis sûr que tu peux rentrer autrement que par des études. Je vois pas des études où tu dois faire un master souffleur de verre, genre. Ça m'étonnerait fort. Ou alors c'est une formation ou un truc comme ça, quoi, où t'es en apprentissage. Mais études, à proprement parler, j'y crois pas. C'est sûr qu'il faut connaître les températures, les cils et ça. Oui, bah enfin, oui, mais t'es en apprentissage. Beaucoup de choses à savoir, mais voilà, ça tu les apprends. Ouais, bac pro à la limite ou CAP, ouais, à la limite. Bah oui, justement, Thomas. Mais ça pourrait être incroyable que ça devienne mon métier, ouais. Les études artistiques et techniques, peut-être. Ouais, mais je me dis, tu vois, tu peux rentrer justement en alternance, en apprentissage, en bac pro ou trucs comme ça, tu vois, genre forcément. C'est pas genre études où tu vas faire un master ou une licence, quoi. Et c'est sûr que t'as des formations, oui, je pense aussi. Les métiers, ouais, c'est sûr, même. Oui, il y a forcément quelque chose bah, de oui. Base, genre. Je sais qu'à l'époque, je pensais que c'était toujours, mais il y avait genre BEP chaudronnerie ou des machins comme ça. Oui, maintenant c'est juste un autre nom quoi. C'est plus les CAP ou trucs comme ça, je pense. Ah. Oui, c'est certain. Le futur métier de sapling, c'est joueuse pro au sous. Déco du chat, je disais, faut un CAP au minimum. Ouais, CAP. Mm. Ah oui, tu peux pas mettre de lien, Noxy. C'était quoi? On doit avoir un CAP, ouais. Oui, mais quand on parle d'études, Thomas, on parlait genre licence ou master ou quoi. Genre, même CAP, je veux dire, ça accepte à tout le monde. C'est pas comme pour devenir avocat, c'est un peu plus compliqué quand t'as 30 ans, quoi. Tu peux, mais c'est hyper compliqué. Alors qu'un CAP, c'est beaucoup plus simple. Ou même, je suis sûr, il y a des formations autres que CAP pour y aller. UNICEP, ressources, univers, métier, souffleur de verre. Ouais, mais là-dessus, honnêtement, faut tourner, hein. Ah, oui, mais c'est pas vous devant moi, je suis trop con. Dans les trucs genre UNICEF ou quoi là, c'est pas y a pas qu'internet pour se renseigner hein. Parce que quand on faisait ça à l'école où fallait chercher comment être accédé à tel métier, quelle étude faire, y a pas que ta vérité là-dedans hein. C'est le chemin basique mais t'as plein d'autres chemins et t'as plein d'autres métiers qui existent et plein d'autres trucs à faire, genre vraiment. Vous fiez pas qu'à ça hein. C'est un peu la connerie générale ce truc là où c'est le chemin basique mais t'as plein d'autres moyens d'accéder à plein de métiers différents ou à plein de branches qui se rapprochent et... Je trouve ça trop nul les recherches qu'ils nous font faire à l'école. Parce qu'à chaque fois, c'est ok, fais des études, fais une licence et fais un master. Enfin, ouais, bon, ça dépend ce que tu veux faire, bien sûr, mais. J'ai un TikTok en plus. Si, Vem, il y a. Ah oui, je veux bien. C'est Little C, je crois, Vem, qui est souffleur de verre, souffleuse de verre. Mais elle a écrit souffleur de verre, donc je pense que ça se dit pas souffleuse de verre. Ouais, donc si, ouais, c'est ça, c'est une première recherche, je crois, là-dessus.
Alors le fait que tu dises que c'est accessible à tout le monde, c'est pas super sympa, c'est un boulot comme un autre, bah y'a rien de méchant. Thomas, y'a absolument rien de méchant à ça. Non, c'est pas... C'est pas méchant de dire que c'est accessible à tout le monde. C'est comme avocat, en vrai ça peut être accessible à tout le monde si tu fais les études pour. Enfin y'a pas de mal à dire ça, c'est juste que t'as juste à faire les études pour ou la formation pour. Enfin y'a pas de mal à dire ça, que ça soit accessible. C'est un métier manuel, forcément tu peux... Un métier manuel, forcément tu vas pouvoir l'apprendre... Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, c'est ça. C'est absolument pas grave. Un métier manuel en le pratiquant. Il n'y a rien de grave et ça. Non, vraiment pas. Hein. C'est pas parce qu'un métier. J'admire un menuisier, je l'admire par exemple. Ouais, c'est ça. C'est, quand je dis accessible, c'est pas parce que ça veut dire que tout le monde peut le faire. En mode, du jour au lendemain, un menuisier peut devenir menuisier d'un coup parce qu'il a taillé du bois, quoi. Enfin, ça prend évidemment comme tout métier. Mais accessible dans le sens où tu peux te lancer dans les études pour ou dans la formation pour ou dans un truc comme ça, quoi. Enfin, comme tout, quoi. Tu commences bien quelque part, quoi, je veux dire. Tu peux l'apprendre, mais si t'es pas manuel dans l'âme, tu y arriveras pas. Oui, bah ça, après, c'est un autre sujet. Je veux dire, sur tout le monde peut se lancer dans des études ou dans une formation pour, quoi. T'as pas de barrière, logiquement. À part toi. Oui, ça, c'est sûr, donc c'est des gens plus manuels que d'autres, c'est sûr. Ah, pourquoi je prends pas trop à ça. Moi, je suis pas manuel, et pour autant, je mettrais pas ça en barrière, quoi. Je sais pas. Non, bah, c'est juste que c'est... les gens qui sont plus manuels auront une facilité d'apprentissage. Oui, voilà. Mais on est capable de tout faire. Bah oui. Ouais, y a pas. Réussir n'importe quelle étude aussi. C'est ça, hein. Il n'y a pas des gens qui sont capables de faire plein de choses et d'autres qui peuvent rien faire, quoi. Ça, c'est hyper rabaissant et mauvais de dire ça, par contre, je trouve. D'accord, une facilité, oui, mais sinon. Oui, tout le monde peut accéder à tout ce qu'il veut, à peu près. Bon, après, il y a question d'argent, il y a question de tout ça, évidemment, mais c'est capitalité, quoi. Je suis d'accord pour ce que tu disais sur les écoles. Par moments, il ne faut pas les écouter. Ouais, ils ont tendance à mal parler des bacs pro de ouf. C'est la peur qu'au final, c'est vraiment une scène, certains métiers, certaines personnes. Mais oui! C'est des chemins hyper accessibles, plus courts parfois, plus sympas à faire ou quoi, et plus réels que de passer dans les grandes études, et on ne nous en parle jamais, et c'est trop nul. Et sur internet, c'est pareil. Pour accéder à certains métiers, ils te parlent que des grandes écoles, alors qu'en vrai, t'as plein de moyens d'y aller. Et c'est trop chiant. C'était pareil, les recherches au lycée pour savoir ce que tu voulais faire, c'était que des trucs comme ça, et c'est trop nul quand on te montre que ce chemin-là. Et sur internet, ouais, c'est la même chose. C'est trop nul. Et on te parle pas de tous les métiers, quoi. Il y a tellement de métiers qu'on connaît pas. Genre là, par exemple, sapling ou même pauvre, vous faites des trucs, genre, j'ai jamais entendu parler de notre autre métier, quoi. C'est tellement précis ou quoi, genre, aucune idée de ce que c'est. Quand t'es à la formation, tu peux pas forcément savoir, tu colles vraiment pas au métier. Ça, c'est sûr, les études sont faites pour ça. Demain, tout le monde peut se dire, tiens, j'ai envie d'essayer de faire ça, je le tente. Squeezie, de quoi Squeezie? Un mec, il ne pourrait jamais penser dans le manuel. Non mais si, tout le monde peut, c'est de l'animation ce qu'il fait aussi. Quand on veut, on peut, je pense que... Si tu veux apprendre un truc, tu peux y aller, t'auras peut-être moins de facilité, mais bon, si tu consacres vraiment du temps et que tu le fais vraiment, voilà. Quand t'es jeune, faut tout tenter, oui. Ouais, en plus, même, hein. À l'époque, ils étaient non-stop en mode vent général. Oui ! Heureuse d'avoir fait un bac pro, c'est vrai, malgré ce qu'ils disaient. Moi, j'ai déjà raconté ça, Pau, mais au collège, ma prof principale, je dis que je voulais faire un bac pro informatique. Je sais plus c'était quoi le nom, IN, je sais plus quoi. Et elle m'a dit non, t'as les capacités de vent général, donc vent général, tu vas t'enfermer en informatique. Du coup, je suis allée en général. Bon, au final, 2 ans après, après le lycée, j'ai dû faire une école où j'ai fait un putain de pré-étudiant pour aller dans l'informatique, et au final, j'y suis même pas allée. Genre, vas-y, en vrai, si j'avais fait ça direct, peut-être que j'aurais pas fait d'études pour rien avant ou des trucs comme ça. Genre, y'a pas à enfermer comme ça, genre. Tout général, t'es perdu, quoi. Tu sais pas ce que tu vas faire, ça va pas du tout t'aider. Ça t'ouvre des branches, mais pour des trucs. Une fois que t'es là-dedans, bah c'est bon, c'est parti pour les grandes études, quoi. Parce qu'on te montre que ça, de toute façon. Le smiley ressemble à Yaya. Y a le même Silver sur Discord ou c'est Yaya qui le fait? Remarque Loul sur Discord. Loul. Loul. Mais tu as du monde testeur de matelas, ça existe vraiment? Je suis sûr que oui. J'ai fait un an de fac avec des maths vénères l'année dernière, alors je suis nulle dans cette matière et j'ai tous mes partiels, alors tout peut changer si on le veut vraiment, mais bien sûr. Si vous consacrez du temps ou quoi, toujours il y a le truc que certains ont plus de facilité, mais vraiment, vous pouvez tout accomplir. C'est un cerveau, les gars. Mais oui, on peut tout accomplir, hein. Vraiment. SAP, BP, BAC. BP, je crois que ça n'existe plus, donc sinon. Il me semble. BTS avec des stages d'apprentissage, c'est ce que les patrons recherchent. Ouais, bah oui, pour eux, parce que t'as l'expérience et t'as les études, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Je suis dégoûtée d'avoir fait un CAP, mais c'est parce que c'est mal passé. Avec l'école ou l'entreprise? Ouais, c'était grave mal vu de faire un CAP. En troisième, on m'a orienté vers le général, du coup j'ai fait 2 secondes avant de partir en CAP. Oh sérieux? Putain, terrible.
Quand même, c'est pendant toute ma période de collège, mes profs nous répétaient tout le temps que si on se foirait, on irait avec les gens en retard intellectuel dans l'artisanat. Et est-ce que c'est ce que j'ai dit, moi, Thomas? Moi, j'ai pas du tout dit ça, Thomas. Je dis que tous les métiers sont accessibles, bien sûr, les métiers manuels aussi. Mais moi, j'ai pas, absolument pas dit ça. Pas prendre la mouche alors que j'ai rien dit. Hein? C'est vraiment con, les profs, ils disent ça. Bah oui, évidemment. Mais c'est clair, oui, un prof qui dit ça, à la gueule du prof, quoi, par contre. Dis-leur bien, Nono. Ah, Pépé. Ouais. Quand tu vois ce que les artisans te pondent, comme que ce soit en menuiserie, que ce soit en souffleur de verre, que ce soit c'est trop beau, chaudronnerie, ce que tu veux, les mecs qui font des trucs, des soudures, des machins, des trucs. Ils font des calculs, enfin voilà, le mec qui réfléchit avec son cerveau, il te pond des trucs magnifiques que justement un mec qui a fait 15 ans d'études et qui est dans un bureau, il saura jamais faire. Oui, mais il sait faire d'autres choses lui à côté après. Oui, non, mais tu vois, c'est pour dire, si tu peux répondre à ça au prof, tu vois, en disant. Frère, c'est pas parce que tu fais 20 ans d'études que t'es. Plus intelligent, enfin. L'intelligence se mesure pas au nombre d'années d'études, tout à fait. Bah oui. Si BP, ça existe encore. Ah ouais, j'ai fait un BP IEE, installation équipement électrique. Ah, je savais pas que ça existait encore, je crois que c'était fini ça. J'ai fait un CAP plomberie chauffage, j'ai été noté sur un chantier couverture côté entreprise et je l'ai eu. Et t'aimes bien, monsieur Barbie, tu fais ça maintenant? Barbie, pardon, pas Barbie. Ouais, ça est toujours ok. J'ai fait un CAP, mais la première année, ça m'a pas plu. Mais la deuxième année avec ma deuxième patronne, là j'ai kiffé. Ouais, en fait, ça dépend beaucoup de ton entreprise, quoi, j'imagine bien, ouais. Ça dépend où tu vas. En vrai, quand t'as un prof, tu dis ça prouve lui qu'il a tort, il aura le seum. Prouve lui qu'il a tort, de ouf. De ouf. Bon, vécu pendant ma période de collège, ok. Mais non, du coup, c'était pas du tout rabaissant ce que je disais tout à l'heure, vraiment pas. Hein. Dire que c'est accessible, c'est pas méchant. Ma soeur, actuellement, BP fleuriste, elle fait ça après son CAP. Elle aime bien. Mon frère, c'est pareil, il a un parcours chaotique, frère, il est comme moi. Genre, il a fait un... Ça a aucun sens, notre famille n'a vraiment aucun sens. Mon frère, il a commencé avec un CAP fleuriste. Enfin, c'est un CAP ou un truc de ce style, quoi, je sais plus c'était quoi. Il était en train de prendre ça, je sais pas quoi, il était fleuriste, quoi. Mais enfin, il... Non, agro... Enfin, pas fleuriste, mais il vendait pas les fleurs, il est... C'est quoi le nom, ceux qui travaillent dans les fleurs? Dans les plantes, là? Apiariste, ou un machin comme ça, là? Non, je sais pas, un truc comme ça. Bref, il était vraiment dans les plantes, il les vendait pas, quoi. Et il a fait ça, après il a fait, il a arrêté, ça lui plaisait pas, il est devenu DJ, il a fait une école pour ça ensuite, parce que quelqu'un l'a intégré dedans. Herboriste, non pas herboriste, je sais plus, madame Chouraf. Non pas agriculteur, enfin bref, dans la plante quoi. Après il est devenu DJ, après il en a eu marre, maintenant il est chauffeur poids lourd, genre frère c'est pire que moi son parcours, ça n'a aucun sens. Si t'es là Aurel, mais comme quoi genre tu peux toujours rebondir, genre tu peux tout faire quoi. Agronome, c'est un truc qui ressemble, c'est pas ça, mais c'est un truc qui ressemble. Pas apiculteur, non, apiculteur, c'est, je trouve, c'est les abeilles. Maintenant, je gère une entreprise de transport. Trop bien, ce barbu. Même BAP coiffure, BP, pardon, vendeur électricité, ouais. Une seconde, ça se voit que ça lui plaisait pas. Vas-y, mieux ça se voit. Ah ouais, tu m'étonnes, trop bien, nous. Je trouve ça trop bien, justement, les gens qui ont fait plusieurs trucs. Mais oui, c'est trop stylé. C'est trop cool. T'as l'impression que c'est une perte de temps, mais en vrai, trop pas, genre, c'est hyper cool en vrai. T'apprends plein de choses, c'est trop stylé, t'as un parcours trop intéressant. Ouais, de fou, Po. De toute façon, maintenant, je pense que c'est devenu courant de changer de faire plusieurs métiers dans sa vie, quoi. C'est normal, maintenant, de changer de métier, c'est... Enfin, souvent. Botanique, non, c'est pas ça. Je sais plus c'est quoi le nom, j'arrive pas à me rappeler. Maçon, plombier, vendeur, porte-à-porte, et maintenant transport depuis 7 heures. Depuis 7 heures? Comment ça, depuis 7 heures? 40 ans, tu peux reprendre quand tu veux, stylé. Ouais, c'est juste que ça, c'est plus galère si t'as des enjeux, tu vois, si t'as des prêts, si t'as des enfants. Pour vivre, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. Ça, c'est plus ces galères-là, après. Quand tu veux reprendre à 40 ans des études ou quoi. 7 ans, ah oui. Parce que 7 heures, je m'ai vu, c'est très récent, quand même. Hein. Pas rabaissant, mais sous le coup, c'est accessible à tout le monde. J'ai un peu mal pris, j'avoue, parce que c'est pas si facile que ça. Ça veut pas dire que c'est facile, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que tu peux te lancer dans les études ou dans le truc. Ça veut pas dire que c'est facile. Chaque métier a son lot de difficultés et de facilités, c'est normal. Mais c'est juste, tu peux te lancer dans ce que tu veux, quoi. Tu manges quoi? Merde. Un risotto aux champignons. Tu l'as fait toi-même? Oui. Oh, bon appétit. Merci. Horticulteur, ça ressemble. Je crois que c'est ça. Ah oui, horticulteur, oui. Je crois que c'est ça, ouais. Ma sœur stresse car justement, elle sait pas trop quoi faire. Donc je la pousse à tester un max de métiers pendant qu'elle est jeune pour qu'elle découvre un max de trucs. Ouais. Dis-lui bien que même si c'est ses études qu'elle change ou quoi, même sans faire de métier ou quoi, genre que c'est pas grave. Genre sous le coup, t'as l'impression d'être au fond du trou, vraiment, ça fait trop mal. Quand t'arrêtes tes études, tu changes.
Même moi encore, genre là, quand j'ai réalisé que je voulais peut-être pas faire de Twitch mon métier, en fait, à chaque fois, t'as l'impression que tu repars à zéro, t'as l'impression de voir ça comme des échecs et t'as tout foiré et que ça craint, enfin, t'avances pas et tout. Alors qu'en vrai, non, genre, c'est pas grave, au moins t'as essayé, tu regrettes pas et même si ouais, c'est pareil, même si c'est pareil dans quelques années, bah c'est pas grave, en vrai, c'est pas mal. Oui, je sais, Gaga. Tu continues, tu découvres des choses et c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu rageant quand tu vois tes potes ou ton entourage qui fait un métier stable, qui est stable dans son truc, qui kiffe son truc et c'est trop cool, tu vois. Et que toi, t'étouffes pas. Hein. Et que toi, t'avances pas, tu recommences à zéro à chaque fois. Ça fait mal au cœur, mais en vrai, c'est trop bien, ça fait plein d'expériences. Mais bon, c'est normal de voir mal de ça aussi. Tout est possible, de la volonté, de la motivation. Ouais, tiens, argent de vouloir SS une map, Sapling, t'es une malade. Si tu l'avais pas fait toi-même, elle t'aurait pas souhaité un bon appétit. Non, si, Sapling. Oui, c'est ça. Non, mais un risque de champignons, c'est dégueulasse dans les conserves, j'ai déjà goûté. J'ai envie de vomir. J'ai fait toi-même, oui. Oh, bon appétit. Bon app, Thomas. Il y a ce plein d'expériences, en vrai, c'est cool. Ouais, ouais, bah ouais. Et quand les gens te jugent, c'est relou. En vrai, les gens te jugent pas trop quand tu changes, en vrai. Au contraire, ils trouvent ça cool, parce que t'as plein de trucs à raconter. Dans les études, t'es un peu plus. J'ai récupéré Ginny. Oh, let's go, Maxou. Ça va, elle est pas trop fatiguée ou quoi, ça va? Mais en concert, forcément, c'était pas ouf. Je sais pas, je voulais essayer. C'est dégueulasse. J'ai eu des gros câlins. C'est comme ça qu'on trouve sa voix en testant. Ouais, de fou, en vrai. C'est que comme ça, de toute façon, que tu vas trouver, hein. Ouais. Il faut, hein. Même si c'est pas des métiers, genre tester des loisirs ou des hobbies ou quoi, c'est comme ça que tu vas trouver aussi plein de trucs, parce qu'il va vous plaire, genre. Ça va être curieux. T'as dit quoi? Mais t'as dit quoi, c'est pour ça que, toutes les études devraient être en apprentissage. Oui, oui, mais non, t'as dit comme les meufs, mais c'est une blague. Et toi, Nono, du coup, t'es plus intéressé par quoi? Je sais pas, partout, Noxy. J'ai aucune idée. Vraiment, moi, c'est toujours aussi chaotique, hein. Je teste plein de trucs et j'en reviens au même point au final. Encore là, 23 ans. Je sais pas. Sauf que maintenant, j'ai capté que je voulais peut-être pas vivre de ma passion finalement. Et que je peux me contenter d'un truc basique finalement. Je me game de dire encore là à 23 ans. Genre comme si t'avais 40 ans et que ta vie était finie. Mais parce que j'ai déjà fait plein de trucs, j'ai l'impression, et que je recommence encore à zéro, quoi. C'est ce que tu viens de dire. Il y a 5 minutes, tu disais, c'est vachement bien dans la vie, faut tester, c'est pas un échec, essayez plein de trucs quand vous êtes jeune. Oui, mais c'est pas des t'as métiers. 23 ans. Oui, mais j'ai galéré dans tout ce que j'ai fait. Genre les études, je les ai jamais finies. Mon métier, tu vois, enfin Twitch, j'en ai jamais vraiment vécu à l'aise, tu vois. Genre. Enfin, j'ai jamais vraiment réussi tout ce que j'ai fait, tu vois. C'est parce que c'était pas ta voix. Quand t'as fait psycho, tu t'es rendu compte que c'était pas ta voix, l'informatique. Oui, mais là, on n'est pas en séance avec un psy, hein. Ouais, justement, c'était mon objectif depuis toute petite. Je me disais que je voulais vivre de ma passion. Et ce que je voulais faire avec Twitch. Pourquoi tu veux pas? Ah, pourquoi je veux pas faire ça? Parce que ça me dégoûte plus qu'autre chose. Que c'est du stress de zinzin. Et que c'est compliqué d'en vivre et que j'en ai marre que ça devienne trop la pression et j'ai pas l'impression en plus d'être légitime de vivre de ça ou plein de trucs. Genre je veux en faire une passion, je veux pas en faire plus. Je veux ce débutant de Valo. Je veux ce débutant de Valo. Je veux devenir joueuse professionnelle Valorant. C'est trop fatigué mais ça va, gros tête-moi à vie et cœur, respiration à surveiller au quotidien, mais ça devrait aller pour le moment. Bon ça va Max. Ça va faire du bien de la récupérer. Ne risque pas de téléphone au volant. Je suis pas au portable, je vous lis. Donc à rapport, la sauce Pidon, c'est pas médecin sans frontières, mais médecin du monde. Ah, médecin du monde, ok. Même en étant stable au début, ça ne veut pas forcément dire que le même job pendant 10 ans. Ouais, mais c'est bien, je trouve d'être stable, un minimum, quoi, tu te sens mieux. Arrête de te rabaisser, sale merde. Mais c'est toi, sale merde. Tu recommences pas à zéro, tu cherches plus. Oui, bah oui, c'est sûr que oui. Mais ça donne cette impression-là. Salut Joy Boy, je vais manger. Merci pour le leurre, bon app. Plus autre chose, oui. Joy Boy. Eh meuf, il y a des gens à 40 ans, il y a encore des gens qui font des changements de métier et que ça leur plaît pas du tout. Bah oui, je sais bien. Moi, c'est plus la sensation de pas accomplir tout ce que j'entreprends, tu vois. C'est plus ce truc-là. Donc ça me frustre un peu. C'est mon ressenti. Il y a des... tu peux pas dire que t'as rien accompli. J'ai pas accompli comme je voulais ce que j'ai entrepris. Après, tu peux trouver un taf qui touche à ta passion. Non, j'en ai pas envie. Non. J'ai envie de faire un truc qui me plaît, pas forcément en mode giga passion, mais un truc qui me plaît comme ça, quoi. J'ai pas de sens. Oh, j'ai mon premier camion, let's go, douce! Le début de la fortune! Ça se conçoit, mais c'était légitime. Oh, pardon!
Bah je crois que t'étais plus loin. Ça va? Oui, bah c'est impeccable hein. Franchement, t'as fait combien de dégâts? Poussière, bon, ça va, j'ai que le bas des roues qui est cassé. J'ai pris 21% moi. Ça complique pas comme tu dis, c'est que c'est pas pour toi, c'est tout. Ouais bah oui. Pas grave. C'est juste en fait, vous avez beau dire ce que vous voulez, mais juste le fait de recommencer, de revenir au même point de départ, de toi-même voir ça comme un échec, même si les gens disent l'inverse ou quoi, genre toi ça change rien, c'est ton ressenti à toi, tu vois. Si toi t'as pas compliqué tes objectifs ou aller comme toi tu voulais, bah c'est normal de voir ça comme un échec un peu, mais bon, avec le recul tu dis que c'est pas très grave, mais Oui, mais c'est normal que tu vois ça comme un échec. Mais il faut. Il faut tamiser l'échec, quoi, parce que. Ah oui, je sais bien, hein, t'inquiète, hein. Ouais, parce que tu reviens pas au même point qu'il y a 3 ans. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais sur le coup, ça fait forcément mal, tu vois, tu dis tu reviens au même point. Oui. Enfin, dans ta tête, c'est ça, tu vois. C'est ce que t'arrives au truc de bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. C'est toujours le classique de appel à la daronne, maman, je sais plus quoi faire. Et tu refais toujours le même truc, quoi. Le même schéma. Ne pas abandonner, c'est le principe. Bah là, c'est le cas, donc si en vrai. Il y a juste un moment, faut revenir à la réalité et se dire que ça sert à rien de se battre pour un truc qui te donne plus envie. Là, même si quand ça fait plusieurs fois que tu retentes ou quoi. Des fois, l'abandon, ça peut être la solution. Enfin, c'est dur, mais. Tantôt à consultation et règlement, ça sera comment carte espèce rive. Ah bah non, t'as rien. J'aurais peur au point de départ quand tu gagnes expérience. Oh, ouais, non, mais bien sûr, je sais. Attends, les mecs sont pas dans ce contrôle. Des dons et des subs, comme ça elle restera là. Non, même si en vrai je suis à l'aise, même si j'étais, rigole, même si j'étais à l'aise financièrement, je sais pas. Non, mais pas abandonner, genre exemple le streaming. Ah oui, que je continue à côté de passion, oui, c'est ça, ouais. Oui. Le moyen de ne pas échouer, c'est de ne rien tenter. Oui, c'est factuellement un échec, mais c'est pas grave, t'auras tout donné pendant 3 ans et c'est pas forcément définitif, vous avez que tu continues le stream à play. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour ça que c'est pas si grave, genre. Ça va redevenir une vraie passion. Ouais. Ne pas abandonner, de trouver ce que tu aimes. Oui, bien sûr. Mais je trouve, en final, je pense que vous êtes d'autres dans mon cas à vouloir vivre de sa passion ou de faire ce truc-là, là. Pourquoi tu rigoles? Je vois Serpent Nesquik derrière. Ah. Mais c'est pas si grave, faut pas être si fataliste si vous n'avez pas eu d'autres passions ou si finalement c'est pas un objectif. Enfin, finalement c'est pas grave en fait. Genre, moi j'ai trop eu ça dans ma tête pendant trop longtemps et en fait, bah. Ok, c'est pas grave en vrai. C'est pas grave de pas faire ça. Il y a d'autres possibilités quoi. Peut-être il y a des rêves qui changent au cours de ta vie et même c'est pas grave de pas en avoir en fait. Genre. C'est la vie. Des échecs comme ça, j'en veux bien 2 ou 3. Non, bah donc si de toute façon oui, le but c'est quand même d'être heureuse, donc faut quand même faire un truc que t'aimes un peu. Faire des trucs que tu kiffes. Enfin, en fait je pense qu'il faut pas tout reposer sur... Mais tu sors d'où? Ah, je croyais que t'étais plus loin. Mais wesh. Mais c'est toi là qui m'est rentré dedans, t'as fait exprès? Non. Mais si, menteur. C'était priorité à droite, madame. Bah mon cul, oui. Y'avait pas de panneau priorité. Bah quand y'a pas de panneau, c'est priorité à droite. Mais bah, gars, hein. Non, arrête de mentir. Comment ça? Il est fou. Putain, et toi tes documents ils se vérifient plus vite. Ouais, ouais. Moi j'ai des vrais papiers. Ça parce que je suis lesbienne. Andrea, croisez-moi. Hein? Quoi dis ça? Il est déjà move pour une blague nulle. Hein? Qu'est-ce que... Eh, mais vous arrêtez là? Qu'est-ce que tu racontes, Alex? J'ai 2% de dégâts. Putain, mais vous bloquez les PNJ qui me bloquent la route! C'est quoi ce chauffard de merde? C'est vrai qu'elle somme un peu. Ah oui? Non, c'est bon, j'ai pas pris de dégâts. Ça va. C'est quoi votre rêve, chat, pour ceux qui en ont? Et ceux qui en ont pas? Comme avec la cuisine pendant 6 ans, ça allait, maintenant c'est ma situation a changé, j'ai révélé. Mais PNJ de merde, va. Pardon. Le mot métier, il me dit que c'est plus. Ah ouais, Joyboy, tu veux changer toi du coup? Tu sais vers où tu veux aller ou pas du tout? Bah ouais, tu rigoles. Chat,
C'est quoi votre rêve pour ceux qui en ont et ceux qui en ont pas? Non, mais ça va aller vite pour ceux qui en ont pas du coup. non mais vous me dites ceux qui en ont pas quoi. J'ai rien dit, bon, okay. Demande à Aya de faire un constat. C'est trop. C'est quoi votre rêve ceux qui en ont pas? Non mais. Ceux qui en ont pas, dites-moi que bah, vous en avez pas quoi. Mais dites-moi ce que ça aurait pu être votre rêve si vous en aviez eu un quoi. Mais ta gueule. Donc maintenant, Osef, le professionnalisme. Mais toi, qu'est-ce que tu m'racontes? Je pense que j'en ai pas, perso. Ah ouais? Putain, ça me rassure quand vous me dites ça. Merci, les scouts. Ouais, Ian, ouais. Eh bah, l'oignon, il a failli se terminer sur le bas-côté. L'oignon? Quoi? C'est toi, l'oignon. Le Ian. Ah ouais, pas cool. J'ai fait un test pendant le Covid dans la construction de cellules électroniques, j'avais bien kiffé. Ah, t'as, genre un stage t'avais fait? Ah ouais? Tout ce qui peut sortir, ça sort. Quoi? Gagner du flouze de ouf et voyager en camion avec un métier qui me plaît. Tu veux devenir chauffeur poids lourd, quoi? Le drift en camion, nono? Ouais, je sais faire, moi. Il y a plein de trucs que je veux faire, genre voyager de fou et je sais que je veux tout donner pour faire le mat, donc c'est pas vraiment un rêve. Ouais. C'est des petits objectifs, c'est pas spécialement des rêves, quoi. C'est des trucs que tu veux faire, mais sans... Ok. Ouais, carré. Bah, c'est un peu ce que je me dis aussi maintenant. Merci Vic pour ton follow, bienvenue, comment tu vas la forme? J'ai pas vraiment de rêve, des objectifs qui évoluent à chaque étape, ouais. Ouais. Mon rêve trouve un rêve. C'est ce que je me disais à Silver à l'époque. Nique alors. Non, camion nager, trop bien! GE2I, ça te va pas? Attends, c'est quoi ça déjà? C'est pas un truc qu'on fait au collège ça? Ou CDI? C'est quoi ça déjà? Déjà? C'est ça. Mission intérim de base dans l'entrepôt, je devais juste déplacer les dossiers, puis à la fin j'étais à construire les cellules. Ok, trop bien, Joy Boy. Ah oui, c'est vrai que t'as fait des trucs comme ça pendant le Covid, en attendant. Et Yaya, c'est quoi son rêve à part me pécho à Dipo? Bah, c'est mon rêve qui me prend. Oh. Pas de place pour en avoir deux. C'est beau de rêver. Non, moi je suis parti de ceux qui n'ont pas de rêve. Non, personne n'a de rêve dans le chat. J'aurais mon resto, c'était même pas un objectif il y a 3-4 ans. Ah ouais? Trop beau gosse. Ouais, Génie électrique et informatique industrielle. Ah, ça va coincer maintenant. Quoi? Ça va coincer, t'as dit? Oui, il y avait une voiture de police et je... Ah ouais, nous aussi j'ai enlevé les amendes, c'est ok. T'es pilote moto, routier, meilleur de parcours, maintenant c'est une passion. Ok. Ouais, en fait c'est bien de pas absolument... En fait il y a tellement de trucs maintenant, on nous pousse tellement à faire de notre passion un métier. Mais en vrai c'est bien, hein. Il y en a à qui ça convient et c'est top, hein. En vrai c'est super stylé. Mais c'est plus dans l'idée où maintenant on nous pousse tellement à se lancer à notre compte ou quoi, que c'est devenu un peu normalité ou quoi, mais en vrai... convient pas à tout le monde quoi. Enfin c'est dur d'avoir trop conscience de ça. Enfin je sais pas, je sais pas ce que je dis là. C'est pas encore clair dans ma tête. Je suis pas compris. Ouais bon. Pourquoi tu m'insultes Mélanie? Pas triche en fait, non. Il y a un an j'aurais dit réussir à trouver un taf qui lit l'info et le sport, mais aujourd'hui je saurais même pas. J'irais trouver mon équilibre avec tous les aspects de ma vie, ouais c'est ça, et être heureuse, ouais c'est ça. Hein. Genre entre tes passions à côté, tout ce qui est... Je sais pas, ça peut être un sport, ça peut être un loisir, enfin plein de trucs comme ça. En fait, il y a plein de trucs, oui. Il faut juste profiter de plein de petites choses et en faire un ensemble dans ta vie. C'est comme ça que tu kiffes et pas tout focaliser sur un truc, genre sur une passion ou sur une relation ou sur plein de trucs comme ça. Et c'est juste comme ça que tu kiffes, en fait. Moi, j'ai trop cette vision-là de tout baser sur mon métier, sur ma passion. Parce que c'est tout notre temps, quoi. Alors qu'en vrai, non, il y a plein de trucs à voir à côté. Pour pas passer à côté de ta vie. Salut Ben! Comment tu vas? Nous pousse à lancer un autre compte? Ouais, beaucoup maintenant. Préfère griller le feu rouge devant la voiture de police, évidemment. Au final, je suis content que ça soit qu'une passion. Ouais, tu m'étonnes. Trop bien, c'était mis là-dedans. À ce compte, c'est tellement galère maintenant. Ah frère, quand tu vois que tu donnais 22% tous les mois, frérot, ça vaut vraiment pas le coup de se lancer à son compte. Vraiment, c'est trop... Ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Je préfère cuisiner pour la famille et les amis. Ah ouais, Joy Boy, c'est le constat, là. Puis même, le... La cuisine, c'est vrai que c'est dur d'en faire toute sa vie aussi, c'est tellement fatigant. Après, il y en a qui savent pas encore. Hein. Moi, j'ai un vrai conseil pour les gens, arrêtez de rêver.
c'est vrai. C'était vraiment pas la vision que j'avais il y a encore un mois. Bah dans une heure t'aurais une autre vision. Arrête. Laisse-moi tranquille. Non, là, ma tête, ça a changé dans ma tête. Il y a plein de choses qui ont changé, là. Toute ma vision que j'avais de toute ma vie, tout a changé dans ma tête, là, depuis la semaine dernière. Ouais, c'est vrai que ça a peut-être changé encore la semaine d'après, mais quand même. Non, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Pas mal du tout, journée un poil longue. Ah, t'as des enfants, Ben? Mais non. Wiki est à son compte. JB m'a donné une recette, faire des pâtes, ça marche du tonnerre. Dis donc à l'état, t'es gentil. Ouais, c'est clair. Toutes les semaines, ça change. Ouais, je vraiment. C'est trop. Je te jure, Noxy, ce qu'il y a dans ma tête, c'est affreux, c'est chiant. J'arrive pas à être stable, moi. J'ai trop d'envies différentes et ça change tout le temps. Non, mais en vrai, là, si je pense que. Ma vision des choses a beaucoup changé, là. Ah oui, trois. Oui, t'as trois gosses. Mais t'as quel âge? Je pensais que t'avais genre. 26 ans ou un truc comme ça. Moi, bon, tu peux avoir trois gosses à 26 ans, mais quand même! Transformez vos rêves en objectifs et donnez tout pour les réaliser. Hop là! Non, même pas. C'est ce que je m'étais dit aussi, mais. Je sais pas. Non, t'as 38 ans! Mais je devrais te vous voyez quand on s'appelle en fait. Oh, putain. Je devrais te voyez. Mais ça, putain, je savais pas. Waouh, mais tu fais pas si vieux. De respect. C'est vieux 38 ans? Oui! Bon, bol perdu. Ouais, je pensais pas. Dans la tête, c'est plein le cerveau. Transformez vos rêves en objectifs et donnez pour ça, j'ai vu. Dans une semaine, Noah va nous dire qu'elle est bien sur Twitch avec nous. Ah oui, non, mais ça change pas, oui. J'ai un pote qui a un gosse, elle l'a gagné. Il y a une voiture au milieu de la route. Ah, ouais, ah oui, c'est toi qui lui rentres dedans. Attention, il y a trois voitures au milieu de la route. Mais tu fais quoi? Pourquoi c'est tout dans le même sens? C'est bizarre. Bizarre. Je sais pas, mais je t'ai prévenu, hein. Bah oui, mais elle a reculé cette chouin. Quand j'arrivais. Avec les pattes. Yaya, il s'est 47 ans en sueur, il a dit Max. Je viens de passer, il a dit bonjour un peu après une longue journée, merci Noris. Non mais ça va, je dis que tu fais plus jeune, c'est super bien. Je t'ai dit que tu faisais genre 26 ans pour moi. Non mais c'est vrai, je suis choquée que t'as cet âge là par contre. Je suis choquée de ouf. Je pensais vraiment pas. Tu es vraiment beaucoup plus jeune. Genre dans tout, physiquement et comment tu parles et tout. Genre vraiment, tu fais vraiment jeune. Je suis choquée. Je suis rentrée tard mais j'ai ni la compagnie ni les enfants. J'ai une campagne, bon c'est pas grave. Hein. Moi ça me dérangerait même pas je crois de me voir avec juste des chats plus vieilles. Bon une meuf quand même de temps en temps mais... Oui des chats et des chattes. Si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire hein. Bon voilà bref. Ça m'a menti que ça en fait tout jeune, c'est vrai hein. Les informaticiens vous faites jeune, enfin ceux qui sont bossent sur des ordi vous faites jeune. Non 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 pas du tout, c'est pas vrai. Moi je bosse sur un ordi de temps en temps. Ouais donc c'est pas vrai ce que je dis. 24 ans, on nous dit qu'on est vieux ici, donc bon. Comédienne en français, oui. Moi, chat, j'adore poser cette question. Quand vous voyez ma tête, autre que le stream, vous me voyez bien dans quoi? Et toi, Yaya? Quand vous voyez ma tête, vous dites, ah, elle serait... Tu penses à actrice porno? Non, 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 c'est pas ça. Dans ta caméra, dans une crèche, le catch. Non mais s'il vous plaît, on peut être sérieux deux minutes. Dans le mur, mais putain, au lycée, mais stop. S'il vous plaît, Mathieu Sporno, mais mannequin crash test, mais... Je vais pleurer. Oula. Pardon, excusez-moi. Au collège, caissière à Leclerc. Il n'y a pas de sous-métier. Enfin, ce chat, vengeance. Mais c'est trop bien d'être souqué par les travails, moi je trouve, je kiffe. Ouais, mon âge me va, je suis contente de ce que j'ai fait de mon temps de vie. Non, mais vraiment, tu fais pas, je suis choquée. Des chats pas en vie, mais les autres, ils notent. Joker, j'ai besoin de décompresser. Quoi? En vrai, je préfère être jeune, ne pas vouloir trop vieillir et en même temps mature. Ouais, de ouf, hein. Oui, bon, oui. Pas dans un camion. Boule. Doubleuse, oh oui, doubleuse. C'est interdit, ou animatrice radio. En vrai, je te verrais bien dans les bars. Ok. Salut Lord, comment tu vas la forme? J'ai dit routier, mais je vais te changer d'avis là. Ok, me divertir, chat. J'ai pas chauffeur poids lourd, ok.
Je sais, moi j'aime bien. Tu pourrais faire du ETS IRL, pardon. Technicienne de surface, c'est quoi? Mais premier degré quand vous voyez ma tête. Non mais très premier degré. Enfin, sans avoir, sans connaître ce que j'ai déjà fait, ce que je fais sur Twitch et tout. Quand vous voyez ma tête, de quoi vous voyez? Toi tu dis quoi Yaya? Non, je dis technicienne de surface, mais Le ménage? Ouais. Ah bon? Parce que je te verrais bien, c'est un peu comme Pau. Mais après t'as pas les enfants donc forcément ça marche pas, mais genre animatrice en... aéré ou un truc comme ça. Genre dans les campings? Oh non, moi je me vois pas faire ça. Ouais, genre, là, trop avec, son, avec son énergie. Non. Peu, oui, tu je vois. Je rêverais de l'avoir animé à un aéré ou un camping ou un truc comme ça. Bah oui, peu, genre oui, tu vois. Mais moi je suis trop introverti IRL pour ça. Ouais, mais si c'était ton métier, tu... Je sais pas. Sur Twitch, hein, tu vois, tu lâches, hein, tu... Ouais, mais c'est pas pareil. Tu reviens quand sur Apex? Je sais pas, apparemment, la nouvelle saison, elle est bien, Ben. T'as super Lord, je te verrais bien dirigeant d'un groupe pharmaceutique qui pèse des milliards, voilà, si ton ego est flatté. Bon, on peut juste flouter. Ah voilà, c'est déjà ce que tu vas faire d'ici 2-3 ans quand tu auras compris tes envies. Je sais déjà ce que tu vas faire d'ici 2-3 ans quand tu auras compris tes envies. Tu sais déjà, bah dis-moi, de comment ça? Tu penses à quoi? Mais dis-moi, économise-moi 2-3 ans. Tu parles de rando, non? Un métier dans la montagne, genre guide de rando. Ou un vrai doubleux, j'avoue. Ouais, doubleux, j'aimerais bien tenter, mais ouais. Ouais. Mais c'est Paris quoi. Mais enfin, c'est des excuses tout ça, mais oui. Hein? T'inquiète, se faire un nom, hein, donc. Ouais, mais faut le faire quoi. Après, c'est des excuses, mais tout est possible. Mais ouais, j'aimerais bien tenter en vrai ça. Pas en faire un métier peut-être, mais au moins tenter. Voir ah oui, pour faire un métier, d'accord. Bah, je sais pas, peut-être que si, si j'aime bien, tu vois, mais j'aimerais vraiment tenter. Je regretterais de pas essayer au moins une fois. J'aurais bien vendeuse. Ah non, sans façon. Jamais dans le commerce, jamais de la vie. Commercial, jamais dans le commerce, les gars. Femme de ménage quoi, j'ai déjà fait. Une tête d'artiste. C'est ce qu'on me disait au lycée quand je faisais cette question, on me disait dans le côté artiste, milieu artistique. Non, c'est vrai? Méchant. Productrice de car pour amener les enfants à l'école. Oh, quel enfer. Tu veux que je garde ton fils, Yaya, elle a dit pas. Non, je voulais la soirée avec la babysitter. On t'entend pas, Yayou. Tu parles dans ton micro. Ah, mais... Mais non, moi je fais la soirée avec la babysitter si tu viens garder... Les bars, c'est par rapport à ce que tu as déjà fait, mais je t'aurais bien recommencé. Non, pas les bars. Un métier un peu sportif, tu vois bien dedans. Ah ouais? Du genre? T'as une idée? Oui, après. Je suis décalé. Non, mais non, tout ce qui est commerce, hors de question. Hein. Vendre, non, jamais de la vie de commerce. Par contre, ça, c'est sûr et certain. Jamais. Elle me donne envie de reprendre. Bah ouais, apparemment, Ben, c'est pas même le classé ou quoi, c'est devenu pas mal parce qu'ils ont fait un peu de la merde. Tu veux qu'on game ensemble, piou piou? Bah un jour, si je reprends en live, mais j'ai trop de jeux, y'a Valo, Ben, y'a Valo, ça y est. Je rigole, chauffeur, t'as un peu le style. Ah ouais? Non, je te verrais bien barman. Mais j'ai déjà fait un peu Noxy, mais pendant le Covid. Je veux doubler qui? Bien en tant qu'AFS. AFS, c'est quoi AFS? Guide de rando, je me suis dit. Tu changeras de carrière tous les 4-5 ans à chaque fois pour un métier créa ou plein air, avec des relations clients importantes, ce qui demande un peu de formation, mais beaucoup d'imagination et de travail. Je pense aussi que je resterai jamais stable, Max. AVS, tu l'as lu AFS? AVS. Mais il a écrit AVS. Ah, mais t'as lu AFS. C'est auxiliaire de vie scolaire. Ah! Mais je pense, Max, il a raison. Je pense que je serai jamais stable. Je vais tout le temps changer. J'ai trop envie de faire trop de choses tout le temps. Pense qu'un jour, tu poseras. Ah, je pense pas, hein, vraiment. Je veux trop faire plein de choses. Oui, mais un jour, t'auras marre, justement, et il y aura des impératifs qui feront que. Non, je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense, Max, il a raison. Métier créa, ça, c'est sûr que ça finira par arriver parce que je veux trop. Il y a des trucs comme ça qui m'intéressent. Plein air aussi. Je pense qu'il a raison. Coach de sport, Nodono. Ah non. Et je vous garde tous les 2 ans. Les bars de striptease, quoi? Non, mais t'as la chat, je suis une commerciale, genre. Mais pas dans une grande surface, mais en freelance. Ah bon? Ah, moi, j'aime pas vendre. Enfin, mentir pour vendre ou truc comme ça, je sais pas. Hein. Bon, les gars, le commerce, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Vraiment, voilà, vraiment pas. Moi, je veux être vrai, hein. Je veux pas être. Vous voyez bien sur les lives. Donnez-moi votre argent, s'il vous plaît. Ouais, je recommence avec le client. Valo, j'aime pas, je vais CS mercredi. T'aimes pas Valo, mais tu joues à CS? Mais non. Auxiliaire de vie scolaire. Ah, oh non. Les enfants en difficulté dans les classes et tout. Bah, de base, je voulais faire ça. Enfin, je voulais être. J'ai fait des études de psycho, de base, c'était pour être. Oh merde. Oh bah non. Comment? Pour être quoi? Je t'entends pas, Yaya. Oh, rien, t'inquiète. On n'entend même pas tes blagues. Pour être EduxP, de base, je voulais faire.
Mannequin malléole gauche. Tu es clairement instable dans ton caractère. Oui, bah ça, ça va. À 40-50 ans, t'en auras marre, tu te poseras. Ah oui. C'est pas parce que je fais un vocal toutes les nuits dans Modo que je suis instable. Pas du tout. Pilote de parapente. On en reparle dans 20 ans. Vas-y. Mais je pense que t'as raison. Ouais. Je pense que j'ai trop besoin. Justement, dans l'idée, je veux tester plein de trucs. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire en vrai. Je veux changer de truc tout le temps. Mais faut que je trouve un moyen de me faire de la thune. Ah oui, c'est le côté. Quand je t'ai dit tout à l'heure, t'as des impératifs qui feront que tu devras te poser. Oui, bah, t'économies, ça se fait. Hein. Juste là, je me suis lancé dans un truc un peu compliqué, quoi. Pour me faire de l'argent. T'as pas économisé avant, ça se fait. Pourtant, ça t'aurait pu. Parce qu'avant, j'étais dans les études. Voilà. Ce sont des personnes qui doivent aider les élèves en difficulté. Ah oui, non. Aider des animaux. Commercial chez NordVPN. Eh ma petite, je peux proposer un giveaway de même. Là, tu veux offrir deux trucs? Bah, si tu veux. Pour jouer à Apex. N'hésitez pas à demander sur Discord en vrai. Bah, je sais pas trop, mais tu sembles aimer bouger, te dépenser, etc. Je connais pas les métiers dans le sport en plein air, mais genre, je te vois bien faire un truc plein air comme dit Max. Ok, j'en mets. Merci pour votre avis, chat. Et d'XP, ouais, c'est ça que je voulais faire. Mais en vrai, Max, il a raison, tu vas vraiment te poser avec l'âge. Oui, dans longtemps, quoi. Genre, j'ai le temps dans 30 ans. J'ai enfin trouvé mon truc, ça y est, je vais me poser. Enfin me poser. Ah ouais? Attends, c'est quoi toi? Si toi t'as dit Noxy, je sais plus. Oh bien streameuse en vrai. En vrai, c'est chiant parce que je me dis justement avec l'expérience, tu vas vouloir. Moi, je vais vouloir garder plein de trucs de ce que je veux faire comme streameuse. Tu vois, je vais pas en faire un métier, mais je veux le garder à côté. Le problème, c'est que je vais garder tout ce que je fais et il y aura plus de place au bout d'un moment. Deux tirés au sort. Mais tu dis ce que c'est avant Ryu pour savoir si les gens veulent participer. Bah je sais pas ce que c'est ma soeur. Vend des photos de pieds. Bah ouais, mais je sais pas de quoi elle me parle. Ça. Vend des photos de pieds, j'ai jamais été bien. C'est quoi? Ouais, ban morceau solution. Attends. Ah, il s'est fait pirater? Il s'est piraté, ouais. Je t'ai pas un mur. Voilà. Bah non, sinon ce serait pas marrant. Mais tout le monde serait content de l'avoir, Ryu. Parce que imagine, c'est des gens qui veulent pas ou qui ont déjà. C'est pour ça, c'est bien de dire. Écrit, c'est géré. Merci les refs. En vrai, t'as raison, Marc, je vends des photos de pied. Hein. Ça, je suis pas la seule à toujours pas être posée. Ouais, je sais pas ce que les gens posés sont heureux. Bah après, si leur convient, oui, mais. Coiffeuse. Coiffeuse. Oh, toucher la tête des gens là. Oh, j'avais de la vie, je fais un truc où je touche les gens, moi. Hein. T'aimerais pas épiler des maillots toute la journée? Faire des massages, des épilations, des coiffeuses, ah tout ça, ça me répugne comme métier. Oh, de mettre ma main sur les gens, ouh. Oh, quelle horreur, faire des manicures, ouais. Des pédicures, imagine. On va participer. Salut Leïla, comment tu vas? Tout le monde serait content, t'inquiète. Ok, moi, bah. J'ai des gigalags. Est-ce qu'il y a un commande qui peut. Il y a un modo, pardon. Ah, tu viens de taper dans un truc, non? Je veux ton camion voler, je crois. Ouais, j'ai des gigalags. Est-ce qu'il y a un modo qui fait point d'exclamation draw new, s'il vous plaît? Draw espace new. Draw new, un truc comme ça. En vrai, tatoueuse, je suis pas dessinée. Enfin, ça m'intéresse pas, de toute façon. Oui, c'est merci, bien. Kiki. Vous pouvez faire point d'exclamation. Ah, ah oui, un seul modo. bon, je pense que ça marchera quand même. Chat, vous pouvez faire point d'exclamation KDO dans le chat. On va faire deux tirages différents. Vous pouvez faire point d'exclamation KDO dans le chat, il y a Ryu qui vous offre un cadeau, mais on sait pas ce que c'est, donc bah. Participez si vous voulez. Bah, du coup, il y a deux tirages en plus. Non, il y en a qu'un en cours là, normalement. Je pense pas, je pense que. Bah, on essayera, on verra. Bah, on fera les deux. J'ai un délai sur ta. On essayera. C'est quoi les cadeaux? Bah, on sait pas, il veut pas tirer. Tu sais, quand ils sont mouillés là et tout, ouais. J'ai un délai sur ta. Faut exclamation KDO, chat, participez au giveaway de Ryu. Et je vous avais jusqu'à 35 on va dire, 20h35. Comme ça si elle est deux, on ferait les deux en même temps. Si c'est des nudes par contre, faut le dire avant les gars. Bah c'est gratuit non? Pour la qualité que c'est. Ah il consomme mon camion par contre hein. Je dois refaire un plein encore. Ah ça suce Mercedes hein. Un bad def c'est ça le cadeau. Y'a qu'un tirage qu'on peut participer. Bah y'a moyen que ça fasse deux d'un coup, on va essayer. Ah non, parce que sur le deuxième, on va annuler le deuxième après, quand on aura fait le tirage du premier. Parce qu'il y a moyen que ça fait peu de participation sur le deuxième.
C'est super gentil, Russe. Comment tu vas, la forme? T'inquiète, c'est déjà le cas. Bonsoir, le Gamtar. Pas de fer. Tu participes pas, Yaya, Divem? J'arrive pas à te doubler. Non, je participe pas. Mais je joue la Migaz, comme ça, t'arrives pas à me doubler. Bah, je sais pas, j'arrive pas à te doubler. Ah, Migaz! Mais il veut voler le. Si on chante les bandes blanches dans ce pays. Ça vibre. Ah ouais, c'est tellement relou. Je vais finir par réussir à doubler tout. Attends, j'accélère. Mais putain, c'est ça! Ah, ok. Il y a des travaux. C'est passé, chef. Allez, avance avec ta. Non, recule pas, avance. Qu'est-ce que tu fais? Mais il est con. Pourquoi fallait qu'on se double et qu'on accélère à ce moment-là? Il y a des travaux, c'est fou. On voulait me faire réparer. Faut le dire, hein. Ouais, moi aussi, en fait, je suis à moitié rouge. Allez, vas-y. Pareil. Putain, je suis à moins 18 000 et j'ai même pas encore fait réparer, j'en prends les échéances. 49%. Putain, fallait que ça soit à ce moment-là qu'on se tape une course, quoi. Allez, dans quel pays, là ? Mais il peut pas mettre des panneaux, hein ? Je sais même pas. Dis-moi, ouais, c'est le DLC de TS. Bon, bah... Ça a coûté cher, ça, encore. Putain, mon camion était tout neuf. 72 000! Je suis au moins 92 000! Vas-y, je commence à me remettre bien! Les enfants, vu que je ne vous ai pas vu depuis un long moment et que je suis généreux, je vous ai la possibilité d'aller sur Instant Gaming, choisir un jeu que vous voulez et peu importe le prix. Oh wesh! Oh, j'aurais dû participer, putain, les jeux ultra chers! Oh. Et mettez du love pour Ryu, pas on rigole, mais mettez. Attends, après, quand on aura fait le drop pick, après. Ah ouais, aura, non, comme ça, pas, on, non, va pas, on va pas insultez perdre. Insultez-le avant qu'on fasse. Est-ce que Kiki, tu peux faire point exclamation dropic s'il te plaît? On a Kiki comme ça, y'a pas plusieurs modos qu'il faut en même temps. Du coup, y'a deux tirages, c'est deux fois les mêmes, Ryu, ça? Et c'est Linpo qui gagne! GG Linpo! Trop mignon, Ryu, merci beaucoup. Linpo. Ah, je vais aller voir le truc, le point d'interrogation en même temps. Y'en a deux, donc deux fois ça? GG Linpo, merci Ryu. Oh mais attendez, il y a le deuxième tirage, je mettrai l'offre pour Ryu après les deux tirages. Comme ça on se perd pas et vous allez mettre une bonne vague. Buez-le d'abord. T'as dit quoi? Buez-le avant qu'on mette le deuxième tirage. Quand tu clôt le tir. Du coup Linpo et Ryu draw remove je crois pour. Faites un draw remove dans le dot. Ou draw Non, je vais juste débloquer le truc à droite. Est-ce que Kiki tu peux faire draw remove ou c'est un truc comme ça je crois? Merci petite madame pour les 100 bits, comment tu vas la forme? Merci beaucoup. Parfait, et tu peux faire un gros new maintenant? S'il te plaît. Merci Kiki. Merci. Attention, il y a des travaux sur la route. Merci beaucoup petite madame, comment tu vas la forme? Linpo et Ryu, je vous laisse voir ça en MP. Tu gères Ryu, merci beaucoup, c'est gentil. Joue Ophélie pour rigoler. Non bah non. Si. Je vais pas participer à un giveaway sur ma propre chaîne, sachant qu'il y a un tier 3 sur ma propre chaîne en plus. Bah si, bah c'est Ryu, c'est pas toi qui offre le cadeau, c'est Ryu. Bah non, je vais pas participer à un giveaway sur ma chaîne, Yannick. Exclamation KDO chat, vous avez un nouveau tirage au sort, c'est le même que ce qu'a fait Ryu. C'est encore un jeu, peu importe ce que vous voulez, sur un stock gaming de la part de Ryu. Trop mimi Ryu, merci beaucoup. Faites pas les... Hein? Prenez un jeu que vous voulez vraiment. Ouais, faites pas en mode d'un truc super cher, prenez un jeu que je voulais vraiment. Bah profitez-en pour un jeu que vous pouvez pas vous offrir quoi, mais abusez pas non plus. Enfin si vous voulez ce jeu là quoi. Bah c'est ça, non, genre, je vais pas participer à un giveaway sur ma chaîne. Et DLC. Gros truc pour nous suivre. Ouais, genre, ouais. Tu participes pas pour le DLC toi? Non, ça annule pas même normalement. J'ai pas accouché le truc qui annule. Ouais, exclamation 4DO chat, vous avez jusqu'à 20h40 pour participer. C'est toi qui gagne, je t'offre un jeu troll. Non, en plus, vous me laissez l'opportunité à quelqu'un qui a. Ouais, j'ai tellement de jeux, moi, Ryu en plus, je reste tombé, j'ai trop de jeux. Ok, moi je peux payer avec mon compte pro en plus. Des bisous, Laiki, bonne nuit, repose-toi bien. Bon courage pour les cours. Ah non, c'est Ryu qui gère là, c'est pas moi là. C'est à Ryu qu'il faut dire merci, moi j'ai rien fait. C'est à Ryu qu'il faut dire merci là. Ah, j'allais prendre un peu. Ah, mais t'es où? Je suis derrière toi.
comment tu te traînes, hein? Ça va, oui. Bah, je te vois pas, hein. Bon, je vois ton cul, tu es au milieu du tunnel, tu es à 50 mètres de toi, regarde. Ah oui, ça y est, je te vois. J'ai ralenti. Absolument, je peux. Je te parle à gauche, attention, te déporte pas. Il y a un lapin qui traverse, toi je reviens à droite. Oh, tu m'as tapé. Oh, tu t'es pris la mur. Non mais t'as forcé, t'as vu, j'ai la gauche là. T'as forcé, t'es d'accord. Par contre t'as fait des dégâts de ma souris. Je te loupe par la gauche, te déporte pas. Tu fais quoi? Tu te déportes à gauche. Oui mais frère, là t'avais le temps de ralentir, c'était pour la blague. T'étais bien loin derrière, là t'as fait exprès de continuer. Voilà, voilà, je sais très bien, t'as fait. Parce que t'as eu le temps de réagir avant de taper. T'as tapé une minute après avoir réagi. Une minute, ouais. 16 minutes. Je vais me faire un café avant même de taper ton camion. T'aimes pas le café, mon pas. Ah, il y a les travaux sur la route. Ouais, super. Oh, ils sont mignons, ils me laissent passer. Ah non, il y a un accident. Ah non, elle est repartie. Vas-y, Nado. Ça a la bulle fouille dragon. Oui, c'est Sanoxy. Elle est trop bonne. Il reste encore un peu de temps pour le KDO. Ouais, faut encore faire pour exclamation KDO pour gagner un jeu de votre choix sur Instant Gaming, n'importe lequel, de la part de Ryu. Attends, attends, Leiki, après le... Ah oui, tu vas dormir, toi, pardon. Salut Marie, comment tu vas? On fera une vague de love après le tirage au sort, comme ça on voit qui a gagné, tranquillou, et vous pouvez spam après. Faut qu'on se perde. Pourquoi il y a des PNJ qui sortent des travaux, là? Bah parce qu'ils traversent la route. Mais le mec, il était derrière les plots, et hop, il s'est tapé sur la route. Bah pour moi, Noxie, c'est une de mes préférées. Celle-là, il myrtille. Elle est trop bonne. Le dragon, elle est trop bonne. 40. Il est 40, ouais. Je te laisse faire, Kiki, s'il te plaît, pour repique. Alors, qui a gagné le deuxième jeu? C'est Joy Boy. Espèce de rabat. Ah, il gagne tout le temps, ce mec, c'est une folie. Merci beaucoup, Kiki. Il voudra pas lui... Ouais, Ryu, il va jamais vouloir offrir à Joy Boy. GG Joy Boy. Ah non, j'aime pas du tout, petite madame. Pêche, j'aime pas trop. Oh non, pas lui, la grosse arnaque. Allez, ça banne Joy Boy. Allez, le chat, mettez une bonne grosse vague de love pour Ryu. T'offre deux jeux n'importe lesquels, là, comme ça. Mettez une bonne vague de love pour le petit Ryu, le chat. Qui est trop sympa. Qui passe comme ça et qui vous offre des trucs. On peut remplacer par des nudes de Ryu. Merci Ryu. Merci Ryu. Vous êtes beau. Vous nous direz ce que vous avez pris, Linko et Joy Boy? Vous me direz quel jeu vous avez choisi, je m'arrête de prendre de l'essence. Ah bah trop tard, t'as tourné. Ouais, je t'attends la sortie. Je... Ok. Ah, t'as pas besoin? Bon, il me reste 1100 d'autonomie et il nous reste 1600, je ferai le plein vers la fin. Ah, c'est le deuxième que je fais et je l'ai fait après toi en plus. Eh oui, madame. Merci Riri, tu gères. Merci camion. Beaucoup. Non, merci Riri. Quand j'aurai de l'argent, moi aussi je prendrai un vrai camion. Trôner un vaisseau à 10 000 de Star Citizen. Faut que je regarde le jeu. Star Citizen? Euro Truck Simulator là, mais dans l'espace là. Ah oui, mais il est pas encore sorti, c'est ça? Je sais pas, mais apparemment. Je crois que j'ai l'impression que tu peux jouer en bêta. Ouais. Je sais pas s'il me tenterait. Enfin, ça avait l'air sympa ton TikTok, mais je sais pas s'il me tenterait. Ouais, essayer, je pense. Ouais. Je ferais certainement pas autant de fun que dans celui-là. Ouais. C'est le moment de Joy Boy. En plus, moi, il y a plein de jeux qui viennent de sortir là. Faut l'air carré de ouf. Des bisous, saumon. Passe une bonne soirée. Il n'est pas mis dans l'essence. 1000, je te jure. Putain, maintenant que vous m'avez donné plein d'idées de métier, j'ai envie de tout essayer. Ça y est. Mais quoi? Folie, ça. En même temps, je trouve au bout d'un moment, quand tu restes longtemps dans un métier, tu t'ennuies. Salut, le toc, comment tu vas la forme? Genre, une fois que t'es bien monté, tu n'as plus d'objectif. Je pense que tu t'ennuies. Ah, moi je suis bien monté, mais je m'ennuie pas dans. Ouais, c'est vrai, mais moi je m'ennuierais. Ah, je suis bien monté. Salut, Master! Tu sais, déjà mardi. Comment tu vas? Mais non, de lundi. Qu'est-ce que Ah, oui. Ah, parce qu'il y a eu Euro Truck. Mais j'ai mis au planning ce soir, j'avais envie, mais il y a aussi demain. Peut-être qu'il y aurait eu deux jeux à gagner le mois prochain, qui sait? Il y aura deux jeux à gagner le mois prochain aussi? Peut-être c'est coiffeux. Non, mais non. Faut pas forcer comme ça. Garde tes sous, BG.
C'est clair, si tu vas commencer à vivre dans ton petit appart là. Chaque personne de la commune. Ah, ça paye grassement la saison. Chaque personne de la commune de te prendre un stage dans leur taf de ouf. Merci le livre. Oui, j'ai entendu son truc, il a monté. Il est monté. Hein? Oui, non, mais rien, je vois que Zem il réagit à ce que tu dis. Non, mais en fait, lui. Forcément, il y a des métiers où tu, au bout d'un moment tu t'ennuies, je pense. Enfin, je pense, c'est même sûr. Oui, ça va dépendre du métier, forcément. Je le sais pas, sorcier, ça fait longtemps, comment tu vas? Jamie. C'est sûr que si t'as un métier où c'est la même routine tous les jours. Ah, même, je pense que tu t'ennuies. Je pense que tu t'ennuies. Je pense que tu peux, au bout d'un moment, quand t'as besoin d'avoir fait le tour ou quoi, enfin, même si tu l'as pas forcément fait, mais. Oh, c'est dur le temps que ça. Oh, c'est dur. Un mois, un nouveau métier, ça moi. Ça paye bien quand tu vas racketter le patron. Ça y est, il a payé et tout, il a fait ce qu'il fallait. Ouais, ça va super, c'est pas sorcier. La patate. Ça va, nickel. Merci beaucoup le smile pour ton follow, bienvenue, comment tu vas la forme? Elles sont passées où tes lunettes? Bah j'ai plus mal à la tête quand je joue, quand je suis sur un écran, donc y'a plus de lunettes. Et mes cheveux m'ont un peu poussé aussi, c'est pas sorcier depuis. Un peu soucé. Quoi? Mais non, mais c'est moi qui ai mal dit mon truc. Je fais ce soucis. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est pas exprès. Top 7 de vidéo, 12 métiers en un an. Oh, de fou. Je vais tester 12 métiers en un an. De ouf. Oui, enfin, au bout de 2 mois. Oh la vache. Eh ben. Okay. T'as dit quoi? Toujours, j'entends pas, t'articules pas, t'entends pas fort. Ça pourrait être une belle vidéo. Ouais, de ouf. Ah bon, un peu oublié. Quoi? C'est toi qui te mets des barrières là. Mais tu me payes ma nourriture pendant cette année là? Ça va, tu manges des graines maintenant, fais pas chier. N'importe quoi. Mais j'arrive pas à jouer avec lunettes à cause des branches, tout l'inverse de toi. Bah oui, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté aussi, parce qu'avec les branches ça fait mal avec le casque, ça fait super mal derrière les oreilles. Ouais, faut pas les mettre dans vos yeux les branches des lunettes par contre. Non mais c'est derrière les oreilles, tu sais, contre le casque ça fait super mal. Mais peu importe le casque, même avec celui-là, ça me fait mal. J'ai des lunettes depuis toujours. Moi, t'as l'habitude, je sais pas, mais moi, ça me fait mal. Mais c'est une excuse comme quoi il avait bloqué son compte, donc du coup, il devait attendre ses soi-disant codes. Ah oui, d'accord. T'as dit quoi? J'ai des gros coussins, ça, c'est des coussins qui appuient sur les lunettes. Bah ouais, moi aussi. Ça te fait mal? Oui. Et pourtant, tu vois, c'est un nouveau casque aussi, tu vois, c'est le DT qui est trop bien, là, c'est pas de la merde, mais pareil, ça me fait mal. L'ancien casque aussi, ça me faisait ça. Ouais, ça c'est pas fines sur tes. Bah, peut-être parce qu'elles sont pas très fines. Parce qu'elles sont larges et plates. Ouais, bah, c'est peut-être ça, ouais. Prototype lunette Oakley avec les branches droites. C'est pas les lunettes exprès pour les écrans, ça en plus, Master? Les lumières bleues là? Alors, c'est pas sorcier, ça veut nous rejoindre sur les convoites Eurotruck là? Maintenant que t'es de retour? T'as les poches! Ouais, Ryu, ça me le fait. Mais je pense que c'est mes lunettes, ça me le faisait aussi avec l'ancien casque. Quand ça fait trop longtemps, ça fait un peu mal, ouais. De toute façon, mes lunettes, elles sont cassées. Il y a une branche qui est plus droite. Elles sont de travers, ça fait longtemps. C'est pas vrai, ça. Oui, bah oui. Je dirais pas non, vous avez pris le dernier DLC? Mais non, vous voulez le prendre justement, mais bon, il est à 20 balles, donc on attend les promos, là. Il est cher, le dernier DLC. Ils ont un peu abusé, je trouve, le prix. Mais il faut qu'on le prenne. Et non. Vraiment, Yaya, je te jure, il faut que t'articules et que tu parles plus fort. Hein. Sérieux? Mais oui, là c'est bien là. Mais tu parles pas fort. Parler comme ça. Mais non, tu parles dans ta barbe. Oui, bah je vais pas me raser non plus pour le live. Demain on joue au DLC. Bah non. Moi j'ai pas prévu de le prendre. Et la promode? Non, elle a pas. On est sans promode là, sans promode. On avait des petits soucis avec les crash tests, du coup on a enlevé promode et tout. Enfin, on est revenu classique là. Le convoi classique. On fait les succès. Là, on fait celui où il faut faire 2500 km. Ah bon, on l'aura demain. À partir d'Istanbul. Depuis que j'ai pris ça, c'est le feu. Ah ouais? Plus mal aux oreilles. Ok. Ils ont une série Serial Gamer, mais c'est pourri. Ah ouais, elle est normale aussi, les branches droites et plates. Ok. Il y a des travaux, attention. Ok. Il y en a qui ont pas le choix de garder leurs lunettes, sinon ils voient rien. Gardez leurs lunettes, ouais, bah ouais. Ah, t'es devant moi? Je te vois même pas. Ouais, j'ai roulé à fond. Ah. Je suis très loin devant toi.
Bah c'est exactement ce que j'ai aussi. Attends, est-ce qu'elles sont là mes lunettes? C'est exactement ce que j'ai, elles sont là. Celles-là, ouais, elles sont dégueu là, mais... T'as aussi les réduits via Stand Gaming. Ouais, parce que c'est cher, sorti comme ça pour un DLC, ouf. De toute façon, ils vont refaire un. Là, ils ont un nom sur Instant Gaming à 9 balles, mais y a pas, ils sont hors stock. Nesquik, il a dit que ça serait dans genre 3 semaines ou un truc comme ça, je crois, maximum. La promo, donc bon, ça va en vrai. Mais pour l'instant, il y a le succès à faire, ça va, ça peut être. T'as peut-être qu'il n'y a pas droite. Je suis chaud à vous rejoindre, du coup, je lance le jeu si vous voulez. Bah, tu peux, ouais, vas-y. Mais après, là, on coupe à 22h, donc. Faut jamais fait gaffe. Le micro détecte pas ta voix calme aujourd'hui, ouais, t'es d'accord, hein. T'as pas baissé ton entrée audio entre temps? Mais non, parce qu'on l'entend bien que le micro s'active, mais juste c'est vraiment comme si tu marmonnais quoi. Genre vraiment, ouais. T'articules pas et tu marmonnes. Ok, d'accord, je vais faire attention à ma diction dorénavant. Non, t'entends bien là. Ah, il a fait de la pub, Kiki. Vous allez où là? Là, on va à Oslo, en Norvège. Aussi sans lunettes, migraine ophtalmique avec 15 minutes d'écran, quel enfer, lecture. Et merci Kiki, tu gères. Là, ouais, avoir des lunettes tout le temps, ça doit être rouge. Tu connais tout le temps, vous voulez pas prendre des lentilles? Genre toi Yaya, tu voudrais pas avoir des lentilles? Je peux pas. Pourquoi? C'est trop puissant la correction? Non, c'est juste qu'avec mon taf, tu vois, je nettoie régulièrement des bagnoles, ah, et ouais, tout, avec okay. Des projections de produits dans les yeux. Ah ouais. C'est pas la peine. Et justement, je préfère avoir des lunettes qui me protègent les yeux. Ouais. Oh. Pourquoi toi, ton pot? Mais pot, t'as pas de lunettes? Mais tu rigoles ou quoi? Ah si, elle a des lunettes. Je l'ai oublié là pendant l'instant. Attends, j'arrive pas à t'imaginer avec des lunettes, attends. Mais elle a toujours des lunettes, Po. Mais non, j'ai sa tête sans lunettes là, attends. Mais ton fond d'écran c'est Po sans lunettes. Mais je sais pas. Non, je sais pas, mais... Tu rigoles? Mais non, je rigole pas. Si, moi j'ai déjà vu Po. Si, Po, j'ai vu une fois sans lunettes. Bah oui, moi aussi, mais j'arrive pas à la voir quoi avec là. On a passé un week-end ensemble, wesh. Mais je sais pas, Paka en plus. Oui, mais en fait, je réimagine les photos que j'ai prises de toi où tu prends cher et je te vois pas avec des lunettes dessus. Mais si, si, mais en fait, j'arrive pas. Je sais pas. Ouais, t'es toujours moche tout le temps qu'avec lunettes, je sais pas. Je dis que ça pourrait embellir et j'arrive pas à imaginer. La lunette sur les photos. Connasse. Ah oui, les photos des lunettes sur toutes les photos. Bah oui, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, non. Ouais, tu prends cher. Moi j'ai des photos avec des lunettes, mais je crois elle voit pas mieux avec. Chassiné que Joy Boy c'est un putain de rat. Il a pris quoi? Flemme, lentille, faut penser à les enlever et tout. Ça fait 20 ans que j'ai des lunettes. Pardon, je me préférerais pas sans. Ouais, puis t'as l'habitude, non? Maintenant. Puis en vrai, je trouve que c'est super joli les lunettes. Genre, vous êtes trop beau gosse avec des lunettes. Surtout que, bah, après, quand vous les enlevez, vous reconnaissez. Enfin, vous avez un visage bizarre. Mais je trouve que c'est trop beau. Genre, ça embellit un visage, je trouve, des lunettes. Genre, ça peut rendre quelqu'un trop beau. Merci. Ça dépend après quel genre de lunettes, quoi, mais. Ouais, d'accord. Quel genre de visage, mais bref. Oui, ouais. je rigole. C'est vrai. Arrête, fais pas cette tête, je rigole, oh, souris, oh. Yannick, arrête, arrête, j'aime pas quand tu fais ça, je rigole. Ah, ça. Je vais débloquer l'agence, là. J'arrive pas à allumer le jeu, je vais chercher d'où vient le problème. Ah. Enfin, si je trouve les lunettes, ça me va mieux, ouais. Les lunettes, on a une sale gueule en vrai. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais à la fois, je me trouve plus belle avec que sans. Bah ouais, non, mais c'est vrai que c'est beau hein, en vrai, hein. Merci pour le lurk, Maxou, bon appétit. Mais peut-être, les lunettes, quelque chose. Non, mais même, genre, les lunettes, y a des lunettes qui sont vraiment jolies, ça peut rendre vraiment beau, je trouve. Y a des gens qui ont des têtes à lunettes, de toute façon. Ouais, comme les têtes à casquettes. Les gens, tu les vois, tu fais, mais toi t'as des lunettes normalement. Ouais, comment tu sais? Je sais pas, t'as une tête à avoir des lunettes. Même, genre, ça fait trop beau sur leur visage. Et puis, ce qu'il y avait de plus cher sur Instant Gaming? Oh le bâtard. T'as pris quoi? Quel jeu? Oh le bâtard. C'est vraiment une pute. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, prenez des jeux qui vous intéressent vraiment, faites pas exprès de. Comme les têtes à claque. Je fais un petit détour pour une agence de recrutement. Ok, bah moi je m'arrête et je cherche à boire. Ok, amuse-toi bien. Kiss kiss, dorso.
Je dirais pas, j'ai honte. Vas-y, dis, il a appris quoi, Ryu? De toute façon, on va le voir sur Instant Gaming. Enfin, on va le voir sur le channel Discord. C'est vraiment un bâtard. C'est quoi? Il y a quoi de plus cher sur Instant Gaming? Il y a un jeu qui vient de sortir qui a 60 balles, là. Le jeu le plus cher sur Instant Gaming. Tu peux? Tu peux chercher... Non, c'est IG, mon Ryu. IG, la commande. Train Simulator avec les DLC? Il a combien avec les DLC? Il est cher, non? Ah, mais faut le pack entier. Ah non, j'arrive plus à me voir sans. Pendant une période, je mettais mes lunettes que devant l'ordi, donc rarement. Et même si je voyais mal, je m'en foutais. Mais depuis que j'ai des lunettes, tout le monde me préfère avec. Ouais, c'est ça, c'est une question d'habitude, quoi. Normal. Ah ouais, Minster? Ouais, tu m'étonnes. Sans promo. Il y a tellement de DLC sur ce jeu-là. C'est une folie, genre, c'est trop. C'est trop. Puis le jeu tout seul, j'imagine qu'il est bien nul à chier sans DLC. Comme Euro Truck, quoi, tu vois. Le truc, je pense qu'il va tendre à... Juste, il est plus lent, il sort moins de DLC, mais je pense que ça va être pareil, hein. En même temps, c'est des jeux où tu peux ajouter tellement de contenu tout le temps, genre, c'est une folie. C'est trop bien. Mais je pense que ETS a déjà une bonne valeur, en vrai, avec tous les DLC, que ce soit les DLC map ou même cosmétiques ou quoi... Ah, il a pris une pêche abricot. Non, abricot fraise. Abricot fraise. Ça Red Bull. Yaya. Quoi? Abricot fraise, ça Red Bull. C'est Monster Rose. Ah, de loin, Nord Edge. Ah, ok. Je reprends lui. Chaque trajet en train, chaque train. Attends, un DLC pour par train et par train. Wow, c'est trop. C'est quoi la meilleure Monster? La Rose. La Rose, celle que. C'est Agrume. J'ai l'idée. C'est bon. Moi je suis un peu la Rose. Ah, il dit pareil. On démarre le PC en espérant que ça règle le problème. Vas-y, vas-y. J'ai trop le seum, j'avais une carte cadeau, un Sony de 10 balles. J'ai voulu prendre Nori et Naruto, ça faisait genre 11 balles avec la TVA. Oh non. Mais dis que tu vis en Suisse, tu payes moins cher. Ouais. Ouais. Monster Mango Loco. Ouais, la Mango Loco, c'est la seule que j'ai bu et je la trouve super bonne. La bleue orange là. La Rose est trop bonne. Ok, je goûterai la Rose alors. Ah putain. La Rose est bonne, je trouve. Ok, je goûterai. Sérieux? Ouais, ouais, FM. Bah oui, tu payes moins cher, dis que t'es en Suisse. Tu payes 1 ou 2 euros moins cher. Hein? C'est pas 3 balles de moins, je crois. Ah ouais, carrément? Merci du tips, pas de soucis. Les avantages d'être suisse, hein. Mais tu mets suisse, mais tu mets ton adresse française. Oui. T'es derrière moi ou devant moi, au fait? Bah, je t'ai toujours pas vu, donc pour moi, t'es derrière, hein, au début, hein. Quand t'as dit être des travaux, il n'y a eu aucun travaux pour moi. Il me reste 1259 km. Combien? 1257. Bah non, t'es devant. Mais comment t'as pris autant d'avance? J'avais 1330. J'ai un Volvo, frère, hein. Oui, bah j'ai pas d'argent, moi, écoute. Oh. Je m'arrête sur le côté, je vais t'attendre, là. Faut que je joue en live, je fais des bêtes. Non, faut qu'on fasse une semaine entière de trajet Euro Truck. Oh ouais. Oh, ça serait cool, hein. Moi tu me dis on fait un 24 heures Euro Truck, je suis en fait 24h. Bah oui, mais il y a trop de 24 heures de prévu. Pour la 60, Nono, mais je suis à 93. Mais j'ai pas passé ma vitesse. Rien d'égal, les monsters. Ça fait trop longtemps que je n'ai plus. Non, mais. Hein? Tu es là? Bah oui, bah j'avais oublié de passer ma vitesse là, je viens de me rendre compte. Oh les sabots volants. Arrête. Non, mais. Déjà, il y a le 24h que je voudrais faire, je vous ai mis dans les démodos là que je veux faire avant. Je ne coupe pas tant que. L'idée là que je vous ai dit, je voudrais faire ça avant. Je ne coupe pas tant que j'ai pas fini les dessins du. C'est cool. Ah merde, celui-là aussi. Je suis pas en fumée. Oli, mais jamais essayé. Bref, quoi, c'est 24h Euro Truck, ça serait bien. Nous pion Euro Truck, 24h d'Euro Truck. Un 600 heures. Non, mais je vais mourir à force de faire 24h. Mais on n'a pas assez de temps dans la vie. Tu manges quoi? Du pain? Il y a un cake standard. Merde. Tu marmonnes encore un peu, Yaya. Ah, mais. Bah, j'y suis pour rien, moi aussi ça m'énerve de t'entendre marmonner. C'est bon là, tu m'entends mieux ou? Oui, là c'est bien. Mais je pense que ça sert à rien que tu déplaces ton micro, c'est vraiment juste toi qu'il faut qu'il parle.
Mais moi, je m'entends parler super fort, en fait. Ah bah, on dirait Po. Je crois que ça vient de sa connexion. On dirait Po, c'est vrai. On dirait Po. Tu mourras de toute façon. Ouais, mais si je peux mourir le plus tard possible, ça m'irait bien. Ah, ça va, ça le joint. Ah, tu l'imites bien. J'arrive, tu peux démarrer. À toute berzingue. Grosses, tu vas mourir. Mais non, c'est trop bien. Un magasin tous les 48 heures. Mais t'es mal, les sales merdes. Hey. Ah mais du coup, je suis baisée, j'ai déjà pris un jeu, mais il manque 30 centimes pour Ori. Oh non, ma vie. Ça respecte rien, ni Po, ni le code. À 80 ans de live 24 heures, incroyable. Wow, je serais en train de mourir. Mais là, j'allais voir, t'es toujours pas là. Mais t'es un menteur. Ah, t'es là, ok, non, d'accord. Ce jeu en solo, mais en multi, oui, y'a rien à comprendre. Ah, moi, c'est l'inverse, c'est pas sorcier, j'arrive plus à me connecter en multi. Heureusement que t'es dans le sud pour conduire, toi. Pourquoi? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi, Noxy? Oh, cette nuit, j'ai... Oh, mais oui, j'ai rêvé de ça, cette nuit. J'ai rêvé que je conduisais une voiture qui avait des pneus neige et que je conduisais sur la neige. Oh, c'est vraiment incroyable, toi. Mais c'était... Mais arrête. Parce que je vais déménager, je pourrais faire ça. Au vu de la conduite sur le jeu, j'aurais trop peur de ta conduite. N'importe quoi. Mon dieu, mais je suis super bien. Moi, t'as pris quoi comme jeu, Joy Boy, là, dis-nous. Refroidisseur, pas du tout. Bah si, puisque je vais déménager dans un endroit où il va falloir des pneus neige pour aller au rando. J'imagine pas le désastre. Ça s'est très bien passé. Il y a des rêves, chat. Des pneus neige. Ouais, rêver que vous roulez avec des pneus neige sur de la neige, avec des pneus été sur de l'asphalte brûlant en plein été. Oh, ça, c'est pas sorcier, tranquille. Non mais rigole pas, j'ai vu ça. Non. Faut conduire dans la neige avec ma voiture. Et dans la montagne là. Ouais, piou piou dans la ravin, ouais, fais attention. Non, piou piou. Ça va, seulement 120 euros. T'as pris un jeu à 120 balles. Oh, t'abuses. Oh, t'abuses de fou. Jamais je fais de cadeau à Joy Boy. À deux doigts de dire c'est pas cool ce que t'as fait, mon ref. Oh, de ouf, t'es un bâtard. Vache. T'as pris quoi? Y'a quoi comme jeu à 120 balles? T'as pris une version deluxe d'un truc? J'avoue, il a pris une version deluxe d'un jeu de merde. De ouf. T'es vraiment un bâtard. Pneu été pour rouler sur de l'été. Pneu 4 saisons pour rouler toute l'année, ouais, c'est ça. Ça va vraiment partir en bonne dev, je te jure. Fallait pas lui payer. 4 saisons pour les toute l'année, c'est du merde. C'est un avion qui tire des missiles ou une voiture? Oh, t'es vraiment un enculé. Ouais, j'avais un pote comme ça. Quand t'arrivais au bar et que tu disais que tu payais ta tournée, il prenait un whisky 60 ans d'âge à 25 euros. Vous avez aucune race, les gens qui font ça. Genre vraiment, vous avez aucune race. C'est ça. Moi, ils sont trop gênés de prendre un petit wrap à 2 euros au McDo en plus quand je sais que c'est pas moi qui paye. Tu prends un Diabolo Grenadine quand c'est eux qui payent, tu sais. Je vais prendre de l'alcool, mais du coup, c'est eux qui payent. Oh, bah désolé, je prends un petit verre d'eau ou une limonade. À la limite. C'est ça. Vite les rats. Combien de degrés je fais ça, moi? Mais pareil, hein. Ça me gêne trop. Je déteste qu'on paye pour moi. Horreur de ça. Désolé. J'ai rien senti. T'as pris cher? Bah j'ai surtout été stoppé net, j'espère que Nesquik a pas pris Ah oui, c'est pour discuter de ça. Parce que ça m'a instant stoppé. Salut petit Suisse, comment tu vas la forme? C'est juste pour... okay. C'est pour ça qu'il faut pas dire d'avance que tu vas payer. Ce n'est pas quel jeu c'est, mais oui, il est trop chiant à pas dire Je passe rapidement sur le jeu de connexion que j'ai, le peu de connexion pardon. Des bisous Eric, passe une bonne soirée. Des bisous. Salut petit Suisse, tu vas bien? Oui Eric. Ah, moi je prends vraiment le truc le moins cher de la carte, vraiment ça se passera de l'eau pour moi, non mais je te jure c'est ça. C'est quoi le jeu du coup, je suis curieux. Mais il est trop chiant à pas dire, ça fait... Il peut nous dire. Mais non, il dit pas, mais ça se verra sur Discord, de toute façon, il vient de prendre le lien, donc ça va se voir sur Discord. Mais il est trop chiant à pas nous dire. C'est le prix, pas le titre du jeu. Le truc honteux, bah c'est ça, le truc honteux, c'est clairement le prix. C'est clairement pas le jeu, maintenant... Je fais pareil en me disant, si je prends un truc trop cher, bah c'est pour le mec qui gratte, ouais, c'est ça. Ouais, mais il y a eu. Ah oui, c'est pour ça qu'il a été ban. Ah oui, il y a eu des messages partout. Yep. Oh, trop chiant.
Faut pas cliquer sur les liens, les gars. Cliquez pas sur les liens. Quoi? C'était pour sa solution. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure quand t'étais ça. Il a pas encore pris. Et en plus. Sur R6 en classé, donc je m'énerve un peu, mais on s'amuse. Ah ouais, R6, faut qu'on essaye, tiens. Ça fait longtemps que tu joues au petit Suisse? T'as l'air chaud si tu veux bien jouer. Ouais, t'as l'air dur, ouais. Ça a l'air trop bien. À 5 ou quoi là? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Kiki? J'arrive. C'est rare de voir Kiki faire un. Ouais, R6 c'est un giga promo l'autre jour d'ailleurs. Bah oui, mais c'est trop tard, Kiki, de nous dire ça maintenant. Là, tu nous dégoûtes plus à dire ça maintenant. Mais... Bah oui! Faut pas le continuer une game, j'imagine, mais bon, il était à combien? $300, je commence PS4 au début du jeu. Ah ouais? Ah, je sais pas, il était sur console ce jeu. Il est peut-être encore là, je regarde. Le gars, vas-y. Ouais, faut que je le prenne ce jeu, j'ai vraiment envie d'essayer. C'est vrai que ouais, je le vois souvent. Il tente aussi? Bah, il m'a toujours intrigué. J'ai souvent regardé du gameplay, enfin souvent. Voilà, souvent. Oui, des petits extraits ou quoi? Ouais, c'est ça. Ça m'a toujours intrigué. Ah, il a fait ça ce week-end. Ah, bah, c'est encore actualité alors, je pense. Sur Steam, t'avais vu? J'ai essayé, c'est ultra dur. Ouais, ouais, ça a l'air assez difficile. Il faut être patient, réfléchir et tout, mais il a l'air vraiment bien. Pas quelque chose sur Epic aussi. Non, c'était pas Epic, c'était. Oui, mais attends, Et jouer en 5 stack là, ça doit être trop cool en vrai. Sur ce jeu là, faire des vrais strats et tout ensemble, ça a l'air vraiment cool. Attention, est-ce que ça freine? Il y a le feu rouge. Chez qui encore R6? Steam, il y est, je crois. 8€ si je me trompe pas, R6. Il est souvent en promo ce jeu là, non? Je l'ai, il me semble que je l'ai sur un launcher. Putain, c'est quoi? J'ai quoi le launcher? Oh merde, j'aurais pas dû me mettre de cette voie là. 8€ au lieu de 20 jusqu'au 29 à 19h. Ouais, bah faudrait que je le prenne alors. Pour les soldes d'Ubisoft. Ah, c'est Ubisoft. Ah, c'est Ubisoft. Ah, bah je l'ai alors. Il me semble que je l'ai sur Ubisoft. Mais il est sur Steam aussi, je crois, non? Il me semble qu'il est sur Steam. Alors, si c'est pas. Ah, il est pas sur Steam du tout? Il me semble que je l'ai vu dessus. Sur Steam, les promos, oui. Ah. Trop cool. Oui, il y a aussi, tu peux jouer, oui, ça vient. Ok, même prix sur Steam. Carré. Mais ça fait pas un moment qu'il a. Je crois l'avoir déjà vu à ce prix-là, un moment. Enfin, je crois qu'il y a souvent des promos dessus. Ouais, faudrait qu'on le prenne. Faudrait tester ce petit jeu là. En plus, il y a du classé. Possible, je sais pas. Mais merci Kiki pour l'info. Putain, j'ai des flingues. Ah ouais? De quoi ou. Non, on a pas la même. Non, non, du jeu, je sais pas. Est-ce que t'as fait ça pour découvrir des nouvelles routes? Ah, on est en Allemagne. J'avais pas capté. Ya. Alors, c'est d'ailleurs gratuit sur le Game Pass. Il est sur ça. Ah, il est gratuit sur Game Pass. Hop. Oh. Ouais, pas de succès. Ah merde, j'ai pas pris la bonne route pour découvrir le truc. Surtout qu'il y a des agents payants sans jouer pas mal apparemment, donc ils doivent probablement plus avoir via. Attends, sur le prix de base. René Squeak. Donut t'es foncé dedans. Une petite tasse. Oh, il s'est décalé, il a pas eu confiance en moi. Oh, il s'est mis sur le trottoir, genre. La confiance, vas-y, t'as pas confiance en moi, Nesquik. Je suis vexé. Non, t'inquiète, vas-y, t'arrêtes pas, j'attends au feu. Y'a des agents payants sans jouer pas mal, apparemment, donc ils doivent vraiment plus avoir. Ah, t'as des trucs qui se débloquent. J'aurais fait pareil, perso. Je vois pas pourquoi. Ouais, ok. Ah, ça se tenterait un petit R6, ça vous intéresserait d'en voir en live? Maintenant que j'ai réussi à bien tenir au moins 3 semaines avec les mêmes jeux sur le live. C'est vrai, t'as vu, hein? J'ai arrêté de changer. Ouais. C'est vrai. Là, dis pas moi, c'est vrai. C'est quoi derrière, R6? Il y a eu beaucoup de changements quand même. Ouais. R6, c'est un jeu un peu à filtration et piou-piou. C'est des deux équipes, enfin les unes contre les autres, hein, qui doivent attaquer, je crois, et t'as des trucs, enfin t'as des caméras, t'as des trucs qui se déplacent, enfin t'as plein de trucs à utiliser, c'est full réflexion. Et piou-piou. Précis. La préparation. Hein. Ouais, c'est ça. T'as dû classer dessus. Salut Ryomen, bienvenue, comment tu vas la forme? Les lots ont été distribués. Ah, faut le voir sur Discord pour savoir ce qui a été gagné, quoi. C'est quoi alors? Bah, je vais voir.
Donc Linpo, j'imagine qu'elle a demandé Life is Strange 2. Oh, elle a été trop mimi. Ah non, tu lui en as offert plusieurs. Attends, c'est quoi tout ça? Pourquoi il y a... Ah, mais il n'y a pas eu 120 euros alors. Il y a eu Life is Strange 2 Complete Season à 4,43. Il y a eu Horizon Zero Dawn Complete Edition à 9,76. Mais ils m'ont alors depuis tout à l'heure. Il y a eu Life is Strange True Color à 17,56€, mais il y a eu plusieurs jeux du coup. Et Horizon Forbidden West à 44€. C'est des bons choix, c'est des très bons choix qui ont été pris. Mais pourquoi il y a... Du coup c'est quoi, il y en a... Il y a quelqu'un qui a pris deux jeux Life is Strange, Ninpo j'imagine, et Joyboy a pris les deux Horizons, c'est ça? Réfiltration et pipiou. Les fans au volant. Bah oui, parce qu'on m'écrit pas dans mon chat. Ah, t'es pour moi, je se lance toujours pas. C'est bizarre, c'est pas sorcier que t'es ça. T'as pas des mods à désinstaller au pire? Ça vient pas de là? Vérifier les fichiers du jeu. Bah, il a déjà désinstallé, réinstallé. Oui. Il m'a enlevé les mods du coup. Nope, j'ai aucun mod. Ah merde. Le boy a gagné les deux Horizons et l'Inpo les deux Life is Strange. Trop bien, trop mini. Merci mon Ryu, c'est gentil. C'est quoi ce deux raisons d'ailleurs? Mi-mars je crois, Vem, ouais. Ah, faut que je finisse l'autre à 100% d'ailleurs. Mi-mars je crois, Vem, ouais. Mais non, fallait pas... Oh, il t'avait pas prévenu, trop pipou, trop pipou. Enfin, j'espère pour elle qu'elle l'avait pas Ryu. Déjà. Hein? En même temps... Un amour, Ryu. En même temps, trop mimi, l'Inpo, elle a pris un jeu à 4€, genre trop mignon. Trop pipou. Trop bien, j'ai trop de lois. Ouais, la match de ma carte graphique pour avoir. Ouais, dans le doute. On sait jamais. Vous avez demandé qu'un, trop mignon. Tu vas kiffer, Inpo. Trop bien ces jeux. Oui, ils ont eu deux chacun car je trouvais que à eux ils ont pris un jeu chacun et ça me faisait 15 balles de panier. Ah oui, donc vous mentez depuis tout à l'heure. Vous êtes trop chiant. On est en convoi, sa fille, ouais. De toute façon, pour qu'il y ait que Yaya et moi, c'est qu'on est en convoi. Enfin, dans tous les cas, on est en convoi, quoi. Ouais, j'ai vu Nesquik, t'inquiète, je vous attends. Est-ce que par rapport au gyrophare, j'ai débloqué gyrophare Nova et Star, mais je les ai pas dans le customisation de camion. Comment je fais pour les utiliser? Je pense que ça dépend de ton camion, bon, ils ne doivent pas être sur tous les camions à mettre. J'imagine un Yaya. Hein. Je crois que les gyrophares, c'est sur. Tu peux les mettre sur tous les camions. Ça va dépendre du toit que tu mets dessus. Ouais, est-ce qu'il faut pas mettre un truc avant de pouvoir les mettre? Non, justement, faut pas de rampe. Si tu mets une giga grosse rampe, tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre de chez moi, non. Oh, excuse pas, Sophie. J'avoue que c'est pris des rafales de Salra pour rien. Bah oui, mais aussi, pourquoi il dit ça? J'avais vraiment une insulte premier degré. Ouais, si, le 2 même. Il faut que je fasse le 2. Je voulais le faire justement cette semaine, mais je sais pas quand le caler. À tout Eric. Du pain? Mais il est 21h. À tout Ryu. Pourquoi tu dis Eric? C'était Eric là, sur les lèvres du matin à chaque fois qu'il faisait. Je reviens, j'ai cherché le pain. Mais il est pas boulanger, Ryu? Bah si, mais bon. Oh, les restes. Il va chercher le pain. Il m'a coûté le plus cher, c'est Joy quand même. Salut Ryomen. Non, pourquoi tu dis ça? Tu t'appelles Eric? Comment tu vas? Je te dis bonjour en plus, je crois. Vous êtes derrière moi là? Ouais, ouais. Ok, j'avance. On parle de moi. Est-ce que tu t'appelles Eric? Non, on parle Eric dans le chat. Je suis en 3G quand il se fait que sauter. Et je mets un message, je dis que je serai arrivé. Des bisous, Eric, bonne route! Des bisous! J'entends Ryu, Ryu. Bah, Ryu dans le chat, ouais. Ah oui, tu t'appelles Ryomen? Bah oui, je suis bête. Non, c'est pour Ryu. T'as dit quoi? Ça me... yeah, je te jure, c'est trop énervant. Ça m'énerve. Je te jure, je branche moi depuis tout à l'heure. Je déteste quand ça marmonne comme ça et que j'entends pas et je te demande à chaque fois quoi. Mais le pire, c'est que je marmonne pas. Autant je sais que des fois je marmonne. Non, mais là tu marmonnes pas, tu chuchotes, frère. On n'entendait même pas là. Juste vu ta bouche pas bouger. Mais non, mais vraiment, j'ai l'impression que je parle super fort. Je m'entends hyper fort. En sachant que j'ai pas mon retour dans mon casque, hein, mais à travers le casque, je m'entends fort. Ah bon? Ouais, là, c'est compliqué pour nous. Les crocs ont mal détecté ou la sensibilité a changé? Ouais, je sais pas. Non, parce qu'on entend qu'ils parlent, mais on comprend pas. Genre VRM maudit. 17, ce nombre est maudit, genre vraiment maudit. Pourquoi maudit? Merci beaucoup, Spectam, pour ton 17ème mois avec ton Prime.
Merci beaucoup, spectacle. Comment tu vas, la forme? Vu qu'il bosse en bas et là ils sont en train d'en cuire. Ah, ah ouais, ce temps-là. Merci beaucoup, spectacle. Comment tu vas, la forme? Bien le 17, wesh. C'est le meilleur âge. Ça, super, spectacle, la patate. Rajon, de fiac ou je reviens plus tard? Ah non, ça parle pas de fiac. Tu peux, c'est bon. Oui, tu rigoles. Non mais parce que dans ma tête j'ai encore 17 ans, pas pour les meufs, Yaya. On voit pas des trucs chelous comme ça. Non mais ça me rappelle un truc. Je sais pas. Pour moi il y a un bug de connexion de bonne patiente. Mais non, c'est pas un bug de quoi, genre on l'entend très bien, ça coupe pas. C'est vraiment genre juste sa voix qui suit pas ou quoi, genre. Oui, ouais, faut que je regarde mes filtres ou quelque chose. Non, oui, c'est pas du tout un truc de connexion, ça marche bien, son micro marche, tu vois, y'a pas de coupure. Je regarderai, parce qu'il y a une mise à jour de. Comment ça s'appelle? Du logiciel Logitech, là, et c'est lui qui me fait les filtres. Ah ouais? Peut-être la config qui a changé. Tu vois, la fin de ta phrase, là, elle est vachement. Enfin, on sait ce que t'as dit parce qu'on imagine avec le reste, mais là, elle était vachement. Non, dans ce que je voulais dire. À ce point? Mais putain, ouais. Là, je parle hyper. Attends, je mets le son du live. Là pareil, on a pas entendu la fin de ta phrase. Genre là t'as marmonné de la fin. J'ai 17 en cours hier, aujourd'hui j'ai perdu sur les sales compagnies, il nous manquait 17$. Pourquoi c'est maudit de 17, c'est trop bien. Je parle totalement normalement. Ah ouais, c'est horrible. Mais oui, ça fait un petit marron. Marmonneur à ne pas confondre avec ramoneur. A tout à l'heure alors! Je vais taper une glissière. Non, mais je vais regarder tout de suite parce que ça me saoule. Non, bah roule hein! Je vais juste taper une glissière de toute façon. Ah, moi je continue. Et Ramon aussi. J'aurais dû avoir 20. Oh, ça va, 17 c'est bien quand même! Quand même, spectacle! Non. Si, on l'entend bien clairement. Ouais, non, mais oui, effectivement, quand j'ai mis le son du live, là, c'est dégueulasse. Oh, fallait tourner. Ça me rajoute du temps. Tu bois quoi, Nono? C'est de la Red Bull, fruit du dragon, la meilleure. Ah, oh, j'ai loupé la sortie, Norris. Tu as payé le péage. La sortie, Norris. Chier. Tu as fait un tour? Bah oui. Je vais rouler beaucoup trop vite là pour eux. Tiens. Alors. Oh pardon. Waouh. Pardon. Quoi, t'as roté? T'as pas entendu? Ah bah tant mieux. Bah pas trop. Alors. Je croyais que c'était Monster. Non, je suis pas trop Monster, ça fait trop longtemps que j'en ai bu. Salut Laé, ça va et toi? Comment tu vas, la forme? T'es en avance ou en retard sur moi? Je suis en retard, je me suis cassé la gueule juste derrière toi. Ah. Là, c'est mieux là ou pas? Je sais pas, ça dépend quand tu vas parler. Est-ce que des fois je t'entends bien quoi? Mais là ça donne... Voilà. Parce que là je parle normalement. Ça va être... C'est compliqué à juger comme ça en vrai. Tiens, merci. Non mais en vrai fais les tests hors live, Yayou. Hein. Ça sera plus simple. Là, tu vas jamais finir ton trajet. Putain, y'a des travaux! Voilà. Non mais normalement c'est pas... Ok, t'as modifié. Alors, quoi? Quelques réglages, ça se regarde pas. Non, je rigole. Non mais j'ai... Non mais sur le logiciel Logitech j'ai machin là, c'est lui. J'ai changé 2-3 trucs et... Des chances que ce soit mieux, je sais pas, tu me diras. Ok. Bah tu suis pas, c'est pas sorcier, t'inquiète, hein, tu peux rien en plus. Red Monster c'est pas une vraie gameuse. Tu veux quoi toi? Négocier avec l'équipe pédagogique pour faire venir ce Great Review en masterclass, ce type a beaucoup de choses à nous apprendre. Ils ont promis de faire leur maximum. Oh, ce serait trop stylé. Tu vois, je suis pas le seul aigri. Ça serait trop stylé, spectacle. En vrai, si ça arrive, hyper cool. Ah bon, y'a quelqu'un d'autre qui veut faire venir Norris. T'as dit quoi? Y'en a d'autres qui veulent faire venir Norris. Ah bon? Des bisous, Arnaud. Bonne nuit, repose-toi bien. Au courant. Et y'a, c'est un streamer à côté. Je demande s'il stream. C'est sa fille qui a demandé ça, vraiment? Oui. Un camion. Putain. Qui? The Great Review?
Des vidéos YouTube hyper cool, Max. Vraiment bien. Sur des jeux. Oui, ça n'est pas ma question. Non, il stream pas ailleurs. Non, non. Je vais lui demander de questions, puis je vais faire une photo avec lui. Là, il t'a envoyé chier à ta question. Ah, oui, bah oui. Bah, c'est les vieux, tu vois. Quelle question ? Est-ce que t'avais changé comme paramètre ? Ah, oh, je sais pas, j'aurais changé 2-3. Oui, bah. Ah, ouais, clairement, Vem, clairement. Fonce, sans hésitation, ouais. S'il y a un jeu qui t'intéresse ou quoi, peu importe. Notamment si t'avais bien aimé Outer Wilds. Fonce sans aucune hésitation, Vem, c'est vraiment très très bien. Enfin, sur plein de trucs, il y a. C'est qui The Great Review ? C'est... Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est un youtubeur et il fait des vidéos vraiment cool. Un type de... Enfin, il raconte très très bien les choses et c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. C'est pas clair. Ah, pardon. Ouais, en gros, il va parler d'un jeu, mais en fait, l'écriture de ses vidéos et la narration, et c'est assez long et c'est hyper cool. Non, non, qu'on voit Ryomen. Tu sais, en plus. Va voir sa chaîne, tu vas voir s'il y a un jeu ou un sujet qui t'intéresse. Et... Enfin, tout, il rend tout super intéressant et c'est vraiment cool. Regardez, Rebexal. Il n'y avait rien qui m'attirait en miniature. Bah s'il y a un jeu ou quoi, genre, je crois qu'il a fait une vidéo aussi sur une équipe e-sport, c'était trop intéressant. Ouais, pareil Max. Mais c'est le genre de contenu que je kiffe, je trouve, et vraiment trop bien. Ça se regarde bien. Ouais, ouais. Essaye, Fem, essaye. Et vraiment, c'est trop chouette. Mais c'est pas que si t'avais pas de temps. Hein ? C'est pas comme si t'avais pas de temps, Fem. Si vous aimez... Non, on n'a pas Ryomen, on n'a pas. Moi j'ai joué à l'époque dans l'entreprise de mon frère, mais c'est tout. Mais on en a pas nous-mêmes. Du coup, on pourrait créer une entreprise plus tard, mais c'est chiant à gérer. On fait quoi là ? De quoi on fait quoi ? Un contrôle de sécurité. Des vidéos sur pas mal de jeux sur Infinity Ward, le studio derrière Code. Oui, elle est très intéressante dans cette vidéo, Philou me l'a fait regarder. Et hyper intéressant. Enfin, tout est intéressant quoi. Cette vie, je vous dirais. Merci Ryomen pour ton follow, merci beaucoup. C'est vrai qu'on pourrait se créer une entreprise ETS avec Truckers Book, mais c'est chiant à gérer. Genre, quand je vais mon frère, c'est chiant. Frère ? Ouais, vous avez capté. Bah, on joue pas assez pour ça, non. En plus. Parce que non, là, c'est pour ça que ce matin j'ai joué un peu, parce que à chaque fois que je joue, je fais que rouler. Et là, j'ai géré un peu les garages, parce que j'avais des garages avec des camions sans chauffeur ou des garages vides et tout. Bah, ça va être ça demain en fond. Let's go. Demain, tu fais la. Non, pas la route, pas déjà. Non, vraiment, vraiment chouette, il raconte très très bien et c'est très intéressant, il arrive vraiment à te tenir pendant plus d'une heure de vidéo et c'est incroyable, vraiment c'est très très chouette. C'est très très chouette à regarder. Puis il y a une très belle voix, enfin la voix, sa voix suit bien le truc quoi, c'est très très cool. T'as pas l'impression d'être bête en regardant ce contenu là, tu vois, c'est... Ah, merde. C'est trop bien en fait, c'est vraiment chouette, c'est cool. Oh, pour le ferry ? Ouais mais on va où ? Je sais pas... Bah je sais pas. On va en Norvège normalement, on va à Oslo. Mais là, je pensais pas qu'on prenait. Garton, enfin, premier coup de ménage, ok. Ah bon, on va à Trailerborg alors, je pense. Vendredi la route, let's go Max. Trailerborg, il a dit ouais, Nesquik. Ouais. J'ai embauché tout le monde dans ETS, mais j'ai encore des camions vides. Ah ouais, dans... sur d'avoir le solo. Moi je pense que je vais me remettre un peu sur le multi. Si je joue hors live, je me remettrai peut-être un peu sur le multi. Voir des gens pour conduire et tout là. Et rouler RP. Sur des contre externes. Ouais. Non, pas pro mode, non, non. Ouais, mais sur hors. Ouais, juste le multi quoi. Je sais plus c'était quoi. Ouais, autre truc. Je sais plus quoi. Je sais plus. Faut que je regarde, ouais. J'en m'y retourner. On voit même pas où est-ce qu'il mène celui-là. Vers Jetzer, ça va où? Juste au-dessus. Ah oui, c'est le petit trait. Ah oui, ok. Ouais. Ah bah oui, il y a le ferry à prendre. Ah bah oui. Des bisous, Paul. Merci, Paul. Bon appétit. Des bisous. Toi aussi, Ryomen. Passe une bonne soirée. Genre... Soirée, des bisous. Mais les gens de Pôle emploi, j'ai récup car il n'y a plus personne chez eux. Trucker MP. Ouais, Trucker MP, c'est ça. Merci, petit Suisse. Il y a trop de jeux qui demandent trop d'investissement. En vrai, le jeu est vachement bien fait. Mais vraiment, ça fie, hein. Mon TikTok, c'était pas une blague, hein. Le TikTok que j'ai fait en mode ce jeu est incroyable. Et encore, le TikTok dure qu'une minute, mais il y a tellement de choses que j'ai pas dit sur ce jeu. Genre, il y a tellement de trucs.
C'est la première fois, je crois, que je fais un TikTok où les, jeux dans... enfin, les gens dans les commentaires sont tous d'accord de zinzin et que... ouais. Enfin, que ça se passe bien comme ça, tu vois. Non, vraiment, le jeu est, fou. Il est vraiment trop bien. Tu peux faire ça à côté d'autre chose. Tu mets ta petite série... Ouais, c'est ça. Ah, c'est trop bien. Honnêtement, si je joue pas sur l'artillerie volant, je pense que ça perd son... Ah ouais, bah je suis d'accord, ça fille. Il y en a que ça dérange pas, tu vois, de Nesquik qui joue manette, ou même TV Souris, je crois, je sais plus. Il y en a qui jouent manette et qui aiment bien quand même, mais je suis d'accord. Moi, je prendrais pas autant de temps sur le jeu en jouant manette, ça c'est clair. Le jeu reste bien, mais ouais. Moi, je kifferais pas, en vrai. Ouais, moi, j'ai essayé la bêta max. Pas la dernière, mais à celle d'avant encore. Je suis pas fan, c'est vraiment un jeu de bataille navale, je suis pas hyper fan. Mais le jeu est très bien. Mais c'est pas mon style, moi. T'avais souri, tu veux Nesquik, ouais. On allait en Islande, je crois, il y avait trop de neige et quand on glissait, ouais, ouais, c'était avec Promode, ça. Des bisous, petit Suisse, toi aussi, passe une bonne soirée. Des bisous. De faire... T'as bien fait de faire durer une minute. Ah ouais, hein. Non, mais oui, hein, c'est ça. Finalement, tu peux avoir de la thune avec TikTok quand tu fais une minute, hein. Ouais. Bah là, avec les deux, celui, le TikTok de Henge Who Dead et Euro Truck, les deux en gros, là, ça m'a rapporté. Les deux ensemble, je crois que je suis à 70 euros. C'est cool. Bah ouais. C'est cool de fou parce que les deux ont fait 100 000 vues. Bah ouais, c'est bien de ouf. Les deux ensemble, hein, pas les deux séparément. Ouais, ouais. Pas d'argent pour un volant. Ouais, ça a son petit prix, hein. Ouais, c'est sympa. Bah ouais, si j'en fais un peu plus, ça peut être cool. Dodge de Yaya qui nous montre à quel point c'est horrible de jouer clavier souris. Bah après, tu. Est-ce que tu joues clavier souris là, quoi, t'as la direction à la souris? Je pense que oui. 70 balles en deux jours, c'est propre. Bah en deux jours. Ouais. Bah en soi, si tu comptes le. Faut plutôt compter en heure de montage. Je disais, j'ai mis 3 heures pour chacun d'eux. Ouais, c'est pas mal. Quand tu dis, j'ai mis 3 heures pour ça, oui, en vrai. Après, je peux pas faire des trucs comme ça tous les jours parce que ça demande du temps, bah surtout des idées quoi. Et TikTok comme ça, c'est pas. Je prends juste un clip et puis c'est fini quoi. Mais là, je commence à avoir des petites idées. Peut-être QSD en direction, il fait. Oh, quelle horreur. Ouais. Pourquoi tu joues pas manette? Oh là là là. Pourquoi tu mets touche? T'aimes pas manette? Let's go, Asiad, bon appétit. Comment tu vas? Non. Ok. Après, tu veux juste mettre un point, hein. C'est le message automatique, mais bon, tu peux peut-être me parler autrement, quoi. Je crois qu'on est retourné au début de ta playlist, là, il me semble. Ah ouais? C'est pas grave. C'est été 90, non? Oui, j'imagine. Ouais, bah c'est... Ouais, ça va, c'est de la patate. Ça va nickel. Mais ouais, c'est pas mal, en vrai, en TikTok, si tu t'y mets bien... Et encore... ils ont baissé la rémunération. Avant c'était un RPM, donc en gros ce que tu gagnes par vue éligible. Parce que sur les 130 000 vues par exemple, tout n'est pas éligible, c'est pas 130 000 vues comptées. Je crois qu'il y en a moins de la moitié qui est comptée en éligible. Et avant par vue, t'étais payé 1€ la vue. Et là maintenant mon RPM, moi, il est à 60 centimes. A l'époque t'étais payé encore plus cher, là ils ont baissé un peu. Qu'est-ce qu'il y a, JP? J'en ai fini pour aujourd'hui, accidenté. Arrêtons de nous faire le plan, ça va Nesquik? J'en ai pas dur. Ouais, c'est une patinoire. Oh. Ah, ça glisse. C'est trop bien qu'on ait la pluie tous en même temps, enfin. Ouais. Le son de ton drift. J'aime bien ça, mais j'aime bien les mises à jour qu'ils font là. C'est... Arrête Thomas, Nono va nous tuer, mais non, en fait moi... Oh, il bah, y avait des phares en plein milieu, mais pas de voiture. Ah oui. 1€ la vue sur des TikTok, ils font une centaine de milliers de vues aussi. À l'époque, ouais. Ouais, oui, peu importe le nombre de vues, c'était 1€ la vue. Mais c'était quand ils ont mis ça en place. Là, depuis, ils ont baissé. Maintenant, le RPM, il est plus à 60 centimes. Ça dépend des comptes. Je sais pas ce qu'ils jouent, mais c'est plus à 60 centimes maintenant. En tout cas, je suis à 60. Sur mes deux comptes, je suis à 60. Let's go, Thomas. Il y a des TikTok, c'est marrant. Bon, après, forcément, il y a des dérives, entre guillemets. Mais tu vois des TikTok, des fois, où c'est un étudiant qui dit, ouais, je fais un TikTok d'une minute, histoire de. Histoire de pouvoir manger à la fin du mois, et puis t'as tout le monde qui s'amuse à commenter, à discuter dans les ouais, commentaires, ils font ça. Faire des vues. C'est sympa. Mmh. C'est mignon. Mmh. Mais bon, il y en a qui font ça alors qu'ils ont pas les 10 000 abonnés, du coup ça sert à rien. Si tu peux pas être rémunéré si t'as pas les 10 000. C'est 10 000 abonnés, okay. Ouais.
il me semble, pour toucher il me semble que tu dois avoir 10 000 ou 1000, enfin je sais plus, mais tu dois avoir un certain nombre pour débloquer la rémunération. Mais il me semble que c'est 10 000. Sinon tu peux pas être rémunéré. Ouais. Après, tout le monde peut le faire, hein. TikTok, franchement... Bon, faut juste trouver une idée, un concept ou un... C'est pas 1000, non, je crois que c'est 10 000, il me semble. Regardez, hein, mais il me semble que c'est 10 000. Enfin, il faut... Enfin, en vrai, tout le monde peut le faire, quoi. Tu trouves une idée, un truc, c'est bon, tu pars. Salut, papa, comment tu vas? Je sais pas, c'est facile. Hein? Je peux très vite décoller avec un concept. On parlait des TikTok, Thomas. Ça devait mettre bien pour ceux qui ont touché ça, bah de ouf. 1000, c'est peut-être pour live. 1000, je crois que c'est pour live, ouais, il me semble. Ils ont baissé avant, c'était plus pour live. Moi, quand j'arrive dans un carrefour ou un virage, j'arrive à fond pour drifter tourner. Ah oui, bien sûr. Ça va super, bah la patate. Ouais. Ouais, la ligne, elle fait bien bouger le camion. C'était pas aussi fort avant. Enfin, la ligne blanche, elle est vénère. Ah, dans certains pays, ouais, c'est granuleux et dans d'autres, non. Ouais, elle est, bah comme Irel, mais elle est vraiment vénère, là. Je trouve. Ouais. Enfin, tu la ressens beaucoup plus qu'avant. Oui, c'est chiant. Ah, elle est trop bien faite, ça, on dirait vraiment la réalité, c'est trop bien. Dans un carrefour, merde, j'ai vu ça. On connaît pas là-dedans. C'est super, bah la patate. Bande d'arrêt, là, c'est pas une route, non mais oh. Monsieur, il s'en dit à une, regarde. Tant qu'il y a d'espace, on peut rouler, Noxy. T'apprennes pas ça au permis? Oula, je vois un problème, là. Ah bah ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, ça va, dégâts 1%. On est bientôt arrivé, wouh! De quoi vous rigolez dans le chat? C'est bizarre, vous! La fusion des. Ça en devient une si Nono veut que ça en devienne une. Exactement! 1%, 100 euros? À réparer? Non, peut-être un peu plus, je sais pas. Vous allez où là? On va à Oslo, en Norvège. À Oslo! J'ai trop envie que là, mon prochain objectif, ça soit d'avoir un trophée YouTube. Je veux qu'on passe la barre des 100 000. Bon, on est à 13 000, mais j'ai trop envie qu'on ait un big concept sur la chaîne, celui que je suis en train de vous faire, et que vous aimez, et que j'applique ça sur plusieurs fois et tout, et que boum, on monte 2 ans sur YouTube, et boum, trophée. C'est trop stylé d'avoir un trophée YouTube. J'en veux trop. Hein. C'est ton nouveau rêve? Pas de gueule, c'est encore sensible. Pardon. Je suis allé en live. C'est bon, j'annule la vidéo YouTube. Dis-lui, Noxy. Encore combien de temps de jeu in-game IRL sur la game là? Là, il y a 5h38 en jeu. Et IRL, peut-être 20 minutes? Je sais pas. Ouais, attends. Putain, mais bien sûr le bus. Ah, il veut dire qu'elle fait pareil que toi, je suis sûr. Putain. Elle vient de passer devant moi. Ouais, pareil, c'est déporté en plein sur ma gueule, mais violemment. Quoi. Pareil. Et ça va toi? Ouais, je suis les roues. Mais... Ouais, 16% de semi. Ce bateau, malgré lui, t'as fait bum de ouf, en vrai, fait plus souvent des dramas. Ouais, le 2,5 millions là. Clairement, j'ai pris 10 000 abonnés avec ce TikTok, avec ce short. Ça n'a aucun sens. Ouais, faut que je fasse des dramas. YouTube, c'est les dramas qui marchent, donc faut que je fasse drama. C'est fou, n'empêche, le contenu sur chaque plateforme ne marche pas du tout pareil. C'est une folie. La même cliente, c'est une clientèle pas la même. Ouais, je sais pas, trop bizarre. Cliente. Loupé un épisode? De quoi, pourquoi, sa fille? Lampa Nono, sinon moi aussi je vais mettre à pleurer. Victime. Pardon, je rigole, Bon, arrête. Je rigole. Ça va, on rigole. Oslo. Ah bon? Toi avec Tine, non mais oh, oui alors c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est bon JP? On peut même plus pleurer ici en fait. Tu pleures, nous pleurons. Tu fais la révision des verbes au présent donc si. Eh demain il y a le travail, demain il y a la méthode Pomodoro. Trop bien, j'ai trop envie. On va avancer, je vais avancer sur la vidéo YouTube. En plus, j'ai fait la voix off, comme ça, j'aurais pas à la faire devant vous et me taper la honte. J'ai fait tout à l'heure.
pourrait faire le montage. J'espère que ça bug pas avec le live, ça devrait aller. Maintenant je me sens comme victime. Oh non, arrête. Attends deux secondes, chercher les épouettes. On peut les récolter, les vendre. Ah ouais, ouais. Ah mais voilà ton métier. Voix off, doubleuse. Ouais, donc si, ils disaient ça tout à l'heure. Mais j'aimerais bien essayer ça, ouais. Bah tu dis pleure, tu pisses dans mon lit. Alarme mise. Pour demain matin. Tu viens bosser avec nous demain matin, Linpo. T'es en vacances toi en plus, tu sais ce que tu vas faire. Go à prendre le code. Demain, Vem, let's go. Ouais, pas mal, non? Ouais, j'aimerais beaucoup essayer Noxy, ouais. Trouver les contacts. J'aimerais beaucoup essayer, ouais. Vous me direz si ça me va bien avec la prochaine vidéo YouTube, par exemple, pour donner un petit indice de la vidéo. Si vous kiffez les petites voix. Révision bac blanc. Ah ouais. Bah parfait, ça tombe bien alors les révisions, enfin le truc avec la méthode Pomodoro. Plus râleuse là que doubleuse. Quoique elle doute pas mal sur ETS. Quel humour de merde. Non mais je rigole Thomas évidemment. Et il s'ambiance. Ah tu danses? Je dansais de la tête. De la tête. 5 ans que je suis censée réviser le code. Bah c'est le moment même. Faut juste prendre quelques cours d'acting. Ouais, c'est vrai ça en vrai. En vrai oui ça reste de la comédie. Non John t'es mauvaise langue, hein. Regarde quand la fois où elle a fait semblant de s'endormir sur le micro. C'était vachement bien fait. Hein. Ou la fois sur le jeu d'horreur où j'ai overreact, tu te rappelles? Ton jeu d'horreur, là, je savais d'avance qu'il allait arriver ça. Mais oui, de fou. Si tu veux, je peux te refaire le rire là. Le. Mais c'est exactement celui-là. Les nouveaux, ils savent pas de quoi on parle là. C'est ça, ils sont perdus. Ouais. Ce qu'il y a de raconter. Parce que là, à part de mauvais porno, tu peux pas doubler grand chose. Waouh, doubler grand chose, sale con, moi. Bon, l'experte. Ou la fois, elle m'a balancé un camion à la gueule. Oh. Quelle comédienne. Ouais. Je voulais être comédienne quand j'étais petite. Enfin, je voulais plein de choses quand j'étais petite. On te voit sur son visage, elle est malaisante. Eh, c'est bon, hein. Je freine, toi. Je freine? Non, le mec devant moi, il freine alors qu'il y a personne devant et du coup. Je dois encore faire un plein? Mais tu rigoles, mais il me reste 2000 km d'autonomie avec le mien. Moi j'ai mon autonomie, il reste. Je vois ça où? T'as pas un Volvo donc c'est pas marqué. Ah, c'est gris sur ton compteur? Devant? Ouais. 735, 733 km. Il me reste 630. Ah, il me reste un petit fond quoi. Appuie sur I. C'est toi le I? Sur l'esprit que je suis arrêté. Putain, le rire, j'ai cru un film d'horreur. Bah ce rire, c'était une réaction à un jeu d'horreur qui durait 5 minutes que... Momodo m'a conseillé de jouer... Attends, c'était quoi le truc? Momodo m'a conseillé ce jeu d'horreur. Non, il y avait une intrigue. Je sais, Momodo m'a dit de jouer à ce jeu d'horreur. Bah c'est quoi ton jeu d'horreur, Yaya? Bref, ce TikTok a fait plus de 2 millions de vues, je me suis fait incendier. Mais ça m'a rapporté beaucoup de visibilité. Et c'était pas prévu, hein, vraiment. C'était vraiment, j'ai vraiment... Vous connaissez vraiment pas. Le tableau de bord, moi, ouais. J'ai explosé dans les commentaires. T'as explosé dans les commentaires? Ah oui, t'as, ton commentaire a marché, ouais. Ouais. Quand vous êtes les premiers à commenter, si vous voulez un petit tips, les refs, sur mes TikTok, quand vous êtes les premiers à commenter et que le TikTok marche, vous êtes le top com. En général, c'est toujours les premiers qui commentent sur TopCom. Si jamais, si ça peut vous inciter à commenter. Oui, à part si vous mettez first, quoi. Mais si tu mets un commentaire sur le TikTok et que le TikTok marche, vous serez premier TopCom, parce que les gens vont aimer les premiers commentaires qu'ils voient. Si vous mettez un truc à peu près drôle, même pas besoin d'être drôle en vrai, parfois, quel intérêt. Mais d'être TopCom. En vrai, il y a des gens qui suivent les gens qui sont TopCom. Genre, regarde, t'as eu des abonnés, non? Grâce à ça. Même si tu fais rien. Je crois pas. Ah non? Ok. Bah, t'as des notifs pour les j'aime, quoi. Non, ma pépé, c'est marqué bâtard. Oh, les gens ont pas envie de se faire. Puis surtout, t'as rien fait. Madame Thomas. Passe-moi, non. Mon jeu vient seulement de son humeur, que c'est bien 30 minutes que j'ai abandonné. Tout seul, comme ça. Je veux le voir, faut trouver ce banger. Faut que t'ailles voir sur le compte. On attend Yaya. Faut que t'ailles voir sur le compte. C'est chiant. faut que t'ailles voir sur le compte Norris, Linpo. Comment t'es sur TikTok, YouTube? TikTok, ouais. Bah, en vrai, oui, ça aide. Hein. Si vous commentez ou quoi, vous aimez, vous partagez, vous enregistrez, ça aide de ouf. Hein.
6000 likes. Ouah. Je vais aller me coucher. Bisous, Max. Bonne nuit, repose-toi bien. Fais plus de likes que sur mes TikTok tout court, maintenant. Fini la popularité. Il s'est allumé tout seul. Bonne nuit, Max, repose-toi bien. Pas de téléphone au volant, Yaya, dit Melio. T'inquiète, c'est pas le téléphone qui roule, c'est le camion. Bon, c'est bien aussi, Thomas. Ça aide clairement. D'aimer, de partager, de regarder un entier, commenter, enregistrer, ça aide de zinzin. Ouais. À l'époque, on mettait un message pour vous dire de juste copier le lien pour partager, faire en visibilité. Alex lui mettait tout le temps pour rappeler ça, pour aider. En plus, il m'a piqué ma fame. C'est moi qui lui avais proposé le jeu. Ah, c'est vrai, John? Moi, je me rappelle que c'était Yaya qui m'a envoyé un MP pour ça. Oui, mais c'est John qui m'a envoyé un MP. Ah, oui. Je sais plus, oui, peut-être. Ouais, bon, j'allais pas dire. John m'a conseillé ce jeu. Qui est John, quoi? Alors, Yaya, figure connue du live. Non, non, j'ai dit mon modo. C'est vrai. Psst. Sur YouTube, j'ai fait un commentaire à 7-8 chez One Kill, ça m'a pas fait choper un seul abonné, c'est vrai. Parce que t'as rien sur ta chaîne. Bah, elles sont où la voiture? Bah, on d'accord, elle vient de pop de nulle part. Bien sûr, une voiture qui pop de nulle part, on aura tout vu. Je te jure. Ça va aller. Sur YouTube, j'ai fait un commentaire. Merde, j'ai vu ça. Tout le monde connaît John. Non, ouais, je vais pas faire ça. Putain, il y a un bouchon devant Nesquik qui passe à droite. Pardon, je t'ai pas vu arriver, Nesquik, désolé. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois que Nesquik a dû piler, mais j'espère qu'il s'est pas tapé le... bouchon de... Bon, ah, mais dégâts. Nesquik, il doit être riche sur ETS, hein. Je suis sûr qu'il a plein d'argent. C'est quand même chiant d'avoir le câble dans ton bouche. Oui, bah, je te le fais pas dire. Tu vas être connaisseuse, là. Oui, oui, oui. Oh là, mais vous avez créé un bouchon là! Oh là là! Non, c'est des PNJ hein, qui ont fait un bouchon, c'est pas du tout. Vraiment, c'est vraiment les PNJ. Mais pourquoi ils sont arrêtés? Ils redémarrent, il s'est passé quoi? Mais rien en fait, ils ont ralenti devant nous, ils se sont arrêtés et. Bah oui, ils sont redémarrés. C'est bizarre, ouais. Bien sûr, c'est qu'il y en a plus que toi. D'argent, ouais. Bah oui, je suis à bon moins 92 000 là, dis-moi qu'on arrive. J'ai envie de danser des doigts comme ça avec cette musique, etc. Ouais. Pourquoi dès qu'on dit doigts, tu penses à un truc bizarre? Je pense pas à un truc bizarre. Pourquoi tu dis que j'ai pensé à un truc? Oula voulait tout dire. Non mais danser des doigts, qui dit ça? Je sais pas. Qui dit ça même? Elle me pose. Bah quoi? 145 millions j'ai, c'est vrai? Pas mal l'entreprise. L'entreprise. Enfin, moi aussi, il faut que je joue plus pour avoir plein d'argent. C'est putain, c'est quoi ce péage? Même les routes là, sur le GPS, c'est quoi cet enfer? Oh, est-ce que... Ok. J'aimerais être avec vous, ça a l'air marrant. Bienvenue, Nesquik. J'ai rien comme ça, elle va se faire troller quand même. Salut, Kid. Comment tu vas, la femme? Des bisous, Ryu. Bon appétit, bonne série. Hein, je suis dans la réserve, merde. T'as pas fait plein? Bah non, j'ai oublié. En même temps, avec Adot, tu peux faire du pole dance. Je sais pas, c'est chaud. Comment tu vas, Kid? Dis, tu vois une station, je suis bientôt derrière. Enfin, je vous vois. On va arriver avant. Bah, en même temps, il reste 60 pas. Ouais, bah ouais. On tiendra que 3000 km, ça fait 3 heures. Non, ouais, 3 heures. C'est vrai qu'il est bizarre le péage. Ah, tu t'es pas fait troller? Non, je suis passé à droite. C'est bon, TikTok retrouvé, mais ce rire. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il est faux, hein, mais c'était vraiment, genre, vraiment naturel. La forme et toi? Merci, Kid, pour ton 6ème mois avec ton Prime! Et ça va super, la patate, Kid. Merci beaucoup pour ton 6ème mois avec ton Prime. Salut Lola, comment tu vas? Putain, Lola de Putter Watch, on te voit souvent quand même, ça fait plaisir. Les nouveaux qui passent souvent, ça me fait plaisir. Vous régalez les refs. J'aime cette fidélité. Merci beaucoup qui tu régales. Et ça va super la patate, ça va nickel. Naturellement faux, comme quoi tu as un don. Je te permets pas. Mais je te permets pas.
Ça va super, Lola. La patate, la patate. Mais pensez à la musique, là, quand je reçois mon pseudo, là. Hello, là. C'est comment, Lola? Non, c'est quoi la musique, Aya? Lola. Oui, c'est ça. Allo, Lola. Non, j'ai plus. Pas toute seule. Avec deux mois, quoi. Lola, comme un garçon. Ce serait toujours fidèle. Oh, quelle déclaration. Sans capa, sans rien. Eh ben. Oh, putain, je... C'est vrai qu'il passe souvent, on est bien aussi, mais bien sûr. Les anciens, ça te plaît pas, mais bien sûr que si. Mais pourquoi vous prenez la mouche pour rien, là? Et après, les anciens, vous êtes pas obligés de revenir non plus, hein. Comme un garçon. Oh, ouais, c'est ça, sa fille. Nouvelle chanson avec tout le monde. Attends. Toujours une nouvelle chanson avec ma chanson. Avec ton pseudo, plutôt, non? Ah, faut qu'on fasse le DLC Outer Wilds, d'ailleurs. Hein. Toujours pas fait, hein. Ça, c'est une folie, hein. Ouais, c'est qu'il faut faire juste après avoir fait le jeu, comme ça on est toujours dans l'ambiance. Non, en vrai ça va. Ah, mais sur un petit laps de 7h, c'était cool. Enfin non, c'est plus de 7h, je crois. C'est tellement difficile de se garer ici. Oh là là. Oslo découverte, let's go. Bah c'est bien, 3100 km je crois on a fait, pour un live... Ouais, c'est ce que j'ai dit, 3000 km, 3h. Ouais, c'est parfait. Un peu plus de 3000, je crois, 3400, je crois, on a fait. 2918. Bah, à chaque fois, il annonce plus. Parce qu'il y avait plus de 3000, on s'est fait transporter pour les travaux. Oui, mais on est revenu en arrière. Ah, mais il compte peut-être. Oui, mais il compte peut-être. Pas le périph. Le bateau. Ah, oui, c'est ça. Bon, il est bien le stationnement. Oui, trop facile. T'as gagné zéro? Bah, j'ai 238 000 de réparation. Donc... Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Mais quoi? Bah une fois tu m'as coincé et une fois tu m'as envoyé une voiture dessus. Mais tu exagères, et il y a une fois aussi où tu m'as poussé, hein. Juste pour te venger. Non, tu m'as coincé. Tu m'as poussé juste pour te venger. Tu m'as coincé. Tu m'as poussé juste pour te venger en me disant tu m'as pas vu là? Ou je sais plus quoi. Non, je t'ai pas coincé. Vu là. Arrête de faire du boucan, ça fait mal à mes oreilles. Tu galères à te garer alors que ça y est, je comprends pas, j'arrive oh pas. Là, mais je comprends pas pourquoi il valide pas. C'est possible. Arrêtez de faire du boucan. Arrêtez, ça m'angoisse. Et j'aime vraiment pas ce que vous êtes en train de faire là. On fait ton radar de recul. J'arrête de respirer. Ouais. Mais refais un tour gratuit, il y a tellement de place sur le parking. Mais laisse-moi tranquille, je suis garé là, mais je suis garé. Moi j'ai de vue. Non, moi j'aime bien rester en première personne. Ouais, c'est fini pour moi. Il se passe quoi? Bah tu m'as défoncé. Moi j'ai eu 80 000 euros. Bien. J'ai moins 73 000. Sachant que j'ai réparé mon camion à 70 000, bon moi c'était pas mal, ça valait le coup. Bah du coup t'es dans le positif là. Non, je suis à moins 12 000. Ah bon, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Non, ça va pas du tout. Y a pas un contrat à 12 000 euros, pas trop long? Ouais, y a moyen. Plus kilométrique? Non, pas comme ça. J'ai fait un contrat de 200 bornes, j'ai fait 28 000 tout à l'heure. 45 000 là pour aller au Danemark, mais y a du temps en bateau. Ah ouais, mais je sais pas combien de temps il met. Y a du temps en bateau, ça nous fait accélérer. 145 tout. km de ferry et 462 par la route. Oh, bah c'est rapide. Ouais, ça va vite, ouais. On c'est fait ça pas, ouais, oui, ça fera. Ah vous, on est payé 93 euros le kilomètre. Je sais que c'est ouais. Énorme. Ouais, moi je fais des contrats à 130 quoi par kilomètre. Ah, oui, ah ouais, 93 euros le kilomètre, mais j'ai jamais eu des contrats aussi gros, moi. Gagner 137 ah, 000, là. Faut vas-y, aller go. Où, du... C'est ici. Ah, mais je suis pas avec vous. Merde. Ça paye bien, de ouf. Où est-ce qu'on prend? Ah, c'est là qu'on prend les contrats. Le plein? Ouais, faut qu'on aille faire le plein. Ah oui, faut que tu fasses le plein, toi, oui. Offre de traction. Qu'est-ce qui se passe quand on a plus d'essence? Putain, c'est pas possible. Enfin, bah, cas, quand t'as plus d'essence, tu t'arrêtes et tu dois appeler la dépanneuse qui vient te chercher et te fait faire le plein. J'ai pris le contrat. Ok, j'arrive. Je suis à...
3 minutes. Ah là, la peine. Ne fais pas d'accident. Non, non, là, faut pas. 45 000 euros, il faut que je me remette un peu de sous quand même. Hein. C'est un petit trajet. Non, pas d'accident là. Faut renflouer les comptes. Surtout pas abîmer la SPI et ni le camion. Je vais continuer à rouler. Là, c'est vrai? Ouais, je pense que je vais mettre Feld Up et. Moi aussi, j'ai envie, mais il faut se lever demain. Mais non, mais je joue pas jusqu'à 3h du mat, mais genre. Oui, mais quand même. 2h30, tu vois. Oui, bah oui. Roule au limiteur. Non, pas besoin. Hein. T'es loin ou pas, Yaya? Non, je suis à. Ah, c'est une double remorque. C'est pour ça que c'est cher. Je suis à 50 km, ça veut dire. 3 minutes. C'est mais allez-y, roulez, t'inquiète, t'inquiète. Ok. C'est moi ou à la double remorque? Ouais, on a une double remorque, c'est pour ça que c'est si cher, enfin que c'est payé si cher. C'est marchandise fragile, ouais. J'ai vu, et il y avait je sais plus quoi avec. Il y avait 3 icônes. Est-ce qu'il y a une station pas trop loin? Là où j'étais, il y avait une station, mais je sais pas si c'est. On devrait passer devant. Ouais, ça va partir en double remorque, donc faut faire attention sur la route là. Allez, pas de conneries, on se fait un parfum livré. Excellent, on se fait. Faut qu'on se refasse plein de thunes là. Là, c'est une livraison très sérieuse, ok? Et prends large, ouais, et prends de large. Enfin, attention. Je suis à 160. Il reste 260 km. Moi, je trouve une station d'ici là. Il est vraiment bien ce jeu, c'est une folie. Je pense que c'est vraiment un jeu où je pourrais passer le cap des 1000 heures facilement. En live ou hors live. Sans me lasser. Pour une fois, il n'y a aucun jeu qui me fait ça, mais lui... À part Valo, j'ai vu Valo, en fait, je vois les jeux où je tiens vraiment avec le nombre de miniatures que j'ai faites. Oh, je lag. Et Valo, je suis rendu à la 46e miniature. T'imagines? Ouais, oui, mais Valo, ouais, mais Valo, c'est différent, parce que Valo, au bout d'un moment, tu rages. Ouais. Alors que Eurostruck, bah tu... C'est tellement temps. Chill que en fait tu rages jamais. Ouais. T'as combien d'heures pour l'instant sur ETS? Je suis à 140 heures je crois, ce qui est pas tant que ça hein. Mais on a peu d'occasions d'y jouer. En fait j'y joue que quand il y a Yaya en live, et hors live j'y jouais quand je faisais plus de live. Parce que ça prend du temps, je trouve, à jouer hors live. Tu te poses pour une grosse session quand tu fais ça, parce qu'il faut installer le setup et tout quoi, donc... Les heures hors live que tu fais. Eurostruck? Bah, Eurostruck, j'y ai pas beaucoup joué hors live, hein. À part la période où j'avais arrêté les lives, je jouais beaucoup à Eurostruck. Respecter les mutations, non, ça compte pas dans le prix final. Non, sur Valo, Nono. Ah, Valo, ouais, Valo, ouais, j'ai pas mal joué en vrai. Je sais pas si on peut voir, si sur Valo Tracker, je pense, on devrait pouvoir voir le nombre d'heures. Ouais, je regarde ça. 175 heures, ah ouais, j'y peux. Valo, faut que je regarde, ouais, je suis à combien d'heures? Vous pouvez peut-être voir vous-même en vrai chat, si vous allez sur Valo Tracker et que vous marquez Valo Tracker, pardon, et vous cherchez Nourrice, je pense que vous pouvez voir vous-même. Mon nombre d'heures de jeu. Je pense qu'on devrait pouvoir voir dessus. Je suis pas sûr, je suis Je pense pas, hein. Je sais pas. Je pense pas. Je vois pas où ça pourrait être. C'est vrai que oui, y a rien du tout. Non. Tu remarmonnes un petit peu. T'entends, mais tu remarmonnes un tout petit peu. Il est terriblement triste, le Lamger, il n'y a aucune info, aucune information. Ah, ça m'énerve. Quand je dis à quelqu'un que je n'entends pas parce qu'il marmonne et qu'après il exagère dans un, ça m'énerve. Mes meilleurs délires, c'est avec mes potes là où ils faisaient des accidents de malades mentaux sans faire exprès. Sans faire exprès. Vous connaissez, ouais. Hein? On connaît les sans faire exprès. Surtout ce JP. Ouais. Ah bah oui, j'ai pris 25% à cause de JP aussi, lui, c'est vrai. Je l'ai dit pas ça. Putain, mais y'a pas de station. Il reste 140 km. T'as pas assez pour Non, il reste 530 de trajet. Putain, mais y'a aucun... Mais une station. Y'a forcément une station à genre 100 bornes ou 150 bornes. 33 heures à skip. Ça, il faut pas que tu regardes sur la saison actuelle, Vem. Il faut que tu regardes sur toutes les saisons. Pas sur la saison actuelle. Faut que tu mettes toutes. Tu peux choisir normalement. 33 heures Valo, ça. Mais non, ça fait deux samedis, ça. Je sais pas comment il compte le tracker. S'il compte que la partie, le temps game.
Bon, oui, bah, ça reviendra à peu près au même après ça. Mais non, parce que là, il faut. Ça traque par saison. 314 heures. 314 heures ? Ah, je pense à plus. Bon, c'est pas mal pour moi qui a du mal à accrocher au jeu. 314 heures, pour moi, c'est beaucoup en vrai. Sur un jeu. 275 win, 50%. Oh, c'est triste, 50,8% de win. C'est trop triste d'être trop stable comme ça. Et toi, que j'ai un clip où on joue un multi sur un serveur et un de mes potes a bloqué l'autoroute et 13 camionneurs internationaux qui l'insultaient. Tu m'étonnes, t'as pas droit de faire accident. Enfin, tu dois faire gaffe quoi, sur le multi. Tu m'étonnes. Les gens jouent trop sérieux dessus, faut faire gaffe de ouf. 78 km, toujours pas de station essence. Aïe 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 aïe, la remorqueuse qui va venir. Le problème c'est que tu vas te retrouver à Oslo. Ouais, il y a une saison t'as eu 100% de win. J'y ai pas joué, c'est ça? Ah mais non, ça craint, mais genre y a pas de station essence comme ça pendant si longtemps. C'est bizarre, mais normalement... Regarde sur ta map hein. Bah dans tous les cas ça changerait rien hein. T'as fait un match a priori, ah c'est vrai. 72 heures nano. Oh c'est pas tant. Mais on peut voir que tu mets 70% de tes tirs dans le corps et 15 dans la tête. Ouais, bah, en vrai c'est pas mal hein, c'est ok. 15% dans la tête, franchement ça va. Moi j'ai serré les fesses. Pour moi là. Moi aussi j'ai eu très peur. Sauf que la double remorque. Non, 44 km, y'a aucune station en vue. Putain, c'est fou de rien avoir comme ça. Ouais, c'est bizarre. En même temps, c'est que des routes hyper fermées là, ce qu'on a. Enfin, genre. Oui, mais on est quand même sur une autoroute. Normalement, une autoroute. On est censé avoir des stations tous les X kilomètres par rapport aux réserves des voitures. 5 km, et puis y'a rien en vue. Fini. La vue dans le nord. Non. Bah, Nesquik, attends-toi à ce que mon camion s'arrête. Je sais pas s'il te ravitaille ou s'il te TP à une station. Je suppose qu'il te TP. On va voir dans 12 km. Hein. Je pense qu'il va ralentir au fur et à mesure, moi, et que je vais devoir appuyer sur un bouton pour appeler une remorqueuse, un service, c'est comme quand on va au garage. Ouais, ouais, bah en fait, quand tu le fais, il te dit ravitaillement ou. Vous êtes en panne de carburant. Panage. Ouais, t'es obligé de faire ça, mais du coup, est-ce qu'il te TP ou est-ce que. C'est ça que je sais pas. Ah oui. Ah bah là. Attention Nesquik, je m'arrête en plein milieu de la route. S'il y a une station essence juste après, j'aurais trop le seum. Je vais même pas regarder pour pas savoir. Je peux pas me décaler à droite, y'a trop de camions qui passent. La descente roulant d'autres. Bon, je pense pas que ça va me sauver. Peu d'essence? Non, y avait aucune station, y avait rien. Donc dans ces cas-là, assistance. Donc là, je dois faire ça. Ravitaillement d'urgence. Voilà. Vous coûtera 444 euros et pendant 30 minutes. Ça va. Ah, donc vous attendez. Ça part, ah non, vous attendez le service de ravitaillement d'urgence. Et ils m'ont remis un fond. Ils viennent de remettre un fond jusqu'à la prochaine station, je pense, pour que j'aie assez pour la prochaine. Ils m'ont mis 155 km. Donc c'est-à-dire la prochaine station dans 155 km. Ouais, ils m'ont mis un fond quoi. Ou alors ils remettent un fond à chaque fois. Ouais. Il dit ça te prend 30 minutes, mais ça peut pas te prendre du temps. Non, mais ça m'enlève 30 minutes de mon contrat, je pense. Sur mon contrat. Et mais vu que l'heure est. Oui, bah mon contrat a peut-être enlevé. Peut-être que ça a enlevé une demi-heure sur mon contrat, quoi. Enfin, il y a forcément un truc, Yaya. Donc je me dis que ça a pris une demi-heure en moins sur mon contrat. En gros, je dois arriver une demi-heure plus tôt, quoi. Si c'est en multi ou un truc comme ça. Pas longtemps, Thomas, c'est très rapide. 55, ouais, ils m'ont pas mis beaucoup hein. Tout droit. Ah, y'en a une, Nesquik. Parfait. Tu as 314 heures juste en compétition. Après, j'ai très peu joué en classé hein. Oui, trop bien, merci. À midi 30, ouais, voilà, je dois rendre à midi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le truc, ouais. Ça serait logique. T'as combien d'heures sur Minecraft? Je sais pas. Aucun moyen de savoir parce que j'ai joué à un craqué sur différents launchers et depuis j'ai 12 ans sur plusieurs PC, donc pas impossible de savoir. Mais clairement Minecraft, beaucoup plus que Warzone je pense. Moi ou elle roule pas, il y avait une petite montée.
68 heures en non classé. Ah quand même, 68 heures en non classé. T'as plus que 3 minutes avant de devoir couper, fais gaffe. Ouais, Minecraft, main jeu. Ouais, c'est ça. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas avoir notre promoteur sur Minecraft. Oh bah t'es là, Yaya. Oh, tu nous as déjà rattrapé du coup. Eh oui. Je vais doucement, j'ai peur de gaspiller de l'essence. Mais elle est où la station? Oui, il est tout droit. Il a dû regarder la map, je pense. Il reste 80 km, enfin je rappelle le service, je suis sûr. Ah, ah seulement, là que... Ouais. Mais c'est rapide. C'est logique qu'ils te mettent de quoi arriver jusqu'à la prochaine, sinon ça dégoûte. Ouais, c'est vrai qu'il dort. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de moyen de voir notre troubadeur sur Minecraft. Il y a peut-être moyen avec, avec un compte officiel, mais bon, vu qu'on a tous commencé à en craquer et pendant assez longtemps, ça serait trop galère. Ouais, je ne sens pas de vie sur Minecraft de fou, puis tu recommences tout le temps, et puis c'est un jeu qu'on a tous commencé il y a longtemps quasiment. Ah oui, il y a l'esprit de poule. Ouais, bah si, il m'a mis assez, ouais. C'est bien fait, j'aime bien. C'est bien fait. Tu crois pas que les comptes Mojang aient le temps de jeu? Ou sur ton profil. Ouais, même, ouais, bah ouais, non, c'est vrai. Avec ton pseudo, il y a peut-être quelque chose. Ah, oui, non, c'est que c'est à jouer en ligne. Oh, c'est joli ici, j'aime bien. Ouais, c'est très bien fait, les armes. Les joueurs console qui vont plus avoir le temps de jeu, ouais, c'est vrai. Et en plus, j'ai joué sur console aussi à Minecraft. J'ai joué sur Xbox. J'ai joué vraiment sur tout. Et il me reste 40 km. Non, match à mort, équipe 01 et 7 en match solo à mort. Ah oui. Oh, ouais, j'ai joué sur Xbox sur Minecraft. J'ai joué Xbox sur Minecraft. J'ai joué sur le PC de ma mère à l'époque. Sur un PC fixe après de la famille. Après, sur un tout PC de merde que j'avais. Et après, sur ce PC là. Et sur le PC de l'école aussi que j'avais pour Epitech. Genre ça allait partout ce truc là. 1.96, c'est quoi? Ah le prix de l'essence? Ouais. Nostalgie ce jeu, ouais. T'as joué jusqu'au moment où les inventaires laguaient ou t'as arrêté avant? Je sais même pas pourquoi j'ai joué sur 360 en vrai. Parce que j'avais déjà un mini PC pour, je m'en rappelle pas de ça Kiki. Hein. Je sais pas, mais je sais même pas pourquoi j'ai joué sur 360. Oh mais quel blocage de route Nesquik. Oh là là. Efficacité. Je sais pas. 1900 balles ça pique. Ouais c'est cher hein. Ok en route. On a pas encore pris le ferry. Bon ça va, on va aller vite là. Oui. Il va même bien ce petit contrat. Là, je peux pas aller plus vite que ça. Ouais, moi là, je peux pas aller plus vite que 80. Mais la montée, je crois, nous met en galère. Allez, loulou. Ouais, mais... 100 km et 0 dégâts. Incroyable. C'est vrai, on a fait 0 dégâts pour l'instant. C'est réel. Attends, attends. Pour l'instant, ouais. Ah, oh, c'est beau ici. Là, là, si je roulais pour de vrai, je me serais arrêté, j'aurais pris des photos. Trop beau. Bon, faut que j'accélère un peu quand même. Passe pas à 100 le péage, ça passe pas. T'as dit quoi? Non, pas le péage à 100. T'as essayé? Oui. Ah, pour saut du pont. N'importe quoi. Ah, et bah après le 24h que j'ai en idée là, le prochain je ne coupe pas tant que on fait 24h Euro Truck. Avec tout le setup, ouais j'ai tout le setup kit, levier, le vent, levier de vitesse, waouh, pédale, levier de vitesse, c'est volant. Ah oh, c'est dur. C'est dur hein. Ah ouais. Le bus, oh le bus. Ouais je tout le kit, et je suis pas en auto comme ce feignasse, cette feignasse de Yaya. Elle a tout quoi, ouais j'ai tout quoi, 24 heures de débat, ouais. On va s'endormir au volant, ça va être marrant. C'est la nuit que ça va douiller. Mais avant, faut que je vois si je peux courir ou quoi, parce que je vais avoir mal au genou, parce que c'est le pire pour l'instant, c'est de conduire pour mon genou. Mais là, ça va. Ça va? Ouais, est-ce que j'ai de... Ouais, bah là, j'essaie de détendre souvent. Faut que j'aille courir pour tester doucement.
Mais je crois que c'est bon, j'ai plus mal tout, je crois que c'est réparé, ça y est. Mais n'empêche, ça a duré longtemps, hein. Ça fait depuis le 14 janvier, 12 janvier, je crois, la course, tu te rends compte? Depuis ça que j'ai mal. Ah ouais, c'est, long, c'est une déchirure ou quoi, ouais, donc ça serait... En plus, je me suis reposée, quoi, j'ai pas utilisé mon genou ni rien, genre c'est une folie comment ça a été long. Ouais, mais tu l'utilises quand même tous les jours, au final. Bah, pas tant, hein, je suis streameuse, quoi. Par marcher de temps en temps, et encore, je pense que ça lui a fait du bien plus qu'autre chose. La bielle automatique, c'est la vie. Moi, je suis sûr que j'aimerais pas une voiture auto. Juste parce que c'est double, et sinon, je suis sûr que j'aimerais pas, je vais trop m'ennuyer, moi. J'aime trop conduire vraiment à fond. Vraiment? Ah, ouais, vraiment une porte. Dans les ouais, oui. Bien content d'avoir une moto. Tu lui feras quoi, le 24 ETS? Ah, le smell, il est intéressé. C'est dans l'ombre depuis tout à l'heure, mais là, c'est le smell, tu vas bien? Je sais pas. Il faut d'abord qu'on fasse un 24 heures, je ne coupe pas tant que, et je vous dirai le nouveau concept qui me plairait bien, ça va être cool, faut qu'on fasse ça. On a déjà fait 24 heures là, début février. Donc, j'ai décidé de 24 heures, mais bon, doucement. Quand j'aurai un week-end, déjà, je calerai ça. Et après, on verra pour ETS. Et sachant que là, le 2 mars, il y aura une big annonce et les week-ends vont commencer à être pris. Vous allez voir après la big annonce. Alors, je pourrais l'acheter, mais pas de place. Même lui, tu sais, je pourrais pas vraiment passer de place. Ah ouais, à ce moment-là? Bon, c'était un bureau. Ouais, ouais, après, ça fait un bureau quand même assez large. Ah, oh, je vois un cut. À droite, là. On va devoir t'endormir au volant. Ouais, on verra les dangers de ne pas faire de pause en, au volant. Ah non, y a pas ce mail parce qu'il y a marqué que c'est ton premier message qui vient d'envoyer. Mais il y a moyen que ça s'est pas envoyé parce que peut-être tu viens de te créer ton compte. Enfin, des fois, Twitch, on voit pas les messages, je sais pas pourquoi. Mais wesh, c'est quoi ça? Mais frérot, fais gaffe, Nesquik freine. Mais pourquoi y'a un mec à contresens qui a arrêté au plein milieu de la route? Excellent. Mais y'a pas... pour rien. Bah non, il venait tout seul. Mais y'a pas à faire ça. moi je te conseille celui que j'ai, le Smile, le Logitech C920, avec tout le volant, levier de vitesse, c'est très très bien. C'est ta webcam. Ah, C920? Ah, c'est comment alors? oui, c'est pas ça. G29 ou G920? Ah oui, G920. Bah c'est pareil, c'est juste que c'est un G... Ah mais oui, c'est la même chose. Attends. Ah oui, c'est juste le G à la place du C. Ah, trop marrant. C'est exactement la même chose. Pour votre quoi, la big annonce? Recevoir un petit carton comme ça. Oh, volant. Non mais t'excuses pas, le smell, tu peux rien, t'inquiète. G920, ouais, merci. La VR. Ouais. Bah sur t'as pas 24 heures, y'a vrai chose un petit peu. Mais tu dois avoir mal à la tête au bout d'un moment. Pas du tout. Non, le casque, ah ouais, il est vraiment bien. Déjà il est pas lourd. C'est combien? Genre il coûte combien le tien? 650. Je m'attendais à 200 euros quoi. Ah, encore. Et... je me disais, oh, c'est cher quand même, hein. Ouais mais c'est parce qu'il fait réalité mix aussi, c'est ça. Trop bien. Ça c'est incroyable. T'en as un, toi, JP? Des bisous, Podorbama, je sais pas quoi. Des bisous, Thomas Bonnier, repose-toi bien. Ah, tiens, y'a le truc photo, j'ai jamais essayé ça. Ça marche pas, enfin, y'a rien. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore capté. Je sais pas, je vois pas de logo. Ah, mais non, je crois qu'il faut pas s'arrêter et faire un se mettre en mode photo. Ah, te faire toi-même? Ah, je sais pas. Mais y'a un succès lié à ça, donc. Tu le Quest 2, c'est celui que t'as aussi, toi, Yaya, non? Non. Podorbama. Oui, il fait pas. Bah, c'est celui-là, oui, il est à. Essaye de parler 205, un peu plus fort, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Mais je parle vraiment fort. Non, non, tu parles pas fort, il y a d'abus. Ok. Mais du coup, le Quest 2, il est. Je crois qu'il est en promo à 250. Attends. Ah ouais. Il fait pas réalité mixte. C'est quoi, réalité mixte? Bah, c'est de voir ce que tu veux à l'écran et de voir la réalité devant toi en même temps. Ah oui, c'est de la merde, ça sert à rien. Ah non, c'est beaucoup trop bien. Non, ah non, moi ça m'intéresse pas. Hein. Moi ça me fait peur tout ça. Mais attends, j'ai calé Nesquik. Ça pour le coup c'est dingue. Non, moi ça m'intéresse pas. Hein. Bon, on est tout le temps dans les écrans là. Oh là là là. Ah, la pouveuse. Yaya, tu t'inquiètes pour tes voisins? A dit bonne note.
pas vraiment. Pourquoi vous s'inquiétez? Mais je parle fort, je parle vraiment. Pour moi, je parle vraiment très fort. Reste Sullivan, fais le plein. Non, mais c'est bon là. Ça devrait aller là. À 300 mètres. Noxy, je pense que c'est bon là, on est plein. Ça reste pas ou ça te fait peur? Les deux. Mais même ça m'intéresse pas. Et ça fait peur. Des bisous, Pauline. Passe une bonne soirée. Mais je te jure, Vem, hein. Je pense Bonnet, il a un problème avec nous, hein. Moi, le truc, c'est pas grave, j'ai un problème avec lui. Ça, j'ai double remorque. Ouah, je sais pas, c'est juste. Oh, c'est trop mignon ici. Dans les petites maisons. Plage. Ah ouais. Et t'as vu les petites maisons rouges? Bah, j'ai pris le ferry déjà, mais on est à côté de la plage. C'est trop bien. Ah ouais. Mais oui, mais t'as vu les petites maisons, c'est trop mimi. Oui, oui, oui. Je t'en fiche. Mais non, qu'est-ce que vous me racontez, mieux, en fait? Ok, je verrai. Je sais pas, je viens de me battre avec toi, Bonos. En fait. Je viens de te démarrer. Promémi, tout à l'heure, j'ai dit que je partais en lurk. Mais je rigole, Bonos, tu me réponds pas au premier degré, arrête, ça me fait peur. Je t'embête. Je vais aller me coucher pour pas finir en PLS demain matin. Mais arrête de justifier. Alors maintenant, ça suffit. Putain, retourne mettre ton slip sur ta tête et loucher là. Ça te va mieux que d'être sérieux. Quoi? Je sais pas, ça lui va bien cette image, le slip sur la tête est en train de loucher. J'ai cette image là de Bonnet. Ok. On fait un ballot. Joue. Les attaches en dessous du volant, elles sont petites ou pas? Car je préfère qu'elles soient petites. Les attaches? Pour accrocher sur ton bureau? Ouais, ça fait genre 3 cm. Non, ça fait plus grand que ça, non? Ah, en dessous! Ah oui, ce qui dépasse, en dessous! Bon, un peu plus quand même, Yaya, non? Moi, ça fait deux doigts à moi, ça fait 3 doigts à toi. Non, mais en épaisseur. Oui. Ah, mais. J'ai rien dit. Ça y est, dès qu'on dit doigts, tu penses à des trucs chelous. C'est toi qui oses me dire ça. J'ai rien dit. Oh non, bah voilà, j'ai tapé, putain. Chose de Yannick. Mais quoi, comment ça, quoi? Tu m'as déconcentré. Voilà, voilà, ah, là, la vérité. On te parle de doigts et ça te déconcentre. Incroyable, hein. Putain, j'ai perdu 16%. Mais ça va, c'est sur mon camion. C'est bon, les gars, ce sera du parfait, c'est mon camion qui a pris. Pas la semi. Putain, les échéances sont tombées. Et j'ai payé 21 000, moins 36 000. Ah, ça va, t'as que 21 000. Ah, ça va. 21 000 à payer d'échéance? C'est tout, tu dis? Oui, ça va. Ah, mais moi je pensais que t'étais genre à 50 000, tu vois, à chaque fois. Ah non, 21 000. Ça va, ça va. Mais ça dure longtemps. Salut SHR, comment tu vas la forme? Bah je vais le prendre. Oh ah ouais, direct comme ça, let's go le smile. Ouais, moi je te conseille, faut vraiment, jamais eu aucun problème et très très bien. Tout l'ensemble et tout, et pour le prix, genre, trop bien. Vraiment trop bien. Même avec deux doigts, trop serré. Waouh, trop serré. Ah, plus que 3 cm, ouais, c'est plus. Hein. Ah oui, là, on dirait la Normandie, tiens. C'est mignon la petite plage là. On est juste à côté, on pop. C'est bizarre d'ailleurs qu'on pop comme ça, mais. Ah oui, c'est mignon. C'est sympa. Les plages du Nord. Le ciel est beau, les arbres sont. Mais c'est pas un truc qu'on a l'habitude de conduire sur ETS, c'est pour ça que c'est trop bien. On a pas l'habitude de ces routes, c'est trop cool. Ouais, bah le Danemark, on l'a pas fait souvent. Hein. Trop mignon le smile, trop sympa, c'est gentil. Ça, ça fait plaisir, ça c'est vraiment gentil, j'aime bien. Ils sont toujours gentils les nouveaux, c'est trop bien. C'est bien parce que sur Twitch, les gens ils ont aucun mal à dire des choses gentilles. En général. Go retourner dans la neige. Ouais, faudrait réinstaller ProMode. C'est vrai que les succès marchaient sur ProMode, hein. Il me semble. Ouais, il me semble. Mais je sais pas si j'ai la faute de réinstaller ProMode en vrai. Déjà le multi, pourquoi pas? Après ProMode, je sais pas. Merci Yaya pour ce beau faire à le smile. T'es en Normandie? Non, au Danemark. Mais wesh! Eh, mais les voitures, c'est des zinzins! Il m'a foncé dedans! J'attendais en plus, il m'a foncé dedans! Merci Yaya pour ce beau faire à Snail. Ouais, c'est ça, c'est SHR. Hein, SHR. Salut Nono, moi aussi j'aime beaucoup ta chaîne Twitch, les gens sont trop sympas, ils sont tous vers quand même Core et Layla.
Les bananes cool cool. Obligé d'être gentil sinon c'est ban. Non, c'est pour toi qu'on vous a pas ban. Merci Yaya. Ah, il m'a foncé dedans, vous avez vu? J'ai rien fait. En plus, pour une fois, j'ai pas coupé la route. Je me suis dit, bah, je vais attendre. Il va avancer. Quand il va avancer, je vais pouvoir avancer aussi. Oh, ça l'a gâché. Mais le mec, il a sans vergogne, il m'a foncé dedans. Je vais aller faire du slurp à Amou. Tu viens me ça, Biaya? Je sais pas, j'arrive. Non, non, vous faites pas ça, les garçons. Ma gueule. Ça date les bandes de par blague. Ouais. Hein, je t'ai vu, tu lui as mis deux doigts au gars. Et donc, si, tu tombes. J'avoue, les PNJ, des fois, ils réagissent trop bizarrement. Mais oui, il m'a foncé dessus. Et à fond, limite, il a accéléré dans son virage. Et des fois, ils t'ignorent. Enfin, ils font comme si t'étais pas là et. Si, si, il a fait comme si j'étais là parce qu'il a accéléré. Malade. Ah, le stationnement, c'est de la merde. T'as toujours pas mis le stationnement comme nous? Non, non, mais il y a la zone qui apparaît et c'est tout. Privé. Mais là, là, c'est coincé entre deux voitures et des bottes de fou. Ah, n'empêche, ce contrat, il vaut le coup de fou, hein. Si rapide et payé si cher. 93 euros le kilomètre, t'imagines, toi? Ouais. Il me reste un point pour avoir toutes mes aptitudes à fond. C'est dans les produits dangereux, c'est le tout dernier, j'ai tout fini. Si ça monte bien le prix. Bah ouais. 93 euros le kilomètre, ouais ouais hein. Et c'est un petit contrat et tout, genre frère, trop bien payé. Oh waouh, Bonos, t'aimerais pas jouer à Euro Truck? Je te vois bien là-dessus toi, t'aimes bien l'URP un peu. Je te vois bien chauffeur poids lourd là, avec ton petit accent là, sur le multi. Ta gueule, mais pourquoi tu me ta gueule? Je suis super sérieuse. Pourquoi tu me balances à ta gueule? Oh, il est super ce jeu, c'est pas méchant. Pour une fois que j'étais sérieuse comme ça. Quoi? Je fais 52 000, ça va. Ok. Ah, c'était 45 000 normalement, je crois. Oui, mais avec l'XP, tu t'en fous. Ah ouais? Il y a vraiment du RP avec des locaux sur ETS? Bah, il n'y a pas du RP dans l'évoque, tu peux parler, mais il n'y a pas du RP dans l'évoque, mais dans la conduite et dans tout. Enfin, le jeu est RP quand même. Sachant que certains roulent en entreprise, en convoi, tu dois respecter l'imitation en. Enfin, tu dois un peu tout respecter, tu dois bien conduire en tout cas en multi. À mon avis, les mecs à la CB sont RP. À la quoi? À la radio. Ah oui, oui, t'as les radios et tout, ouais, ouais, je pense, ouais. Je pense que là, ils sont RP, les gars. Mais dans la conduite, de toute façon, t'as pas le choix de l'être, genre, sinon tu peux te faire ban ou quoi, genre. Quand t'es en multi, tu dois l'être. Tu dois bien rouler et. Ouais, et après, t'as le délire où t'as une entreprise avec Truckers Book. Comme je disais, moi, ce que j'avais fait avec mon frère. En gros, t'es dans une entreprise et là tu roules pour l'entreprise et tu dois déclarer tous les trajets que tu fais dans l'entreprise via des Discord ou via des applis ou quoi. Et tu dois créer exactement le même camion, tu dois rouler avec, tu dois dire quand est-ce que tu te reposes, où est-ce que tu déposes le camion. Enfin, c'est vraiment, t'as une fiche à faire et tout, c'est trop bien. À être jockey parce que t'as la taille. Mais pourquoi t'as pris la mouche, toi? J'ai envie de te fumer. Ça fait 3 heures que tu réfléchis pour dire cette merde là. En plus, tu m'as même pas répondu si tu voulais essayer Euro Truck. Ouais, bonne nuit, bonne note, espèce de pignou boss. Oui. Repose-toi bien. Bonne nuit, bonne note. Malade, lui. Non, j'aime pas conduire. Ah, oh, c'est vrai. Ok. Bon, bah, bonne nuit. Repose-toi bien. Ah, pardon, j'étais là. Merci tout le monde. Demain apéro, hein, les loups, hein, ceux qui veulent vous faire une petite planche là et l'afficher. C'était pas. Ok. Bonsoir. Oh non, c'est vrai, c'est double remorque. Oui, t'as vu où c'est? Coincé entre une voiture et des bottes de foin. Ah ouais, les bâtards. T'as réussi facilement? Les bottes de foin, c'est des bières. Des packs de bières. Bon, en fait, ça m'a saoulé, j'ai refait un tour et j'ai réussi en manœuvrant une fois. Ça allait. Ouais, je pense que j'ai pas le choix aussi.
Désolé, j'avais un reste. Seule planche que je vois afficher, afficher ici, c'est Nono. Oh, oh le bâtard. J'espère que tu vas faire plein de cauchemars. Des plans de chat qui m'attaquent. Va dormir. T'as le con, va. Ah, genre, il passe pas là. Oh, pourquoi on s'est tapé? Non, c'est ah, la voiture devant. Devant, pardon. Bah, genre, il passe pas c'est là. C'est l'alarme de la voiture. Bon, bah, je recommence alors. Des fois ça se joue à pas grand chose, c'est trop chiant. Ah ouais, parce que là j'étais bien quand même tout à l'heure. Laguna. Oupsi, en plus tu m'as prévenu. On m'a fait un tour. Ok. Attends, mais comment je peux faire mieux? En fait, faut arriver face au mur et au tout dernier moment braquer à droite. Bah ouais. Et je... T'as vu comment je suis droite, Théma? Il y a juste le bout un peu, genre ça va. Attends, t'es... Attends, je vais remonter. Bah, trop tard, j'ai bougé. Je fais demi-tour. Laguna Matata, il me saoule. Bon, bah, je suis vraiment à la dernière minute. Mais ça va, il y avait un bout de la remorque qui était un tout petit peu pas droit à l'arrière. Mais vraiment, tout petit peu. À l'arrière, bah, il m'a pas trop fait chier, je crois. Bah, j'étais bien, sinon, il y avait que l'arrière. Bizarre, bizarre. Ok, là ça passe. Là t'es pas mal. Je pense que t'es bien. Bah, à chaque fois je fais ça, Yaya. Vraiment. Bon, je bien bien le mur. Ah ouais, bah à chaque fois je pense que je redresse trop tôt, ouais. Je redresse. Et ça me paraît pas être droite là, la dernière minute comme ça. Non, mais tu peux avancer un peu plus loin. Là t'es pas mal, même l'arrière est pas trop mal en vrai. Bah, je suis beaucoup mieux que tout à l'heure et il valide toujours pas. Avance un petit peu ou recule un petit peu. Pourquoi, putain? Non? Ouais, là il est tatillon, hein, là pour lui. Ah oui, hein? Je suis d'accord avec toi, hein. Il était presque, je tape ta... Bah non, je peux même pas taper ta remorque. Bah non. Mais c'est une folie qu'il m'accepte pas. 47 000, je suis bien, il a une explique. 47 000, et épée. Ah, mais pourquoi il veut pas? Il y a pas à me refuser comme ça. Ah, faut que tu longes encore plus le mur, alors. Ouais, attends, et j'ai longé tout le long. Ouais, mais faut que tu viennes d'un peu plus loin là, ce que tu fasses, c'est que tu viennes de... Non, je peux pas faire mieux, hein. C'est ce que je fais déjà, ouais, le big détour. Tu fais comme ça, tac. Là, mon dernier moment. Ah oui, c'est ce que je fais, hein, je te jure. Mais là tu redresses pas tes roues, en fait, tu continues à prendre de... Oui, c'est ce que je fais, c'est ce que je viens de faire, justement. Tout à l'heure, j'ai peut-être tourné un peu tôt, là, j'ai fait rien jusqu'au bout. Je longe tout le mur, regarde. Sinon je me tape dans le mur là. Là je redresse quand j'arrive ici. C'est bien, oh, c'est là, reste, tu l'as pas. Mais c'est même pas droit là, tout à l'heure c'était droit. Tu sais, mais si, des fois c'est. Ouais. Je joue un poil de cul. Pardon. Excellent. 2h22. Chez votre nez. 45 000 j'ai aussi. Let's go. Wouh. Wouh.